On le faire, mais bonsoir à Et tous, bonsoir à tout le monde. <laughs> Nous commençons le live ASMR ce soir. J'espère que vous allez bien. Ah ouais j'espère aussi que vous allez bien. <laughs> <une> grosse émission <laughs> ce soir, attention. Très, très, grosse émission ce soir. Bon, bon on arrête a... parce que <laughs> Ouais, chiant. Les gens en bagnolent sur leur podcast, ils vont dire « putain, c'est que le micro il déconne ou quoi là Merde, <laughs> je me suis trompé de, me suis trompé de podcast. <laughs> <C 'est ça. rire> Désolé, c'était bon pour, pour la petite blague pour commencer le stream. Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir à toi, Corsair, Anton Lupi, Matima, Choukoy, Someone, Cyrus27 euh, sur Twitch. Si vous pouvez me retrouver en simultané sur Twitch et YouTube. Ce soir, grosse émission justement avec. Euh... Max, euh, oh là, je suis euh, Avec Chrisby, je vais y arriver, euh, qui va nous faire l'actualité au niveau non. de Star Citizen. Et nous avons Euclid, qui est présent ici, qui va nous faire l'actualité au niveau de Star Atlas. Donc un petit Il peu... remplace. Ah non <laughs> Non, il remplace pas l'air. L'air <laughs> n'était pas disponible ce soir. Donc du coup. Euh, et j'avais proposé déjà à Euclid, comme je vous l'avais expliqué. Hein, J'essaie de faire en sorte de faire venir aussi des invités également directement dans les émissions. Et euh, justement de vous parler de différents sujets. Euh, Euclid était déjà venu euh, l'année dernière pour nous présenter et nous parler un petit peu du jeu Star Atlas. Il va nous parler justement oui. et nous dire où est-ce que ça en est le jeu, le Star Atlas. Évidemment, je préfère que ça soit Euclid qui en parle parce que je ne suis pas du tout le, le projet et, et du coup, je pense que Euclid est mieux, euh, plus apte justement pour vous pouvoir vous en parler. Et de mon côté, je vous ferai comme chaque soir, euh, juste après, la grosse chronique sur les jeux de science-fiction, fantasy, fantastique, à la fois des films, des séries, des jeux vidéo. Et ce soir il y en a un paquet. Je veux dire, j'ai une liste de à peu près 12 trucs que je vous ai trouvés. Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Donc du coup, voilà un petit peu pour le programme de la soirée. Et bonsoir à tous et encore merci à ceux qui nous rejoignent également aussi en podcast, que vous pouvez retrouver évidemment l'émission en replay chapitrée sur YouTube. Juste après la fin de l'émission, et vous pouvez la retrouver aussi en podcast euh, sur vos plateformes podcast favorites, Spotify, tout ça, etc. Et maintenant, l'émission sera découpée en trois petites branches. Là, vous aurez euh, l'actualité de Star Citizen, celle de Clean au niveau Star Atlas, et euh, la mienne également sur la partie au niveau l'actualité euh, sci -fan. Donc, du coup, bah, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'actualité de Star Citizen. Incroyable. Oh, <laughs> Vas-y tu as l'antenne Ah, puis il faut que je remette la, la caméra de... Hop là, de Euclid aussi. Pouf. Et bonsoir. Donc, je disais à l'instant, dans 10 minutes c'est plié. Voilà, prenez un chronomètre, je vous jure. Non, c'est pas, pas possible. Euh, bon, il s'en est quand même passé un petit peu des choses cette semaine. Hein. On a quand même eu 2-3 trucs euh, fun, que ce soit côté euh, public ou côté euh, pas public. Déjà la roadmap update, on va commencer par là directement. Hein. Euh, franchement, euh, c'était assez épais cette roadmap update. C'est fait longtemps qu'on n'a pas une roadmap update comme ça, évidemment. Avec évidemment le rajout de nos deux créatures. Euh, dont on a déjà parlé 150 fois sur cette sur émission. Euh, donc le copion et le maroc, on ne va pas revenir là-dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir l'émission de la semaine dernière. C'est des gros animaux qui veulent votre mort, comme dans Starfield. Pas tous Pour le coup, il n'y a, a que le copion. Et encore Il n'est pas non plus très méchant. Hein, pour l'avoir croisé, franchement, il n'est pas. Enfin voilà quoi. Euh, on a eu évidemment bah, du coup, le, de nouvelles missions qui seront ajoutées en 3.23.0, le créature hunting, la chasse à la créature. Donc le concept c'est simple, hein, vous chassez ces fameux euh, copions Maroc et vous récupérez certains éléments de valeur sur eux. Euh, alors en l'occurrence, euh, pour le Maroc, c'est-à-dire le truc volant, ils ont un espèce de truc dans le bec, je ne saurais pas trop dire, euh, que tu peux récupérer. Pour le coup, j'ai déjà essayé, euh, pour que tu, que tu peux récupérer certaines certainement en revanche, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Euh, de revendre pour le coup. Mais voilà, ça fait partie des, des trucs un peu allez, divers et variés <laughs> qu'on peut avoir en 323. Ça rajoute quand même encore euh... plus de choses de ce qu'il y avait déjà à la 323. La question que je me pose, ça, ça va tout sortir vrai. en 323.0 ou ça va s'étaler sur du point .1, point alors, .2, point .3 on va, on va en parler un petit peu de la 323X dans, ce, dans cette émission. Notamment, alors on va rester sur la 3.30 d'abord, donc avec les créatures, ça c'est 323.0, c'est c'est pas une nouveauté. Euh, la 323X, par contre... Euh, sera la véhicule Modularity et le fameux euh Retaliator euh, pardon Gold Standard c'est prévu pour la branche Modularity. Oh la vache, ça, ça fait un moment qu'on entend parler de ce truc-là. C'est prévu pour la 323 X. Alors qu'est-ce que c'est que ce véhicule Modularity On va essayer de réexpliquer le concept pour ceux qui connaîtraient pas. Il y a beaucoup de vaisseaux dans le vers, dans Star Citizen, qui se veulent être modulaires. C'est-à-dire que vous pouvez échanger certaines sections du, du vaisseau physique hein, euh, en fonction de vos besoins. Genre par exemple le, le, le Retaliator justement, vous pouvez échanger un certain rack de, de torpilles contre une zone de cargo. Voilà. En l'occurrence, c'est surtout là-dessus. Que ça va être orienté ce premier, euh, ce premier, cette première itération du véhicule Modularity. Euh, et en l'occurrence, ça va être que là-dessus. Il n'y aura rien d'autre vraiment. Il le précise bien qu'il y aura plus tard des additions de véhicules et de modules euh, dans le futur. On peut notamment citer bah, le Voltari Caterpillar, euh, la, la série des Vanguard, le Redeemer, le, euh, le, le RSI Galaxy, toujours en concept, euh, et, et j'en oui. passe. Et, et donc voilà, donc, on commencera du coup avec le gold standard du Aegis Retaliator qui va venir du coup fixer les premiers modules, etc. Alors pour ceux qui se demandent, euh, pour le moment on n'a aucune info des prix, combien ça va coûter, j'en sais que dalle, euh, comment ça va se manifester, j'en sais rien, combien d'essais de caisses de stockage va y avoir dans le, <laughs> dans le... Dans le... Dans le... Dans le Retaliator, j'en sais rien parce qu'on m'a demandé sur ma chaîne YouTube et j'ai répondu, j'en sais rien. Voilà, <laughs> je ne suis pas devin. <laughs> euh... Mais voilà, ça c'est 323X, on reste dans la 323X avec. Alors ça c'est vachement moins sûr, mais ça c'est on est plus dans la théorie personnelle. Euh, Souvenez-vous des hangars instanciés et des cargo elevators, j'aurais jamais retrouvé mon avis. Si Freight elevators ils sont là, ainsi que les hangars instanciés, euh, c'est pas facile. Hein. <laughs> Disons qu'on a testé beaucoup de choses hein, sur la, la, le PTU 323, mais alors ça c'est pas facile. On les a pas encore eu. On aurait dû les avoir cette semaine. Euh, ils nous ont dit que le build avait foiré, le patch avait foiré. Euh, je, et ils avaient déjà indiqué à l'époque que ça allait être difficile, etc. Que ça pouvait être décalé en 323x. Donc, je ne serais pas surpris que ça n'arrive pas tout de suite. On verra ce que ça donne. Euh, mais j'ai l'impression que c'est vachement compliqué à mettre sur place, cette histoire de hangar instancié. Euh, on, on verra ce que ça donne tout simplement dans les prochaines semaines. Certainement la semaine prochaine, on aura peut-être plus de nouvelles là-dessus euh, côté Evocati. On verra ce que ça donne. Euh, et c'est à peu près tout pour le côté roadmap, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va pouvoir passer directement sur le côté Inside Star Citizen de cette semaine qui et presque le plus attendu, puisqu'il parle de la mobiglass et de la starmap. C'est les deux trucs les plus, j'allais dire presque légendaires qu'on nous a montré à la CitizenCon de, de 1953, euh, mmh. euh, l'année dernière, 2023. Euh, ouais, ça fait ça fait du bien d'avoir ce cette nouvelle mobi glass honnêtement pour l'avoir testée, c'est c'est cool hein. bon elle n'est pas encore euh, hyper bien <laughs> elle n'est pas encore hyper bien finie on va dire de, de notre côté mais c'est déjà un gros changement la star map elle, fonctionne vachement bien ils nous ont mis il y a pas longtemps seulement euh, des textures en, en high-res, en, en haute résolution donc c'est devenu vachement sympa et on va avoir beaucoup 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 de possibilités euh, avec ces maps avec ces mini maps avec euh, possibilités d'itinéraire, euh, de points, de marqueurs, etc. Alors des trucs qui sont plus ou moins présents. On reconnaît le, le système actuel de Mobiglass hein, qui s'affiche sur votre écran. Désolé ceux qui conduisent. Regardez la route. <laughs> euh, et la nouvelle Mobiglass du coup qui est donc montrée ici l'ancienne hein, euh, et la nouvelle. Bon il n'y a pas photo, on l'a déjà vu la Season Con. Alors oh, euh, pour l'anecdote nous à la, sur la Vocati, en fait on a une Mobiglass qui est je dirais plutôt comme, comme, comme ça. Voilà. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si vous verrez sur le stream, mais elle est vraiment coupée parce qu'elle est très mal axée en fait. D'accord. Donc okay. du coup, on a, <laughs> voilà, intéresse. donc euh, elle n'est pas, elle est pas totalement utilisable actuellement. <laughs> mais voilà, c'est pour la, ça c'est pour la blague. Euh... Mais, mais en tout cas, c'est assez incroyable. On peut évidemment accéder, alors, euh, comme sur le, comme sur cette présentation, on peut accéder également aux, aux différents onglets des réputations. Euh, je pense qu'ils vont faire tout le tour. L'onglet Health évidemment, qui reflète mmh. beaucoup d'informations sur la santé, etc. Et bientôt la radiation et tout le bordel. Euh, l'onglet VMA, donc qui n'a pas changé, le VLM pardon, euh, véhicule, le, le data manager, qui n'a pas changé. Pour bon, le coup, c'est la même gueule. Oui. Comme l'onglet Com, pareil. Euh, on n'a pas eu de changement. Pour ce qui est par contre, euh, voilà, de l'onglet Elf, il est vachement pratique du coup parce qu'il peut vous apporter direct les infos qu'on avait sur les lits d'hôpitaux, du genre euh, où c'est que vous, vous êtes fait mal, quel type de médicament vous avez, euh, quels sont les détails de vos de vos blessures, c'est indiqué à gauche, hein. euh, et donc euh, voilà, ils vous disent ce qu'il faut faire, donc euh, visiter euh, un hôpital. Euh, Azap, euh, zap, <laughs> soon as possible euh, et en tout cas voilà moi je trouve que ça ajoute vraiment cette nouvelle mobiglass, vraiment une autre dimension encore au, au, au jeu et c'est ce que je trouve incroyable l'alpha pardon, bon, allez, et c'est ce que je trouve assez incroyable, franchement ils, ont, ils ont vraiment bien travaillé bah, cette mobiglass, c'est plus moderne euh, en fait que ce qu'il y avait avant, c'est pas même un... les missions je veux dire, il y a vraiment cette euh... Cette, euh, cet aspect qui est vachement plus moderne effectivement alors ça manque peut-être un peu de, de réglage d'opacité de flou d'arrière-plan mmh. etc pour vraiment dissocier et lire j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de ça sur spectrum hein. oh la vache oui c'est vrai, des vrai gens bah, j'ai pas encore lu le chat mais visiblement ça parle déjà de la visibilité ouais. euh, mais euh, la visibilité est vraiment euh, on en a déjà parlé avec enfin euh, on, on, on nous a déjà discuté côté evocati ils vont euh, très largement repasser là-dessus en ajoutant euh, des, des flous d'arrière-plan euh, ouais. des contrastes euh, mais, et je crois des... qu'ils veulent pas aussi faire en sorte des que concours. quand tu ouvres la mobile que ça te coupe de ce qu'il y a à l'extérieur tu puisses continuer à voir ce qu'il y a c'est un peu toujours leur light c'est euh... pour ça qu'il faut trouver il faut ouais. trouver vraiment le, le juste milieu là-dessus Passons sur la Star Map, c'est ce qui a posé beaucoup de problèmes de visibilité aussi. Donc la Star Map actuelle, elle est connue. Hein, cette On voit que horrible star, map, euh, horrible, star Map qui, qui vous empêche de mmh. faire des 7 routes des fois va être remplacée par cette magnifique Star Map uh, holomap, appelez ça comme vous voulez, uh, à génération dynamique uh, de texte qui s'affiche comme si vous écrivez au clavier. Uh, c'est juste incroyable et qui va du coup accompagner sans transition, je précise bien, la minimap de votre vaisseau, la mini map de mmh. votre environnement. Ça, euh, cool. La zone entre guillemets aux alentours de votre vaisseau et le... en dézoomant de d'échelle en échelle jusqu'à l'échelle du système et tout, plus derrière, tout sur hein. la même map, hein. c'est ça qui est utile de préciser. C'est vraiment tout de l'endroit hein. où tu te trouves jusqu'à l'espace lointain, c'est euh... ça. Alors là, ils nous font un peu la, la présentation type Citizen Code à base de. Ils nous placent un petit marqueur, ça nous trace un itinéraire. Enfin voilà quoi. Ah, J'ai pas, pas, pas du tout eu le temps de tester pour le coup ce truc là. Je sais même pas si ça marche sur PT Evocative. Oh, en sachant que pour l'instant, c'est que, euh, euh, que, en fait, que pour un joueur. Pour l'instant, c'est pas encore partagé dans une équipe, tout une ça. Chose etc., sûre, euh... Une chose est sûre, ça on pas. <laughs> <D 'accord, okay. rire> l'a pas. D'accord, ok. La mobile Glass Building Blocks comme ça, alors, on l'a pas. Quand vraiment quelqu'un en est où... Houston, on a vraiment une vue là-dessus quoi. En fait, on voit vraiment. Je l'avais à l'instant. Euh, on voit vraiment ça en fait quoi Genre, on voit vraiment la page de base et, et c'est tout okay. euh, mais mais voilà euh, ça ça viendra après hein. c'est comme les comme les, les, les consoles à euh, en building box elles sont arrivées un peu après okay. euh, mais voilà il y a vraiment deux trois trucs qui sont vraiment game changer avec cette star map déjà la gueule que ça a. Euh, la facilité de faire des, des set routes avant c'était compliqué euh, des fois quand tu sais, cette routes, grimex il fallait le faire en six fois euh, parce qu'ils euh, te mettait euh, quand il ne se passait rien, ou alors euh, tout simplement les OM n'étaient pas disponibles autour de plus d'ailleurs, du coup ça ne marchait pas. Euh, C'était super chiant. Alors que là, euh, c'est vachement plus fluide. Vous avez toutes les infos dont vous avez besoin pour les stations, comme vous pouvez le voir Bien ici, ça. Hein, où ça nous informe directement, oui. vous sélectionnez Grimex, vous avez les hangars qui sont dedans, la taille de ces hangars, la taille des pads, vous avez un hôpital évidemment, donc les, les armes, etc. Ça vous détaille vraiment tout. Euh, que vous avez, euh, tout ce que vous avez dans la station est détaillé à droite à gauche idem pour les planètes, etc. Vous avez des précisions sur les avant-postes, sur les zones, euh, ce qui est euh, utile à savoir si jamais vous recherchez euh, une station où vous souhaitez acheter des armures. Et puis les quelques nouvelles animations, notamment le set route, qui est grandement simplifié avec quelques keybinds à droite à gauche, et la, euh, façon, la, la fonctionnalité de pouvoir rechercher directement euh, dans la barre de recherche l'un endroit que vous souhaitez euh, mm. que vous souhaitez aller en tapant directement euh, l'occurrence grimex euh, dans la vidéo et puis vous appuyez bam sur R, ça vous fait le set route et oh. euh, vous n'avez plus qu'à sauter, vous avez le calcul ouais. qui est fait, avec la trajectoire, et vous avez à droite, bon alors le verrons pas ceux qui sont en stream encore en podcast encore une mm. fois, le temps de trajet Donc, avec les GPS temps pour faire simple c'est ça les, les différents temps estimés pour chaque saut et ça c'est Game Changer ouais. bon là c'est ridicule parce que c'est 3 secondes entre l'OM6 et Grimex mais entre, entre Crusader et, et Hearthstone on est content de voir écrit 4 minutes 54 tu sais combien de temps t'as de quantum quoi, ça. Clair. Euh, ça paraît tout con mais, comme mais dit, vraiment, euh... le fait de pouvoir rechercher, c'est Game Changer. Comme dit justement euh... Sefer de rien sur, euh, sur YouTube, je sais pas si du coup, ils sont sauvegardés ou pas, les points, quand tu te déconnectes, c'est les... les marqueurs que tu mets sur la carte. Enfin, toi, tu euh, tester, je Encore une fois, j'ai pas testé. Ouais, Alors, ça, voudrait, ouais, coup, ça euh... se voudrait marcher, évidemment, hum. euh, mais je pourrais pas dire parce que j'ai clairement pas essayé. Bah, pas après, quoi. le problème, c'est que si euh... tu te déconnectes, tu te recoupes, il faut te reconnecter sur, je sais pas, peut-être sur le même serveur. Je sais pas si ça enregistre les trucs. Ouais. Enfin, je ne sais pas du tout. Ils nous ont montré quand terme, même Petit aperçu de ce que ça va donner sur Pyro, cette star map, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, Pyro Star, juridiction inconnue. Voilà, on est dans l'inconnu, mmh. c'est normal, hein, Pyro. Euh, donc voilà, on, on verra encore une fois ce que ça donne. Mais vraiment, cette star map est, est vraiment très très poussée. Ces histoires de minimap et tout marchent franchement très bien. Et c'est une grande porte ouverte aussi au gameplay d'ingénierie hein, qui nécessite encore une mmh. fois ces minimap et tout pour afficher plein de choses. Même et même l'explo mmh. en lui-même, oui bien sûr. Mmh. Euh, c'est vraiment, euh... ouais, c'est vraiment game changer. Clairement. Euh... Finissons, du coup cette euh... cette chronique Star Citizen par parler, ni plus ni moins que de la dernière mise à jour 3.23 PTU évocatique qu'on a eu en date. Puisque maintenant vous le savez, c'est public. Euh... Mmh. On a donc eu pas mal de nouveautés par rapport à la semaine dernière, euh... surtout pour ce qui est de l'arena commander. On a eu énormément de, de nouveaux arrivals de nouveaux arrivés, je ne sais pas comment dire, sur l'arena commander, que ce soit des nouveaux modes, une nouvelle de euh, une... ouais, nouvelle feature, une hein, nouvelle vague, de nouvelle dernière vague du pirate fin avec un Bengal, je peux aller tester personnellement, mais apparemment c'est très bien, euh, de nouveaux Raystracts, le grave royal, bref plein de trucs cool. Et aussi, le nouveau système pour l'anecdote, qu'ils ah nous ont oui. présenté à la Season Con. Souvenez-vous, hein, où ils nous ont présenté, je pourrais essayer de le retrouver en deux spies, j'ai pas pensé. Avec les vagues. Euh, faut... Water FX, bon, j'ai juste à chercher le, le trailer du Star Engine. Hein. Euh, ça devrait largement suffire. Mais oui, avec les vagues, exactement. C'est à la toute fin de ce trailer. Euh, et c'est, il me semble, par ici. Voilà, Donc le nouveau système de flotte. Alors sur des, sur des flaques, non, nous on veut. Voilà, sur des océans, ah, ça... voilà. Le nouveau système de flotte, celui-ci. Euh, qui du coup est disponible dans l'Arena Commander dans certaines maps, attention. Euh, alors il n'est pas aussi détaillé et aussi fonctionnel, mais le but c'est vraiment d'initier la chose et de voir quels sont les soucis rencontrés avec les différents vaisseaux, parce qu'évidemment d'un vaisseau à un autre, ce pas les mêmes propulseurs. <laughs> euh, mais en tout cas, ça marche, tout ce que je peux dire. Il euh, y a quelques trucs éventuellement qui sont un peu latencés et un petit peu pas très jolis. Euh, ça manque un peu de... Je du mal à expliquer, mais ça manque un petit peu... De... C'est peut-être un peu trop cubique, entre guillemets, mmh. comme animation. Ça manque un peu de sphère, hein, je ouais, sais pas ce que je veux dire. Mais, euh, mais euh, ça manque ouais, un peu d'éléments. Ouais. Mmh. Euh, après, c'est peut-être aussi mes réglages graphiques. À ce moment-là, j'ai pas non plus, voilà, euh, puisque maintenant, vous le savez, la 323 accueille le DLSS, le CHTSR. Ouais. Ouais. Euh, sachant le que ces effets-là, en fait, apportent rien au niveau du gameplay. C'est plus pour l'immersion. Par contre, je pense que ça va faire plaisir pour ceux qui veulent faire un peu des euh, des trucs cinématographiques. Tu sais, avec des plans, un peu des, des histoires, ouais. pense, etc. Ça peut vraiment être classe, quoi. Mais après, au niveau du gameplay, c'est pas parce que vous allez faire ça que vous allez pouvoir pêcher plus de poissons, par exemple. <laughs> Ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau du gameplay, c'est vraiment plus, plus purement visuel, en fait, euh, là-dessus. Euh, Vulcan, je, je sais pas du tout... Euh, oui, on a eu l'intégration Vulcan dans la 3.23, mais c'est particulier, en fait, c'est... En fait, euh, le système de rendu, pas dispo pour tout le monde, euh, mais la plupart des gens sont en direct euh, X12.3, D3, direct 12, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. <laughs> mais oui, il y a certaines personnes qui ont accès au Vulkan, euh, je, je dirais que c'est plus une sorte de config PC qu'autre chose, je n'ai pas trouvé de réglage en ouais. particulier qui pouvait faire changer. On m'a dit, ceux qui avaient accès, que ce n'était pas exceptionnel, euh, donc euh, à voir. Le DLSS et tout est là, ça donne des. Enfin, l'upscaling en règle générale est là, ouais. ça donne des images qui sont vachement plus belles et ça consomme pas beaucoup plus qu'avant. Vraiment, niveau perf, est on est à peu cool. près pareil. Donc, c'est pour vous dire, en fait, euh, après avoir ce que ça donne derrière avec les opti, mais c'est peut-être un petit peu moins bien dans certaines villes. Mm -hmm. Genre, Horizon, on avait des grosses difficultés il y a encore une semaine ou deux, maintenant peut-être ça va mieux, je suis pas allé voir depuis un moment. Euh, parce qu'ils ont fixé beaucoup de soucis sur Horizon, j'ai vu, donc peut-être que ça marche mieux. Mais en tout cas, ouais, ça a été euh, assez, assez délicat au début, mais maintenant ça devrait marcher vachement mieux ce système de DLSS. Euh, et d'upscaling en règle générale. Euh, enfin voilà, euh, les quelques petites nouveautés quand même qu'on a eues sur cette dernière EPTU323, ce sont, euh, et c'est quand même important, euh, un nouveau système d'IA pour, enfin euh, une amélioration, on va dire plutôt des systèmes d'IA pour les véhicules et les vaisseaux de combat. Euh, donc, ils ont tout simplement changé un petit peu, ajouté de nouveaux comportements basés sur euh, bah, tout simplement des, euh, des, des, des dogfighters classiques du, du PU. C'est basé vraiment sur les mouvements des joueurs. à voir ce que ça donne, encore une fois, je n'ai pas essayé. Euh, mais on peut également voir qu'ils ont ajouté, on peut le voir ici, hein, quelques, euh, nouveaux, euh, quelques nouvelles qualités, quelques, quelques polishes sur la façon dont l'eau est simulée et rendue. Euh, idem pour le VA, idem pour le caractère customization, idem pour la MobiGlass, la star Map et tout le bazar. Bref, ils ont vraiment repassé à peu près sur tout avec une liste interminable de bug fixes et euh, évidemment pas mal de, <laughs> pas mal de, de crash clients et crash serveurs euh, entre, les... entre cette semaine. Donc vraiment, c'est une mise à jour qui devient vachement plus stable à jouer. Et, et moins de euh... 30k du coup, c'est plus. Vachement moins de 30k, ouais, même ouais. si ça fait plusieurs patchs qu'on est en replication layer enabled mais euh, recovery disabled. Celui-là est activé, hein, mais ouais. le patch d'avant on ne l'avait pas eu et le patch encore avant aussi. Euh, donc euh, voilà, même chose que la semaine dernière, on est toujours en US, euh, on est en US Only, on n'a pas la copie LTP activée, donc vous savez, hein, le, le caractère copie depuis le. Mm. Euh, enfin, la, la poursuite, on va dire plutôt, euh, c'est pas le caractère copie, c'est la poursuite d'un patch à l'autre qui ouais, est incertaine au niveau des composants. Euh, et donc tant qu'on n'a pas vraiment ça de fonctionnel, euh, on, on sera loin d'une vague 1. Mm. Euh, et donc euh, voilà, moi je ne dis pas, moi j'avais déjà dit la semaine dernière, il me semble trois semaines, oui, donc veux, je reste veux, encore veux. sur le fait qu'il reste deux semaines au moins avant la Wave 1, ça ne me paraîtrait pas déconnant, surtout qu'il reste pas mal de choses à essayer. Ils nous avaient prévu éventuellement un playtest ingénieur sur l'Arena Commander, sur oui. un nouveau mode. Euh, alors on va voir ce que ça va donner, s'ils le font ou pas la semaine prochaine. Oui. Euh, il nous reste évidemment, on en parlait tout à l'heure, les hangars instanciés, euh, les bon cargos Elevators. Euh, pas mal de choses à voir, effectivement. Euh, les master modes qui sont présents mais pas attendus en feedback. De même pour les systèmes d'interaction, les nouveaux systèmes d'interaction qui aussi ne sont pas attendus en feedback mais présents partiellement. Euh, tout comme les reputation based city, bref, il reste encore pas mal de choses à voir et voir une vague 1 avec des choses qui n'ont pas encore été vues, ça me paraît un peu euh, ouais. précipité. Euh, les Nous, gens continuent à. Ça avait été dit assez largement que ça sortirait avant l'Invictus. Euh, à voir. Euh, ce que ça donne parce que ça... l'Invictus ça arrive vite, donc euh... et pour vous dire, question. dans les fichiers du jeu aujourd'hui il hein, n'y a pas une info autour de l'Invictus. Alors que généralement, le patch qui héberge ouais. l'Invictus, t'as une flopée de, oui, de, posters, oui, dire, de maps et... d'hologrammes, de listes de vaisseaux. J'aurais répondu a... à la ah, question un... de Choukoy de savoir où se passe l'Invictus. Est-ce que cette année ça va se passer au Horizon comme l'année dernière oh, oh, pour pas, pas dire un, pour le moment? Oh, bon, après, eux, ils tournent, normalement, a... oui, ouais. normalement ça doit être l'Invictus. L'année dernière, on l'avait eu à arrêt à 18, Souvenez-vous c'était c'était l'année c'est vrai raison, ouais, ouais, effectivement c'était l'année d'avant et il y a eu était à il y a eu était ouais, effectivement on prend ça d'un horizon quoi. non. Donc cette année soit ils nous font un banger et ils nous sortent un un, un... un... comment dire un un center un comment je vais okay. pas dire un je crois, -center y a eu, je crois de Hearthstone. Il n'y a pas eu un truc à Horizon, il n'y a pas eu le. Si, il y, ça y a deux ans, est... ouais. Ou il y a deux ou trois ans, oui, c'est ça qui a initié l'espèce de centre que maintenant là, il... ça héberge la course des PTV. Mais oui, il ouais. y avait, eu l'invictus. Vision Center, ils appellent ils ça. Aria 18, ils ont fait rigolo. pareil, ils ont fait un exhibition center ou je sais plus quoi. Qui s'est euh, pas transformé ouais. en course de PTV. Et non. Ça non, été rigolo. Il transformé en endroit vide. C'est ça, exactement. <laughs> c'est pas accessible. Euh, mais... Ils auraient dû mais faire moi, un gros ouais, paintball, a... tu sais. Ouais. Est-ce qu'on aura un truc similaire à Hearthstone, enfin à leur ville Je ne pense pas. Je ne pense pas ouais. suffisamment est, à gérer avec. C'est euh, une ça, bonne hein. question. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des trucs à leur ville, s'il y a déjà eu des IAE, bah non, des... Hein. ça ne me dit rien. Enfin, moi, j'ai connu que Aria 18, Microtech et Horizon. Leur ville, je jamais eu 2014 ou 2016, euh, je crois qu'il y en avait eu un à leur ville. Parce que moi, j'ai ah déjà ouais. vu des screenshots aussi à leur ville, ouais. Ouais. C'était euh, euh, pour euh, la Activision ou c'était vraiment il y avait eu un non, événement c'était un IAE. Je, crois, je me demande si c'est même pas le premier IAE qui a eu lieu là. D'accord. OK, bah tu vois, je bah, comme j'étais pas en 2014, je t'avoue que ça, ouais, ça c'est parce que moi aussi j'ai déjà vu des screenshots. Enfin, on... Ouais. quand on nous parle de l'IAE et de, <laughs> on tombe souvent sur des screenshots de, de leur ville. Ouais, donc. Bah, why point. not Ça pourrait être rigolo. Hein. Ça permettrait ouais. peut-être d'optimiser leur ville parce que je ne sais pas si. Est-ce que tu as une question dans ce que tu as vu Est-ce que du coup leur ville est mieux optimisée parce qu'aujourd'hui mmh. sur la live. Ils vont perf. Ouais, en termes de perf. Ouais, c'est pas, c'est pas fifou. Enfin, en tout cas, moi j'ai des perfs de, j'ai des de perf hein, sur leur ville. C'est bah, la si pire ville pour l'instant. Alors, on a encore eu beaucoup de problèmes. Alors, ça, preuve que, ça prouve encore une fois que la mise à jour, je, je question ça prouve que la mise à jour n'est pas du tout prête pour la Vive One, On a eu beaucoup d'indications nous disant d'éviter leur ville, nous disant d'éviter Area 18, nous disant d'éviter Microtech, d'éviter Horizon. Ça change un peu d'un patch à l'autre. <laughs> euh, on a eu de tout. Euh, on a eu d'éviter Microtech parce que l'ATC ne marche pas, éviter Area 18 parce que votre, mmh. si vous sortez la Moby ça va cracher client, éviter leur parce que les transits ne marchent pas, éviter Horizon parce qu'il y a des bugs graphiques. Euh, ça a été compliqué de tester tout, c'est pour ça qu'on est encore loin de la vague 1, et euh, c'est pour, pour ça que personnellement vous suis beaucoup. allé. A l'heure je euh, j'ai pas nécessairement noté de... C'est pas pire, enfin c'est pas... c'est pas pire, enfin ouais, <laughs> j'aurais pas trop de dire parce qu'après je... déjà moi j'ai pas des mauvaises perfs sur la live à mmh. C'est pas c'est pas exceptionnel, mais, mais... mais ça m'a pas sauté aux yeux non plus quoi, donc je dirais que c'est pareil. Franchement, euh, okay. je pense que ça m'aurait vraiment sauté aux yeux. Euh, peut -être, peut -être, ouais. On va savoir euh, s'il y avait moins, la... de, moins de, moins de bourrasque les... de vent. <laughs> Comme ah oui, le vent. Alors, ah oui, alors ça, c'est <laughs> plus un problème. C'est euh, plus un problème pour le coup. Surtout qu'en fait, ils ont ajouté euh, en 323 la notion vraiment de, euh, de qualité d'air, euh, on va dire. Euh, en fait, vraiment, lorsque vous passez euh, proche de leur ville, en dehors d'une zone fermée, si vous voulez, vous avez. Euh, Comment, comment dire Vous avez un petit icône en bas, un petit icône de poumon, euh, qui est donc sur 100%, qui descend à 80 ou 70% lorsque mmh. vous passez dans les zones entre guillemets plein air de leur ville. Mmh. Euh... Donc, clairement, c'est une référence à la pollution. Et je pense que c'est ce qu'ils avaient essayé de très mal faire euh, sur la 322 et sur les mises à jour précédentes où vous preniez des courants d'air monumentaux mmh. <laughs> à certains moments. Euh, mais là, en l'occurrence, ça marche. Bah, je n'ai pas de problème de courant d'air, j'ai des problèmes de, de transit. mais... <rire> <rire> oui, ben, vous avez compris. Il <laughs> y, y a des problèmes de transit, ce qui mais Il <laughs> y a des problèmes de métro à leur ville, mais il n'y a pas de problème nécessairement de vent. Voilà. <laughs> ok, d'accord. <laughs> si vous préférez, voilà, faites ce que vous voulez, ce que j'ai dit avant. <laughs> Il y en a qui vont voilà. la ils mais... pourquoi. Mais... <laughs> pas impossible. Ouais, et les centres <laughs> de distribution, ouais, savoir effectivement, comme dit euh, Stéphane, ce qui. Sondes est, de distribution, qu ont... pareil, c'est toujours pas attendu en feedback. Euh, ça fait partie des trucs qui sont pas encore attendus en feedback, qui sont partiellement là, qu'on mm. a fait juste tendance effectivement à faire crasher les serveurs quand quelqu'un s'y promène, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'infos nous disant n'y allez pas, ça va faire crash les serveurs. Donc j'imagine qu'ils ont réparé le truc. Euh, qu'on les a... mais qu'ils s'attendent pas encore de feedback pour le moment j'y suis déjà allé et on n'y a pas les il' y a, y a rien en fait hein, vraiment il y a les pnj qui spawnent dehors les hangars sont pas accessibles et les portes sont fermées donc... <rire> <rire> voilà voilà Ouais donc c'est pas encore. Enfin, il y a encore il y a encore du taf, non. mais en tout cas ça avance ah bien oui. c'est vrai que même, même le coup des animaux je m'y attendais pas à ce que ça arrive euh, aussitôt, mais c'est vrai qu'effectivement comme c'était présenté à la season con même subrestissement pendant le trailer de la de Star and c'est vrai que ça paraissait logique qu'il les fasse, euh, qu fasse mode, mais je pensais pas qu'il qu s'amusera à faire ça je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière c'est dire qu'il n'y avait pas de mission particulière là dessus c'est plus pour l'instant du du test histoire ah, il y en a une Du il y a une mission qui demande pas grand chose à faire, clairement. Hein, faire qui des consiste photos. à juste les, les déglinguer et récupérer un truc qui loot. Ah, d'accord. Voilà. Okay. ok. Donc, ah. euh, pourquoi pas Ok, ouais. ouais ah, oui, les, les, les vaches au thriller euh, Overdrive MK2, euh, ouais, je sais pas, ouais, est-ce qu'ils mettront les vaches ou pas Après, les vaches, ça irait peut-être plus éventuellement à côté des, des fermes ou des petites à postes, euh, Mais bon, après, ça, ils ont le temps de s'amuser. Après, mais... euh, ça, pour le coup, c'est une histoire de perfo serveur, dans le sens où oui. ils pourraient effectivement nous rajouter les baleines dès demain. Euh, de Crusader, elles sont dégueulasses mais ça passe <laughs> euh, dans le sens où c'est bon, ils ont fait voler des, des Marocs dans le ciel de Microtech, j'imagine qu'ils peuvent faire voler des baleines dans le ciel de Crusader, ça doit être très compliqué oui. tu fais à la limite une petite, une petite box de collision, tu sais, histoire de dire tu fonces pas dedans avec un vaisseau, et puis voilà quoi. Euh, à mon avis c'est pas très compliqué à faire, le truc c'est que ça va demander encore au serveur, ouais, déjà que les Déjà que, que le c'est euh, pas facile alors sur plus il faut tirer des baleines. <laughs> on va attendre <laughs> alors, on le meshing. Hein. <laughs> on va attendre ouais. le mashing. qu'il y aura le il y aura, machine, y aura des baleines, il y aura des pieds il y aura mais tout en ce qu'on parlant, de... <laughs> parlant de parlant de meshing et tout, c'est vrai que j'avais j'avais prédit la semaine dernière qu'on aurait peut-être un tech preview public oui, vrai, avec euh, comme... on n'a pas oui. eu euh, grand désespoir, on en a eu on a eu vraiment deux semaines de full serveur meshing, je sais pas ce qui s'est passé là. Et puis d'un seul coup plus rien. Que ce soit PTE, Vocati ou public. D'ailleurs, on avait vraiment 2-3 semaines de full server meshing, puis rien. Maintenant, c'est 3.23. Alors, est-ce qu'ils remettent les, les pendules à l'heure, les objectifs là où ils doivent être Je pense que oui. Euh, la 3.23, c'est quand même euh, dans oui, l'ordre des bien. choses qui doit arriver. Oui, oui, ça serait pas mal de se concentrer dessus. Et oui. le server meshing, ça arrivera quand même un peu après. Il euh, y a des gens qui sont carrément. Euh, Oufissime à se dire ça va sortir cet été, je vous le dis au mois de juillet, euh, on va sur Pyro en jump mais en, 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 vrai Mais c'est vrai tomboy. que c'était bien parti quand tu voyais les tests, ou ça, etc. Même les, oui, les, les 800 joueurs et tout, c'est qui vrai qu'ils ont, ont fait monter la sauce hein, carrément. Le 800 joueurs, il n'était pas très. Ouais, le 800 joueurs n'était pas. Mais ils ont beaucoup de choses à récupérer en fait, parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut noter quand même, parce que c'est important de le rappeler, il y en a quelques-uns qui oublient quelques cet élément, quand ils font un tech preview. Oui, mais quand ils font un tech preview. D'un week-end euh, entre Pyro et Stanton connectés avec un jump point que ce soit Evocati ou Tech Preview public, ils font pas ça pour le fun des gens. Hein. Ils font pas ça pour dire ah euh, vite remontons les remontons notre code de popularité. On va sortir un Tech Preview meshing. Ils font, pas, ils font pas ça pour ça hein. ils font ça pour récupérer de la donnée ouais, derrière ça, hein. ils font, pas, ils font ça. pas ça pour le fun de venez les gars bon, par en contre c'est pratique le d'avoir les joueurs qui te récupèrent de la donnée <laughs> ça, ça ah bah, c'est <laughs> le but bonne... bah, c'est la technique on est maker hein, donc est, on est là pour ça aussi c'est toute la technique qui est là euh, c'est vraiment le objectif et vraiment ils font pas ça pour le fun de dire allez tiens à part la season con évidemment là c'est un cas exceptionnel oui c'est un show mais voilà c'est pour le show et, et la mise à jour a été travaillée avant pour le show. Vraiment, elle était fluida, fluidissime, ce petit pyro playtest de. de, de ouais, bref, n'importe C'est vrai que c'était. Euh, mais, mais oui, là, ils sont clairement dans, dans une autre phase, qui est dans une phase de récupérer les données. On regarde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On essaye de comprendre où sont les soucis, comment les résoudre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux euh, Éventuellement, il faut penser au côté technique. On en a déjà parlé dans plusieurs features. Hein, il faut penser au côté technique de la chose. Comment est-ce qu'on la réalise Comment est-ce qu'on la met en place C'est bien beau d'avoir 1000 joueurs dans les serveurs, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas que ça prenne feu chez AWS <laughs> euh, et, euh, okay. et maintenant, comment on fait ça aussi d'un point de vue euh, jeu Comment est-ce qu'on fait pour faire qu'il y ait 1000 joueurs dans un même serveur Est-ce que les gens ne vont pas se bousculer à Seraphim Station ouais. Est-ce qu'il va y avoir une file d'attente pour se poser <laughs> devant, à, les, les... On... devant les, euh, euh, les, les, les bords Par exemple. <laughs> C'est ça qu'il faut penser aussi au, ouais, pratique, voilà, ouais. à, à l'aspect au côté pratique. Hein. C'est bien beau le côté technique, mais il y a mmh. le côté pratique, il y a le réel, entre guillemets. Et ça peut passer par différents trucs, ça peut passer par euh, des hangars instanciers, on en a parlé, c'est mmh. très bien. C'est pour ça que tant que ça ne marchera pas ce truc-là, pareil, c'est un des éléments essentiels à l'arrivée du machine à air. Les hangars instanciers, ce sera vraiment nickel parce que tu pourras vraiment te poser et avoir, entre guillemets, des hangars illimités sur les stations, puisque du coup, c'est séparé. Euh, euh, allez voir ma dernière vidéo si vous voulez voir l'explication détaillée <laughs> euh, mais, je, mais vous voilà. avez le lien en, en épinglé hein, sur euh, YouTube et Twitch hein, sur les, euh, pour aller voir le contenu de frisbee ou il est je vous le mets en épinglé maintenant sur toute la chronique comme ça au moins vous, vous êtes sûr de pouvoir retrouver le lien oh, vas-y je me suis coupé euh, oui mais de toute façon je vais globalement finir, hein. je veux dire oui ça fait partie des trucs qu'on a besoin pour le meshing, entre autres. Euh, franchement, euh, voilà, maintenant, maintenant il faut préparer effectivement euh, la, la, la 4-0. Avant la 40 0 il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées très facilement. Euh, par si ce sont toutes les techs Squadron 42 qui sont maintenant euh, complètes et dont la star map fait partie, les comportements des IA, euh, le remaniement des armes, euh, bref, je peux vous faire la liste, le PIE, PIS, le, euh, et tout le bordel qui, qui s'ensuit, hein, la MopiGlass, tout ça. Euh, c'est facile à apporter, vraiment, ça ça, ça, leur, ça leur coûte que dalle parce que tout est déjà dev. Et, et, donc, euh, et donc voilà, c'est vraiment euh, super facile à faire. Comme ça, pendant ce temps-là, tu as une équipe qui gère ça qui n'a pas entre guillemets trop de choses à faire et tu as une autre partie qui s'occupe vraiment de la partie tech qui va arriver, la partie 4.0. Pyro dans son ensemble est terminé, soyons honnêtes. Maintenant il faut vraiment gérer la tech avec ça, il faut gérer le meshing et gérer aussi ce qu'ils ont dit et un petit peu les promesses parce qu'il ne faut pas abuser, à la Season ils ont dit qu'ils allaient nous sortir un milliard de choses en 12 mois. À la sortie de la 3.23.0 on sera peut-être à 60% des choses annoncées qui seront sorties si on cumule la 3.22 et la 3.23. Euh, Peut-être un peu plus de 60% maintenant, parce qu'ils rajoutent des trucs, les animaux maintenant, on les pour les compter. <laughs> euh, mais, mais, mais voilà. Euh, Est-ce qu'il y aura une 3.24 Alors, euh, officiellement, non. Il n'y a pas eu d'annonce officielle disant qu'il y a de 3.24, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle non plus qui dit qu'après la 3.23.0, il y a la 4.0. Euh, mais euh, oh. moi, personnellement, euh, j'aurais tendance à dire qu'il va manquer quelque chose, on va passer de la 3.23 où il y a 60% des techs de la, de la Season Con, des features de la Season Con qui ont été annoncées à la 4.0 où on est censé avoir Pyro, le meshing, les jump points et tout le bordel et en plus 40% de, de, de la Season Con, ça me paraît un peu beaucoup ouais. à voir, hein. la 3.23 est bien chargée hein, mais ça me paraît un peu beaucoup pour une 4.0, c'est pour ça que je me dis une petite 3.24.0 intermédiaire tu vois, genre courant septembre, octobre, ça ne serait pas débile pour que courant novembre, décembre, on ait une 4.0. Euh, ou alors, effectivement, comme dit Shukoy, ou alors effectivement, sous forme de 3.23x, mais là, ça fait un peu euh, 2021 like, 2022 like, à base de 3.17.1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Et ça, ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas. Euh, la question, effectivement, qui revient aussi, c'est les wipes. Est-ce qu'il y aura un wipe pour un 3.23? Euh, personne ne sait, mais normalement c'est non, puisqu'il y a aucune... déjà demain, il y a aucune raison de le faire. On l'a déjà dit un milliard de fois sur cette émission, ils font pas des wipes pour le fun, non, euh, ni parce que les joueurs le demandent. Il euh, n'y a pas de raison technique qui gênerait ça vraisemblablement, sauf si on se rend compte qu'il y a des problèmes avec les fameuses, euh, je l'aurais pas ici, mais si on se rend compte qu'il y a des problèmes avec les fameux banques d'items, souvenez-vous là qu'on a vu qui vous permettraient de récupérer les items en 3.23. Mmh. S'il y a de gros problèmes avec ça, peut-être que, mais enfin et encore, ça toucherait que les, les... Et ça, ça toucherait que la, la une partie très précise de la, de la long terme persistance. Euh, voilà, ces fameuses banques d'items hein, qui sont vraiment là à la base pour récupérer des éléments FPS euh, euh, à différents endroits. Enfin, bref. Euh, à la limite, et encore, je, pour, pour moi, ça ne change rien du tout en fait. Hein. On en a déjà parlé avec je ne sais plus qui. Mais que ce soit en passant par i, en sélectionnant le truc et en le glissant dans votre inventaire ou alors passer par une console à SOP, euh, ça ne ouais, change ça. rien au concept que. Voilà. Mais il faut que ça marche derrière. Ouais, c'est pas comme la 3.15 où on est passé d'un système d'inventaire qui était euh, qui venait de Dieu, genre tu mourais, t'avais tout sur toi et tu et tu pouvais tout trimballer partout, à, à d'un seul coup, hop, physicaliser d'un endroit à un autre. Chaque zone avait son inventaire, son machin. Bah ben voilà. Donc euh, donc euh, à, à voir ce qu'il en est. Mais pour moi normalement, il devrait pas y avoir de reset. Il ne devrait pas y avoir de wipe. Je pense que si on en aurait rien, ils en auraient déjà parlé parce oui. que on les connaît, hein, Puis, ils te cuisent un peu à l'avance. Comme, comme dit Cheffer, je ne suis pas sûr pour l'instant qu'ils soient encore sur la, la notion de l'économie. Je crois qu'il doit y avoir des petits ajustements de ce que j'avais cru comprendre. Il, y, il, va, il va y avoir des voilà, ajustements mais... au niveau des tarifs, effectivement, des vaisseaux et des trucs qui coûtent pas très cher, genre le carburant, le, les missiles, les munitions, je, je les méthanes, à... tout ce bord. Vraiment que dalle. Je pense, pense qu'on pourra vraiment commencer à parler d'économie quand tu auras euh, euh, deux voire X systèmes et que là tu pourras vraiment transiter entre les systèmes où là vraiment oui. il va falloir qu'ils s'amusent à faire le, toutes ces gestions de l'économie. Donc je pense que ça aussi c'est une feature qu'ils ont le temps. Évidemment c'est une feature qui sera implémentée aussi avant la release parce que là aussi enfin, on espère peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être même alors. Spéculation de ma part, hein, j'en sais foutrement rien. Je sais pas ce que t'en penses. De... Peut-être avoir une info sur euh, la roadmap vers la 1.0 de Star Citizen, avec peut-être de... une roadmap, peut-être pas avec une date, mais au moins avec des features précises en disant voilà, il nous reste ça à mettre, ça à mettre et ainsi de suite. Je pense des features comme bah, à la fois la stabilisation de l'économie, voire éventuellement surtout beaucoup de features autour des, euh, des guilds et, des... et des joueurs et tout ce qui est du partage. Ouais. parce que pour l'instant, les... les vaisseaux sont uniquement pour une personne. Ça, ça, fait... ça fait aussi partie des choses qu'il faut Il y a aussi le à... base building aussi, avec la voilà. gestion du base building. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Donc euh, ouais non non il y a le, le, le taf est long et le taf est, euh, va prendre du temps quoi <laughs> Donc, euh... ouais clairement mm. <laughs> euh, non bon bah voilà c'est ouais après euh, à voir hein. peut-être que la semaine prochaine on aura du coup plus d'infos sur euh, où en est le tech preview avec le machine mm. et tout le bordel peut-être qu'on aura euh, ces fameux hangars instanciers euh, qu'on voulait avoir euh, cette semaine qu'on n'a pas eu et qui sait, peut-être qu'ils nous feront une retournée acrobatique de surprise et qu'on aura carrément la vague à la Vago, la vague 1 de PTU <laughs> dès, dès vendredi soir, même <coughs> si j'y crois pas trop. Mmh, bah, euh, je, ouais. on, ver, on verra ouais, ce qu'il en est. Si Moi, je reste... Paraît, tout, Moi je reste sur le principe qu'il nous faut encore deux semaines de... De, de PTU. Il là, ne là, faut ça, pas ça. oublier que les vagues 1 en général, il euh, faut pas trop sauter dessus non plus parce que si vous voulez quelque chose de stable, souvent les vagues 1 c'est bien bien pété. Hein. Je me rappelle des anciennes vagues 1, 3, 18 et, euh, et celle d'après. Il y a des fois les, les ouais, toutes premières et... vagues, les premiers patchs, oh, ça pique un peu. Hein. Bon, ce, ce patch est difficile parce que quand il est arrivé les premières semaines, je me suis dit, mais comment ils veulent sortir ça à l'Invictus Il n'y a rien qui marche. <laughs> <laughs> c'est la question que je me posais aussi. L'Invictus, est-ce euh, quel... qu'on aura le 23 pour l'Invictus Normalement, c'est fin... fin mai. Moi, ouais. j'aurais tend... je... tendance à dire archi non. Bah, ouais, je... en fait, je, je vois parce pas qu'il qu serait la... qui va, Il va brûler, hein, parce que bah, ça serait en plus la freefly et tout le bordel. Alors là. Ouais, en fait, c'est surtout euh, quel intérêt ils voir. auraient de le sortir, quoi, pour le... À, à moins de ramener juste un... des joueurs avec la hype d'un nouveau patch. Parce que ça à va à aussi avis, ramener des, des futurs passer... clients, mais bon, c'est risqué aussi. Quoi. Normalement, l'Invictus, c'est fin mai. C'était aux alentours du... Ouais. du 20 et quelques mai. Alors il va se passer deux choses. Soit ils sont ultra rapides et ils te sortent une 323-0 avant et une 323-1 qui fixe le, le, les bordels et qui, et qui rajoute l'Indictus. Mmh. Ou alors ils se rendent compte que ça passe pas. Ils nous font une 322. Euh, Je ne sais plus à comment on a 322. Je crois qu'on en est aujourd'hui avec l'Indictus. Et une 23 qui suit derrière juste après la free fly ça vous ferait un bon élément marketing pour acheter des vaisseaux en mode vous avez connu le jeu gratuitement pendant deux semaines et eh ben vous allez le connaître en mieux mais il faut payer <laughs> donc euh, voilà à voir comment ça se profile bon. mais encore une fois c'est dur de dire comme ce soit comme d'abord on verra ce qu'il en est oui on a le temps de honnêtement oui. on a le temps de voir revenir euh, par rapport à ça euh... et par rapport exact. à tout ce qu'il y a à voir sur c'est en tout cas bah, merci du coup pour euh... Bon, les Mais news et les pictures de rappel, parce que même moi j'avoue que, comme de mon côté, euh, euh, j'ai euh, pas trop regardé les news sur Star Citizen, ça me permet de faire aussi une petite picture de rappel par rapport à ce qu'ils ont. Euh, de rester à jour. Hein. Exactement, de rester à jour <laughs> tout à fait sur le jeu, histoire de pas être trop largué. Parce que c'est vrai, effectivement, quand tu... quand tu fais une pause et que tu commences à revenir plusieurs semaines après, il euh, y a des trucs qui avancent vite quand même. Hein. Surtout là, c'est 3.23, elle est quand même assez vaste, c'est quand même pas mal de contenu. Ils, ils sont rapides, être... hein, franchement. Hein. Vous allez remarquer que là, on... on a parlé que là, de la, la 3.23. On n'a pas... Phase... Ouais. pas parlé de l'overdrive, on n'a pas parlé des espèces de petits qui nous font un côté. C'est vrai, qu avait... vrai que je voulais te préciser, il <laughs> y a l'overdrive qui est là en ce ouais, moment. Bon, voilà. il, y a, il, y a la, il y a la quatrième ou cinquième phase, je ne sais plus. Ils ont fait des modifications sur l'overdrive, que ça quand même important de le préciser. Euh, si vous finissez toutes les missions de l'overdrive sans exception, vous débloquerez du coup le F7A pendant 7 jours au lieu de 3. Et mmh. la possibilité de pouvoir l'upgrade gratuitement en partant du F7 Mark 2. Mmh. Donc on passe de 3 jours à 7 jours de location. Et vous aurez aussi une armure Xenothraite spéciale si jamais vous faites le... toutes les missions de l'overdrive euh, euh, jusqu'au bout. Voilà. C'est les petites modifications qu'ils ont fait cette semaine. Je trouve que c'est cool parce que ça manquait un peu de piquant. Bah oui, hein. Les armures, je trouve ça bien. Et moi, je continue à toucher du bois pour qu'un jour, on ait notre armure évocative. <laughs> à la fin du jeu, peut-être, Une peinture vaisseau avec notre nom dessus, je sais pas. Mais j'aimerais bien parce qu'on n'est pas tant que ça et ça serait cool, quoi. Euh, voilà. Ce <laughs> serait pas mal. Bah écoute, euh, à voir. Hein. Peut-être que du coup, ça, soit... Espérons. ça pourra se tenter, <laughs> ça pourra se faire. Euh... Ça pourra se faire d'ici euh, quelques temps. Euh... Bah écoute, bah du coup, ah oui, le Raptor. Oui, ça vous avez sûrement pas vu passer la bonne blague au niveau du Raptor. Ouais. Donc, ça m'a ouais. bien fait rire. J'ai même vu passer ça chez, euh, chez d'autres créateurs de contenu quand on en parlait. J'ai même vu Hardisk parler du, euh, du Raptor. Il faisait un, une passe en fait sur tous les euh, comment dire sur toutes les blagues euh, faites par les différents euh, les différents éditeurs, les différents. Euh différentes entreprises dans le monde et il a cité la blague de Star Citizen sur le raptor. Elle était rigolote, franchement, honnêtement, elle était sympa. Je, je, je me rappelle l'année dernière, je crois qu'il y a eu la, le 404, je crois à un moment qu'il y avait au de l'année d'avant, il y avait il y a eu le 404, le vaisseau transparent là qui n'existe pas. Mmh. Et euh, je sais plus ce qu'il y avait les années précédentes, mais là, c'était rigolo. Il je... y avait une année où ils avaient sorti une 3. Alors, je crois que c'est la 3.13. Ils avaient sorti une 3.13.8 pour la vanne, tu vois. Ouais. Et ils avaient mis des trucs débiles dedans, mais des trucs débiles de fou. Du genre, euh, la Star Map fonctionne réellement. Euh, oui, oui, c'est quelque quand chose. Quand vous faites des, des traces de, de pas de neige sur Microtext, ça persiste. <laughs> Et à l'époque de la 313, on était tous mordus hein, parce que <laughs> 313, il y avait rien, enfin il avait rien. Il euh, n'y avait même pas l'inventaire physique. Donc euh, voilà, c'était drôle. Il me semble que c'était un truc comme ça. C'était il y a 3 ans, 2-3 ans. C'était un moment, je venais d'arriver euh, quasiment. Qu -qu -qu Quel est ton euh... coup de gueule, Zenon, sur Twitch Parce que je vois que tu es <laughs> parti pour faire un coup de gueule. Parce qu'il euh, qu va se plaindre pour les Vaid 1. Ah oui. De... Mais bon, après ça, les Vaid 1, euh, que ce soit les Vaid 1 et sur le. Bah, en fait c'est tu... 10 balles d'abonnement et c'est résolu. Hein, voilà, oui, voilà, en fait, le, le mais truc, Sinon, vous, vous que attendez un ouais. mois et puis c'est live. Hein, voilà, on sait dire la 33 sortir à telle date. La 4 on va sortir à telle date. Par contre, le récise bien. Euh, oui, bah, après, oui, mais après, c'est pour ça que justement euh, Frisbee le précise bien et euh, il le précise chaque semaine. Euh, et c'est parce que justement, en plus, du coup, comme il est évocatif, il a accès directement euh, un peu aux news à la, à la source clairement si frisbee vous dit qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il a pu tester tout ce qu'il a pu faire euh, ça va pas sortir du jour au lendemain c'est qu'il y a une bonne raison d'ailleurs on le voit il suffit de voir au niveau de la roadmap tout ça etc après c'est le grand ah bah, classique on hein. va on va pas, on va pas on se sait le cacher jamais, hein, il... euh... ils nous ont déjà fait des surprises oui après euh, voilà, oui. Mais là, mais bon, franchement j'y prends pas trop si tu veux faire un titre qui est accrocheur qui est un peu racoleur tout ça etc tu mets effectivement sur un titre de stream ah est-ce que oui. le truc va sortir dans hein. et puis les gens ils viennent et puis ils discutent sur le chat c'est classique du titre marketing tout ça etc donc euh... Mais après, oui, non, euh, faut, faut pas croire ce qui est, ce qui est dit. Euh, je pense qu'à mon avis, la 3.23. Enfin, moi je pars toujours du principe sur Star Citizen, ça sortira quand ce sera prêt. Quoi. Euh... Faut vraiment pas se prendre la tête, on sait à quoi s'en tenir. Il y a suffisamment à faire sur le jeu. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables d'avancer, tout ça, etc. Moi je suis prêt à râler sur plein de trucs sur le jeu, mais pas là-dessus, parce que du coup, les mecs ils bossent, ils montent qu'ils bossent, ils montent qu'ils avancent. Donc là, honnêtement, franchement, il euh, faut les laisser bosser tranquillou. Et puis, euh, ouais, et là, ça on est vraiment quoi. dans la phase un peu. Si vous voulez, les, les, les phases PTV Vocative, c'est toujours pareil. Il y a vraiment ouais. les premiers patchs qui arrivent qui sont horribles, mais qui sont assez ripants parce que tu as vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Là, voilà, ça fait beaucoup de choses à tester. Euh, et et c'est cool. Et, et là, c'est la phase un peu plus plate, entre guillemets, où il y a un patch tous les jours, certes, mais c'est que des fixes de bugs. C'est vraiment que des, 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 des poliches, que des. Que des fixes, que des hot des. Il ya aussi des hautes fixes, il y a aussi des bugs fixes, des crash serveurs des clients crash qui sont fixés. Enfin voilà, on est vraiment sur, euh... ouais, on est vraiment sur quelque chose qui est dans le, le peaufinage de ce qu'on a déjà. Après, on passera sur une autre étape qui est du coup le reste des fonctionnalités, comme mmh, on dit mmh, précédemment. Mmh. Mais là, en l'occurrence, on fait déjà finir ça, quoi. C'est clair, ouais, c'est clair. Mais bon, il y a encore du, du bout là-dessus. Est-ce euh... qu'il y aura des changements sur les armures à 3.23 oh Là, j'en ai foutrement aucune idée. <laughs> on va juste prendre une dernière petite question, puis après, on va passer à la suite des, des news, parce que du coup, il euh, y, y a Euclid qui attend pour vous présenter aussi euh, de l'actualité sur, euh, sur un autre oui. jeu. Mais enfin, je vois pas pourquoi il y aura des changements euh, côté, euh, côté armure sur la 3.23. Quoi, tu penses avec Xenon, des changements comme... Euh... Le prix, peut-être Soit le prix, soit les quoi, des fonctionnalités par rapport à la ouais, alors... casque, tout ça, etc. Ouais. Alors, il bah, y, y, euh, y, y, y a les helmets de combat euh, qui auront les crosseurs dyna cro dynamiques, mais sinon, à part ça, euh, voilà. <laughs> C'est tout. <laughs> Parce que bah, vous aurez les, les crosseurs dynamiques que sur un certain type de, 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 de casque précis. Hein. Euh, ce sera les, les, combats, les casques à 40%. Euh, voilà, quoi. Pour la précision. Ce <laughs> sont des barbus, comment ça <laughs> Ouais après peut-être auras des concours, des concours barbecue avec les vaches. Ouais ça va être ça va être rigolo ça. Après tu pourrais tu pourrais sûrement peut-être sur ton propre euh, comment dire propre outpost faire de l'élevage de vaches et puis ouvrir un restaurant euh... à boire. <laughs> ouais, ça pourrait être rigolo. <laughs> Enfin, bref. <rires> écoute. <rires> bah écoute, donc, merci du coup pour la pour le, la piqûre de rappel et l'actualité sur sur Star Citizen. Dans tous les cas, n'hésitez pas à retrouver Frisbee hein, sur sa sur sa chaîne dédiée, Je vous ai mis le lien directement. Où vous avez euh, euh, le lien qui est épinglé. Pourquoi il n'est plus épinglé sur Twitch euh, Pom pom pom, c'est magnifique. Euh, si c'est bon, il bah y a l'info qui vient de retomber sur, euh, du côté de WiseBot. Bah voilà, c'est nickel. Et vous l'avez également sur, euh, sur YouTube, vous l'avez en, en épinglé en haut, vous avez le lien pour le retrouver sur sa propre chaîne YouTube. Et également, tu m'avais parlé aussi que tu allais refaire des, des streams, je crois que c'est ça que tu allais peut-être reprendre. Euh, c'est vrai, j'en en ai parlé la semaine dernière, que je les allais remettre ça, c'est sous mon Alors J'attends franchement la V1. <laughs> Euh, parce que je me dis que ça peut être sympa, euh, ouais. mais à ah, voir, peut-être ce sera sur d'autres jeux, on verra ce qu'il en est. De toute façon, tout est dans le, le lien. Que... Oui, voilà, tu es le temps Et je Donc, crois que, que sur Star Citizen, que... tu, tu fais de l'actu sur Star Citizen, mais pas que aussi. Je crois que tu as fait une, euh, une histoire, ou je sais plus si tu veux en parler rapidement. Euh, tu avais fait une, oui, euh, un truc, truc RP. Euh... On a fait un truc narratif, effectivement. Alors, mm. c'était avec euh, Wanted Luffy, c'est presque plus Wanted Luffy que moi. Euh, on a créé une histoire, effectivement, euh, un truc assez original. On a essayé de faire un truc qui change un petit peu, alors ça n'a pas eu le succès escompté, clairement. On s'y attendait, euh, mais mais voilà, c'était juste vraiment pour le fun qu'on a fait ça à la base, mmh. <laughs> de pouvoir tourner le truc, faire le montage et tout. Puis derrière, on s'est dit bah pourquoi pas le publier. Puis voilà quoi. Mais mais je veux dire c'est pas non plus. Euh... Mais c'était une histoire sur quoi du voilà, coup euh... euh, C'était juste pour le le le, le 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 scénario vite fait euh, du premier épisode. En gros, c'est juste l'histoire voilà, de quelqu'un qui fait euh, sa vie dans le verre. Sa base de gameplay de salvage. Euh, mmh. Voilà. Euh, et qui euh, tombe dans la, pas enfin, dans la folie, mais dans la, presque, et qui rejoint un peu le côté obscur, et qui commence à faire des missions un peu illégales, machin, mmh. machin. Donc c'est censé être sur euh, une saison de deux fois quatre épisodes, les quatre épisodes sont presque tous sortis, le quatrième épisode sort jeudi, si j'ai pas de bêtises, ouais. euh, jeudi, je... la semaine, le jeudi 11, mmh. là, le... Jeudi de la semaine prochaine, et donc c'est le dernier épisode de la première partie de la saison 1, et il euh, y a fort à parier, il enfin, y fort à parier. Bientôt, on aura euh, la suite et il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de, de, de choses qui vont se passer. Peut-être sur Pyro, on a déjà ouais, tourné mais... et monté pas mal de, pas mal de choses. Euh, en rapport avec Pyro, voilà donc okay. bon, bah, c'est différent de, cool. de, de, de lier bah, Pyro qui est assez inédit et, et, et le concept au Voilà, on verra, si voilà. Donc, du coup, bah, euh... c'est de l'actualité sur Star Season, mais pas que. Vous avez aussi ça arrivera les... plutôt cet été pour le voilà. coup. Voilà. Bah, donc, <laughs> du coup, si vous voulez euh, regarder, vous avez tout ce qu'ils font en fait sur les chaînes de, de Frisbee. Je crois que clip c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou tu avais euh, eu en idée justement de faire ça. De... Je crois c ça c'est comment ça s'appelle déjà le Makinina... ou Makinima. Makinima, voilà, j'arrive jamais à retrouver le nom euh, qui est la... le fait de, de faire des histoires directement liées dans un jeu. Alors, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est identique que de faire du roleplay sur du GTA ou est-ce que c'est un peu plus poussé que ça? J'arrive pas trop à faire la diff entre les deux, entre le du roleplay pur et euh, d'écrire des histoires comme ça narrative ah. sur un jeu. Moi, je... ça dépend un peu comment tu, comment ça tu dépend, approches ouais. le... le truc en fait. Que là, je suis tombé sur un machinat justement sur Alien. Hmm. Ah, dans oui, la je, je suis tombé dessus ce mmh. matin. Hein. Euh... Ouais, y en a ils font... y a du taf de ouf. Et puis enfin, ouais, après, y... même sur le truc, même sur les trucs les plus simples, franchement, c'est vrai que ça demande vraiment. Ouais. Des, des, des trucs de on peut pas s'imaginer que c'est autant la merde, surtout sur un jeu qui est pas non plus totalement fini. <laughs> à tout moment, tu te trouves avec des problèmes. Et c'est aussi <laughs> pour ça que nous, on a voulu éviter l'aspect dialogue. Euh, mm. J'adore parce que ça touche tout le... ça touche tout le monde. il Y a pas de dialogue, tout le monde entre guillemets, tout le monde peut comprendre. Ouais. Et euh, le truc, c'est que les dialogues, bah, déjà, Il faut doubler. On n'est pas doubleur. Mm. <laughs> On peut éventuellement se dépatouiller sur un logiciel de montage, mais, mais voilà, ouais, c'est pas, pas non ]z. plus euh, exceptionnel. Et il euh, y a aussi le côté euh, FOIP, euh, voilà, mouvement du visage, mm. qui, est pas non plus, qui est pas non plus exceptionnel. Ouais, est pas il, y qui, il y en a qui font ça très bien, mais faut, à, à moins d'avoir vraiment le, le dernier euh, Tobii tracking ou je sais pas quoi, mm. un peu, ou d'avoir une webcam euh, C920 à 120 balles de chez Logitech, <laughs> euh, ça peut être vite compromis, quoi. Donc voilà. C'est le concept qu'on a voulu prendre. Ouais, mais en sachant que ça va peut-être s'améliorer, hein, parce que comme maintenant, au niveau des, euh, des personnages et tout, il y a un peu plus de points de tracking, tout ça, etc., qu'ils ont fait avec les nouvelles. Euh, parce qui est proposé dans colon 42 et dans l'éditeur de personnages. Peut-être que ça, ça va s'améliorer pour la suite, et peut-être que ça sera plus simple pour vous pour, euh, pour faire des, euh, des, des films, ou même carrément des séries, des mini-séries et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Frisbee, vous en avez d'autres, effectivement, comme tu disais, Cyrus27, euh, où il y a effectivement. Je suis tombé dessus complètement par hasard, j'ai pas encore été à la voir. effectivement, une, un mix entre Alien et Star-Seaton, ça a l'air vraiment cool, quoi. Donc. Euh... Euh, franchement ouais. honnêtement, bah, n'hésitez pas à les soutenir, à aller voir justement leur contenu euh, pour ouais. leur apporter un peu de la force par rapport à ça et leur montrer que du coup il y a quand même de l'intérêt avec tout le boulot qui est fait derrière et le temps passé, sachant que c'est un temps évidemment bénévole et uniquement par passion, hein, on précise bien. Hein, euh... Donc euh, Les gens font ça sur leur temps libre, un peu comme là en ce moment, mmh je fais ça sur mon temps libre aussi. <laughs> Voilà. Bah écoute, pas bah, merci du musique. coup, euh, Frisbee pour euh, pour l'émission, oui, oui. euh, l'actualité de la semaine sur euh, sur Star Citizen. Et puis de toute façon, on se retrouve sur ta propre chaîne YouTube. Et on se retrouve du coup euh, dimanche prochain voilà. pour la suivre ouais, des aventures. Et sur Twitch, bientôt aussi également, euh, sera disponible. Euh, et je, oui. Je laisserai faire les annonces de ton côté. Ah, euh, sous peu. Euh, voilà. <laughs> donc n'hésitez pas à le follow <laughs> également sur Twitch hein, si vous voulez ne euh, pas rater ces prochains lives. Et ben bah, écoute, bah merci à toi. Et ce que je vous propose ensuite, c'est qu'on passe euh, à la présentation justement de bah, invité et, et la soirée. partie sur Star Atlas. A la semaine prochaine. Et c'est bon du coup tu es à l'antenne Euclide, je te laisse euh, nous parler justement de Star Atlas et peut-être de le représenter un petit peu rapidement, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est, on, est... on passe de Star Citizen à Star Atlas, vous allez voir qu'il y a des petites liaisons quand même entre les deux. Euh, et ça fait un moment d'ailleurs que tu avais présenté euh, le jeu directement sur l'émission et je me suis dit quoi de neuf de refaire un peu une piqûre de rappel et euh, parce qu'il y a quand même pas mal de news, donc vas-y je te laisse euh, la parole pour, euh, pour Star Atlas. Alors, je vais, ouais, voilà, je vais vous présenter un peu Star Atlas. Je vais remettre un petit, un petit, un petit peu le contexte de, de ce qu'est Star Atlas. Star Atlas, en fait, c'est euh, quasiment le même, la, la même direction que Star Citizen. C'est un MMO, euh, Open Space, enfin euh, Open World, euh, qui se passe dans l'espace. Et euh, le tout qui, a été, qui développe sur euh, Unreal. Donc ça, c'est les, les deux grosses marques de Star Atlas. Et ils ont rajouté la technologie blockchain, parce que Star Atlas est parti de, de l'idée de vouloir se différencier avec les jeux qu'on appelle les jeux Web2, c'est-à-dire centralisés sur des serveurs à des jeux Web3 où euh, la possession d'objets numériques, les NFT, euh, sont décentralisés. C'est-à-dire que quand un... Quand un objet 3D est créé, il est mis sur la blockchain. Donc euh, l'objet, l'items, est lié avec une, une entrée sur une base de données. Une blockchain, en fait, pour faire simple, c'est une base de données, mais qui est décentralisée où il y a plusieurs bases de données qui se répliquent. Euh, donc Star Citizen, c'est une grosse base de données SQL qui tourne et sur laquelle il y a des, des écritures euh, sur la base. Et euh, Star Atlas, les, les items du jeu sont mis sur une blockchain. Donc on se retrouve avec un jeu de, de SF où euh, bah, par exemple les vaisseaux, euh, quand on achète un vaisseau, il est lié à notre portefeuille. Donc là, on se retrouve sur une technologie ah. non, qui est un peu euh, oui, disruptive, c'est l'idée, c'est comme ça qu'ils l'ont oui. qu apporté, en, en décorrélant le fait qu'on fait login-mot de passe sur Star Citizen, ça nous permet d'accéder à notre hangar et notre inventaire. Euh, de... Ah ouais. ouais, il y a un petit... Euh... Oui, j'ai juste perdu au niveau de la cam, j'espère que, que ça va revenir. Pas tout non, il y a une. Enfin, pour l'instant, j'ai pas récupéré ta cam, donc euh, je te... on, va, on va voir si ça revient ou pas. Pendant ce temps, je vais mettre la, la petite vidéo de présentation de, de Star Atlas. Ouais. J'essaie de faire le bah, C'est bon, c'est bon, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. D'accord. Okay. Donc euh, mon fil, il était donc sur Star Atlas. Donc en fait, l'idée de vous présenter Star Atlas, c'est euh, Star Citizen version blockchain avec token et, et tout ce qui va bien. Donc là, je vous ai présenté un peu, là, j'ai mis la, la page du site, parce que pour l'instant, Star Atlas, ils sont un peu en mode Star Citizen euh, 2000, euh, 2014, tu vois, 2012, 2013-2014. C'est-à-dire qu'ils ont le hangar euh, qui est fonctionnel, ils appellent ça le showroom. Euh, C'est la partie qui est là, là. C'est le showroom. Donc le showroom, euh, dans, sur leur site, ça nous permet de pouvoir se balader dans une zone euh, fermée euh, où on peut euh, faire spawn nos vaisseaux. Donc tout ça, ça rappelle euh, tous les joueurs de Star Citizen, ça rappelle un petit peu leur, leur, les étapes d'évolution du jeu. Et ils commencent à rajouter des fonctions dans le, dans le modèle, euh, dans le moteur 3D. Pourquoi je dis moteur 3D Parce qu'il y a aussi une version euh, web. Donc dans le moteur 3D, ils, ils sont en train de faire un petit Arena commandeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des courses de verso, on va pouvoir faire, se tirer dessus, euh, se faire des, des chasses en one-to-one. Euh, ça commence déjà à être implémenté. Donc, on a les, les différentes briques un peu très similaires à Star Citizen. C'est pour ça que je suis tombé un peu amoureux du projet parce que je suis arrivé sur Star Atlas et, euh, et ils étaient en mode Star Citizen 2012, quoi. Mmh. Où ils commençaient à poser les bases, où ils commençaient à réfléchir, où ils commençaient à faire les premiers vaisseaux 3D où tu pouvais rien faire, juste tourner autour. Enfin, toutes ces briques-là, bah, je les vois dans, dans Star Atlas et ayant les 10 ans d'expérience de, de star citizen maintenant euh, et ben euh, tu, 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 tout de suite tu vois des, des repères en fait tu vois tout de suite des points de convergence ou des gaps techniques qui sont en train de travailler là ils ont essayé de travailler le gap technique qui leur permettait de mettre euh, je sais plus ces 1000 joueurs qui voulaient connecter bon, comme j'ai dit on est sur Unreal, hein, donc ils mmh. dépendent de licence on a une technologie qui maîtrise pas de bout en bout comme, comme star citizen avec euh, le star engine <laughs> Euh, donc, ils ne maîtrisent pas tout à fait les, les mêmes maillons de leur outil de dev, mais euh, ils commencent à essayer d'implémenter euh, du MMO euh, massivement multijoueur. Et du coup, donc, comme, voilà, dit, euh, peu... comme dit CEO, depuis, depuis combien de temps à peu près le, le développement de Star Atlas, ça, ça a commencé en quel... 2021 ouais, 2020. 2021 à peu près, oui. Je crois qu'ils ont lancé le projet, donc là, ils ont fait. Euh un white paper dans le monde de la crypto c'est comme ça qu'on appelle mais ça, ça s'utilise un peu partout le white paper où ils ont posé les bases de, de leur projet et euh, je ne l'ai pas dit encore mais là ça va être ça va être l'élément que, que je vais présenter euh, ils ont ils ont lancé leur, leur crypto monnaie donc il euh, y a une crypto-monnaie adossée au Star Atlas un peu comme la UEC dans Star Citizen mais euh, eux ça s'appelle la classe donc ils ont lancé euh, leur crypto monnaie qui, qui va avec alors on, on précise quand même petit disclaimer, hein, je vous précise quand même parce qu'on est sur YouTube, quand on parle de crypto-données, n'oubliez pas que ce sont évidemment des trucs qui sont à risque, c'est... Euh... Enfin je, je serais même faire compléter aussi le disclaimer par rapport à ça, c'est de l'argent, vous faites ce que vous voulez avec, mais du coup forcément derrière c'est de l'investissement à risque, un peu comme sur Star Citizen, vous investissez aussi à risque et vous ne savez pas si le projet va arriver à bout. Donc je veux bien préciser quand même que sur la crypto-monnaie et tout, euh, renseignez-vous avant, prenez vos informations et ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Donc, je préfère quand même mettre le petit disclaimer, hein, parce qu'avec les cryptos, il euh, y a toujours, des, euh, y a toujours des, des petits glissements par rapport à ça. Et euh, forcément, derrière, euh, il faut aussi Mais, prendre ses dispositions. J'aime bien comment tu le dis, parce qu'on parle crypto-monnaie, donc il y a disclaimer, attention, euh, c'est spéculatif, euh, les, les performances passées ne présagent pas des performances futures, tu vois. On met tout ce côté euh, finance. Mais comme tu l'as dit, Star Citizen, euh, sur le papier, il n'y a pas écrit euh, euh, on garantit la livraison. Hein. Exactement. Tu peux il n'y a aucun moment, si jamais ils disent qu'ils passent la clé sous la porte, tout l'investissement qui est fait, c'est poubelle. Mm. Et, et c'est vrai qu'on ne le, on, on le met pas assez en avant, on mm. n'en parle pas, on fait mm. semblant de ne pas le voir, mais euh, sur le papier, on est sur des risques financiers mm. euh, qui sont plus ou moins équivalents à ce que pourrait être une crypto-monnaie dans laquelle tu mets euh, mm. 100 balles et. Tu les retrouveras jamais, quoi. En mm -hmm. bon, sachant, comme dit euh, Commissoman, effectivement, oui, il euh, faut, faut faire attention avec la, la blockchain et la crypto. C'est vrai que malheureusement, souvent, la blockchain et la crypto, on l'associe beaucoup trop au monde de la spéculation et de la finance, alors qu'il n'y a pas que ça dans la crypto-monnaie, il n'y a pas que ça. Là, par exemple, sur les notions de NFT, ça, je te laisserai préciser. Là, on parle vraiment mm -hmm. du NFT. Je, je prends un exemple très simple. Imaginez demain, dans un monde idéal, que, par exemple, euh, quand vous achetiez un jeu sur GOG ou sur Steam... Vous le possédiez avec une NFT, et qu'il soit à vous, et que le jour où Steam et GOG, par exemple, mettent la clé sous la porte, le jeu soit toujours à vous, parce que vous possédiez une NFT. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la dématérialisation, le gros problème qu'il y a, c'est que, en fait, tout ce qui est dématérialisé ne vous appartient pas. Ce qui est un gros problème, parce que quand vous avez quelque chose de matériel, comme un objet, tout ça, etc., il est à vous. Il n'y a personne qui, euh, si par exemple j'ai euh, acheté une manette Xbox, si déjà un Microsoft met la clé sous la porte, je ne vais pas avoir des pontes de chez Xbox qui vont venir chez moi et qui vont me dire on vous reprend la manette, hein, vous l'avez achetée, mais elle n'est plus à vous. Hein. Et le problème, en dématérialisé, c'est que c'est le cas. Donc, du coup, posez-vous la question justement de savoir, par rapport à la blockchain et par rapport au NFT, si effectivement ce n'est pas une évolution de la possession de ce qui est dématérialisé, et surtout, en fait, euh, c'est vrai que malheureusement, on a tendance parfois à trop euh, faire correspondre, en fait, la, la crypto, la blockchain, tout ça, etc., uniquement sur de la spéculation. La spéculation, malheureusement, il y en a partout. Hein. Enfin, je vous rappellerai aussi, euh, si vous voulez chercher de la spéculation dans le jeu vidéo, je vous laisse juste le mot comme ça, scalper. Hein. <laughs> Les scalpers qui achètent des PS5 à tout va, etc., c'est aussi de la spéculation. Pourtant, ça ne vous empêche pas, en fait, si vous voulez, de jouer et d'acheter des PS5. Donc du coup, faut là-dessus, il ouais, faut, faut attempérer quand même sur la sur la partie de la blockchain et de la crypto. Il euh, n'y a pas que de la spéculation derrière. Il y a aussi des idées, effectivement, de possession tout ça, etc. Mais bon, effectivement, comme on reste aussi euh, sur de l'achat la, et sur de la finance aussi sur certains aspects, faites attention quand même à votre argent, évidemment. Voilà. donc C'était juste pour tout pour le petit disclaimer par rapport à ça. Il y a des vaisseaux sur Star Citizen où on peut faire des belles plus-values, Je hein. Je sais pas si oui. tu vois le merchantman oui, quand oui. il est sorti oui. à, sur les à 200 balles, il en vaut 700 maintenant. Hein. Mm -mm. Donc, euh, on peut aussi spéculer sur les vaisseaux parce qu'il existe un marché euh, gris dans le monde de Star Citizen où on peut se revendre des vaisseaux. C'est ça, exactement. On a aussi de la spéculation la spécu... malheureusement là-dessus. On, voilà. voilà, spécu... on... on peut exactement. On peut, on peut la trouver sous, sous les différents prix. Alors, on va revenir à notre petite, notre petite, bête de Star Atlas et je vais quand même amener parce que en fait, le Star Atlas, ils sont partis un peu sur ce qu'on appelle de la GameFi. c'est-à-dire ouais. c'est du gaming et un peu de finance. Ouais et c'est un... Un petit peu la brique que moi je j'aimerais bien trouver un peu dans Star Citizen bon, parce que j'ai peut-être cette fibre où je m'intéresse, oui, et puis fibre là. Ces -là je... Tout le monde n'a pas forcément cette fibre là. Mm. Et là, euh, ce, que, ce que je vous affiche en fait, c'est le cours euh, de la crypto du jeu. Donc là, vous voyez le cours de la, de la crypto du jeu. Je sais pas si mon, mon slide est passé, mais c'est pas grave. Si, si enfin, on le voit si on... d'accord. Euh, donc là, c'est le cours de la crypto du jeu, et vous avez une autre crypto qui s'appelle le Polis. Alors le Polis, il est intéressant, et là, c'est la blockchain, c'est Solala. C'est un peu comme si on disait SQL. Ça, pour vous, c'est le moteur SQL. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le moteur SQL et le moteur SQL. Bon, il a une cote évidemment. Mmh. Ça, c'est donc le Polis. En fait, c'est ils ont, ils ont inventé ce qu'on appelle une DAO. La DAO, ça veut dire que tu. Euh, c'est comme si quand nous, on achète euh, un starter dans Star Citizen on possédait un, un pouyème de micro de la société et mmh. qui nous donnerait un, un droit de vote pour l'évolution du jeu. Ça s'appelle une DAO. C'est décentralisé organisation. Donc, euh, Star Atlas a proposé ça et dans l'organisation dans le, dans le, dans du jeu, ils ont dit, bah, écoutez, nous, on prend euh, 10 ans de développement. Pendant les 10 ans de développement, c'est nous qui décidons tout qu ce qu'on veut faire. Mais après les 10 ans, ça sera les, oui. les possesseurs oui. du police qui auront des droits, les droits de vote sur, les, un... voilà, sur les, les directions que vont prendre le jeu et donc bah, cette monnaie là est cotée. et mmh. euh, de la monnaie et là le cours du, du, du atlas donc bon euh, là il vaut 1,007 euh, 0,07 centimes en, en dollars quoi mmh. et euh, bon juste pour la petite histoire quand il est sorti il était autour des 1 dollar quoi donc vous voyez un petit peu la, la bonne claque qui s'est pris entre le moment où le jeu était annoncé enfin, le white paper et le cours actuel de, de la crypto, mais bon, ça, ça a bien remonté. Euh, donc ça, vous avez le, le truc. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que vu que c'est sur la blockchain, et vu que Star, Star Atlas utilise une blockchain, on a toute l'activité relative au jeu. Et là, par exemple, vous voyez ici le volume de trading, vous voyez euh, le volume des achats les vaisseaux, les différents éléments, je zoomerai un petit peu, mais en fait on, on peut, vu que la blockchain elle est publique, on mmh. peut accéder sur la blockchain et aller consulter un petit peu ce qui s'y passe, mmh. où on voit euh, s'il y a beaucoup de transactions, si les vaisseaux sont achetés, comment ils sont échangés, euh, quelle est la valeur, et ça nous permet d'avoir des... Euh, vous voyez ce que je veux dire, un espèce de retour qu'on qu ne... Qui nous manque, moi que je manque sur Star Citizen par exemple sur Star Citizen, on sait pas euh, combien il de... y a de 600 i de vendus, euh, combien il ouais, ya de. En fait c'est est... la notion sur le marché gris côté SC, j'avais déjà eu des gens dans ma communauté qui avaient posé la question euh, côté euh, côté c'était un peu la réponse de Normand c'est Ouais alors en fait oui enfin vous faites ce que vous voulez mais en fait on fait pas de support dessus quoi en gros c'était ça quoi c'est genre du style on n'a pas envie d'avouer qu'il y a des gens qui font de la spéculation sur Star Citizen et de la revente de vaisseaux donc on préfère l'ignorer le passer un peu sous silence et puis euh, du coup euh, du coup on, on fait comme si de rien n'était mais la spéculation est quand même là alors que là effectivement sur Star Atlas ils y vont franco ils disent ok il y a de la vente de NFT effectivement il y a de la spéculation derrière c'est affiché clairement et au moins vous savez à quoi vous attendre comme ça au moins il n'y a pas de là dessus euh c'est clean quand vous arrivez vous savez à quoi vous attendre quoi après vous bah, si voilà. vous aimez et... ou pas ça c'est ça c'est un autre choix ça c'est une autre c'est exactement autre... après c'est après ça reste quand même un jeu là là je vous fais un petit peu je vous montre un petit peu le, ce qu'on va dire le back office un peu ce qui se passe derrière parce que je trouve que c'est intéressant de, de regarder ce jeu sous cette perspective et parce que aussi j'aime ça le côté économie des choses un peu de savoir euh, que... l'argent à quoi sert euh, enfin bref et là, typiquement, je vous montre les différents vaisseaux et un peu ce qu'on. Je ne te mets pas la partie Star Citizen, mais on trouve un peu la même chose sur Star Citizen, où on voit tous les mois combien il y a eu d'argent investi par rapport à l'année passée, le nombre de nouveaux joueurs, ce genre de choses. Et bien là, on a un petit peu ce pendant avec les vaisseaux. Là, vous voyez XS, S, Small, Medium, Large, Capital, Commander et Titan. Ça, c'est les, les classes, les tailles des vaisseaux. Et vous voyez à peu près le nombre de transactions. Par exemple, là, il y a eu 400 000, 400 000 XS qui ont été échangés. Donc euh, c'est mmh. le côté un peu qui suit ça. Et puis après, bon voilà ici, vous avez de, le volume de, de trading. Euh, combien? Euh, mais alors, les chiffres par rapport à Star Citizen, on est sur des, des trucs. Ça, c'est le volume de trading. Donc là, par exemple, là il y a eu 600 000 dollars qui ont été échangés sur le marché des, des vaisseaux. Mmh. Euh, mais 600 000 dollars qui ont été échangés. C'est-à-dire que c'est pas comme SC. Il n'y a pas eu un million de dollars qui sont rentrés dans le mois. C'est mmh. 600 000 qui ont été échangés entre, entre les différents joueurs et tout. Ouais. Voilà. Donc c est, c est pas et du mêmes. coup, ça veut dire que cette, euh, cette gestion de l'économie va être poussée aussi dans l'économie du jeu elle-même euh, par la suite. Euh. Exactement. Okay. Exactement. Exactement. Elle va être, euh, ce qui va se passer, c'est qu'après les, les, les joueurs vont faire du crafting, ils vont, ils vont avoir des, 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 des usines pour pouvoir extraire des matières premières dans mmh. le jeu. Et ces matières premières-là vont avoir une cote sur les marchés et on va pouvoir les revendre contre la du monnaie coup. du jeu. Alors du coup, la question c'est, est-ce que là-dessus, il n'y a pas peur d'avoir des déglissements, genre par exemple, tu aurais des gros corps, des gros orgas qui, euh, qui par exemple, qui s'amuseraient peut-être à, à faire des grosses usines, tout ça, etc., pour essayer de brasser un peu de, brasser un peu de thunes et tout. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que ça dérive à ce niveau-là, euh, sur cette partie-là Est-ce qu'ils est qu veulent faire en sorte que ce soit les joueurs qui autogèrent le truc Ou est-ce que le, les développeurs, ils peuvent mettre éventuellement le haut-là euh, par rapport à certaines choses c'est ceux qui détiennent un peu les vannes. Ouais. Donc, euh, donc sur le papier, ils peuvent euh, plus ou moins prendre une planète. On, ils vont extraire des ressources sur cette planète-là et puis euh, tarir euh, ah, oui, les sources. Donc mmh. ils ont un peu le, ils ont les, les, les manettes, on va dire, pour piloter un petit peu tout ça. Mmh. Mais euh, comme SC, de toute façon, s'il y a des très gros orgas qui veulent faire des blocus, euh, bah, c'est aussi, aussi le, le principe du MMO. Quoi. Il va falloir laisser un peu euh, le monde vivre, un petit peu de, de ces joueurs. Quoi. Okay. mais bon c'est intéressant bah, si, je vous... si on parle de ce jeu-là tout ça etc ici alors je vois effectivement qu'il peut y avoir pas mal de réactions et tout sur le fait que là on parle de finance vous inquiétez pas on va parler aussi de enfin, tu vas parler aussi de gameplay et de features hein, c'est mais au moins comme ça vous avez euh, vous avez exactement ce qui est oui. Atlas et le jeu mais aussi l'objectif un peu dans l'actualité euh, Saifan c'est aussi de vous montrer un peu d'autres types de jeux quitte parfois à vous montrer des jeux qui sont peut-être énormément en avance sur l'entente. peut-être que ça ne marchera jamais peut-être que les joueurs euh, vont carrément faire un tollissu et ça va peut-être jamais percer hein, parce que comme on dit hein, c'est faut pas le ra... faut le rappeler aussi dans, dans un système aussi capitaliste, et que c'est la loi du marché qui prévaut, si euh, le public euh, n'en veut, veut pas, et par exemple ça ne marche pas, il ne le prend pas, et si le public plébiscite et ça fonctionne, et qu'ils arrivent à le vendre, ça marche très bien. On voit aujourd'hui avec les micro-transactions, il y en a quasiment partout, alors que les gens publicitaient pas ça au début. Euh, on voit aujourd'hui, euh, par exemple, sur euh, l'arrivée, il euh, y a des tests qui sont faits pour l'arrivée de publicité dans les jeux, euh, ça, ça râle, mais après du coup, ça finit par arriver. Enfin, il y, y a plein de choses qui sont testées dans le jeu vidéo, ça, ça fait partie effectivement des innovations qu'il y a et qui sont testées euh, notamment au niveau de la communauté et sur la partie au niveau de la blockchain, de la crypto, tout ça, etc. Donc c'est aussi intéressant de vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dessus et pas en fait ne pas en parler en disant bah non. Euh ferme les yeux puis ça n'existe pas. Il y a des gens qui peuvent être aussi intéressés par ça, euh, mais du coup après à vous de vous faire aussi votre propre avis euh, par rapport à ça, si vous êtes intéressé, pas intéressé, et ainsi de suite. Euh, mais là pas... on n'est pas en train de partir sur un débat sur le bien ou pas de la crypto, tout ça, etc. Non, on est là pour parler de Star Atlas, ce qu'il a proposé et justement ce qu'il a proposé de différent par rapport à d'autres jeux euh, qui peut y avoir sur le marché et peut-être aussi à vous amener à réfléchir aussi sur ce qui est... La crypto-monnaie, la blockchain, tout ça, etc. Il Et y a peut-être vous interroger aussi à vous dire, est-ce qu'on s'intéresse un peu à ça Il y a peut-être aussi de casser cette espèce de... faut, faut, faut pas oublier, hein. je vais juste faire un petit aparté rapide, après je te, je te laisse la parole. N'oubliez pas une chose, si, moi j'ai beaucoup appris en regardant Hardisk TV, c'est qu'il y a aussi beaucoup de lobbying de la finance traditionnelle, qui elle-même a énormément peur aussi... Euh, de euh, l'arrivée de la blockchain et l'arrivée des cryptos, ça a été beaucoup le cas pendant un moment. Et la finance traditionnelle a aussi tendance un petit peu à vous manipuler en vous faisant croire sur des médias traditionnels, en vous faisant croire sur des. Euh, notamment par exemple la BCE, la Banque Centrale Européenne, pour ne oui. citer que, avec des experts extrêmement haut placés. Vous dites, ah, oh, mais c'est des experts, ils connaissent très bien ce qu'ils font. Mais oui, non, ils racontent aussi des conneries, comme par exemple de vous faire croire que la blockchain, euh, ça va euh, détruire la planète, parce que c'est pas écologique, que ça finance euh, le terrorisme. Le terrorisme. Voilà, tout ça, en fait, tous ces genres de conneries que vous écoutez sur les informations, sachez qu'elles sont fausses, elles ont été démontées et démontrées euh, Par notamment euh, par, euh, par différents experts, même du, du milieu. Et il euh, faut savoir aussi que bah, très souvent, il faut aussi avoir un peu l'esprit critique regarder un peu ce qu'il y a derrière et se dire Mais effectivement, qu'est-ce que c'est que cette blockchain Qu'est-ce que c'est que cette crypto Comment ça fonctionne et tout Et quand on commence un petit peu à s'intéresser et qu'on casse un peu ces barrières du, du côté un peu euh, polish finance qu'on essaie de nous survendre à chaque fois, on se rend compte que derrière, il y a des idées qui sont quand même vachement intéressantes sur le fond. Quoi. Donc du coup, euh, voilà, c'était juste aussi pour le petit le petit aparté par rapport à ça. Je te relaisse la, la parole du coup, Clit, sur cet aspect-là. C'est très gentil d'avoir fait ce petit zoom-là parce que qu'on entend des, des, des absurdités sur le Bitcoin, comme quoi c'est super polluant, ça prend toute l'énergie d'un pays, alors que les trois quarts des, des, des usines de minage sont derrière des barrages. Ça sert aussi à réguler les flux électriques. Il oui, y a... Y a, y a... Enfin celui qui est novice et qui prend l'information BFM pour faire simple ça. de ça ouais. ou Bruno Le Maire, euh, tout de suite il dit que, bon bah ok c'est un truc de terroriste euh, c'est pour, euh, pour euh, poser des bombes quoi. Euh, Alors que quand tu grattes un peu et que tu te renseignes bah tu te rends compte qu'en fait c'est pas tout à fait comme ça, euh, ça, les intérêts sont pas forcément les mêmes et puis on a des on me fait pas me, rend... me fait pas parler finances mais il y a Blackrock qui est la plus grosse truc euh... Hard, hard, hard de, de, de top level qui, qui gère plus d'argent que la France mm. euh, qui s'est mis sur le bitcoin et donc qui a, qui a proposé devant du bitcoin à ses clients. Donc on est, voilà. On est euh, après, choses, juste à titre oui. perso, pour l'instant, moi j'y suis pas encore. Je, 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 je suis intrigué depuis longtemps, j'essaie de me renseigner de ça, etc., comment ça fonctionne. Mais je lui suis pas encore mis et même Star Atlas, je lui suis pas encore mis aussi. Donc euh, du coup, vous voyez. <laughs> Pour revenir à Star Atlas, j'ai voilà. deux trois trucs que je vais quand même vous expliquer. Pour ceux qui étaient là l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le ticket d'entrée pour Star Atlas, c'était 1,70€ en fait. Hein. Le vaisseau était 1,70€. Et ben, la blockchain a beaucoup changé, il sait pas mal de choses. Et maintenant, juste pour la petite histoire, le, le ticket d'entrée, c'est-à-dire le vaisseau le plus basique qui normalement devrait bien s'afficher, mais qui ne veut pas s'afficher parce que j'ai un petit effet bonaldi, et c'est évident. <laughs> euh, et, et tourne à peu près voilà. à 5-7 euros maintenant. Maintenant, c'est 7 oh. euros si tu veux, si tu veux le, le vaisseau de base de, mm -hmm. de Star Atlas, c'est 7 euros le, le ticket. Okay. Et Il y a un an, quand on en a parlé, euh, c'était autour de 1,50 euros, un truc comme ça. Bon, ça c'était la, la, petite, la petite aparté que je voulais vous faire. Euh, parce qu'il y a un marché, j'aurais bien aimé vous le montrer, voilà, il y a le marché où on voit tous les vaisseaux qui sont ici. Donc là, c'était le... ce vaisseau-là. Et tout. Lui... Ils sont directement sur le site. C'est un peu comme... Bon, ça veut pas, ça veut pas. Ok, d'accord, c'est pas grave. C'est l'effet des mots, Je l'ai fait 20 fois avant d'avoir l'antenne et ça marchait nickel. Bon, ça, c'est ma flotte. Je voulais juste vous montrer mon petit truc. Ça c'est ma flotte. Donc ça c'est mes vaisseaux. Et ça génère un atlas. Bon, là, j'en ai 19 en attente. Et puis je dois, je dois gérer ma flotte en... En... en appuyant sur des boutons. Pour l'instant, c'est comme ça. Ou... Euh... Ah, je vais, euh, Donc, ça veut dire que ta flotte que, flott, que tu possèdes te mine en fait des atlas qui Exactement. te permettent d'arriver. De... Okay, Exactement. Et moi, je dois euh, refuse, je dois mettre du fuse, je dois donner à manger, je dois rajouter des munitions et je dois réparer les vaisseaux pour que bah, ça continue mm. à, à produire des atlas. Mais le jeu, c'est pas que ça, c'est pas que l'interface web. Faut <laughs> parler UO5, que que de ue 5 les gens ils vont se dire ue 5 il nous présente un site web, <laughs> c'est quoi ça <laughs> Il y a un truc qui cloche. Non, super, euh, eh, on fait des jeux 2D en, en sur, ça, euh. sur, un, sur un navigateur euh, Qu'est-ce que je voulais dire Non, en fait, ça c'est le truc qui est intéressant parce que dans oui. les NFT, en fait euh, quand j'ai acheté mon, mon NFT que j'ai mis là-dedans, eh ben, en fait, quasiment sur 2-3 ans, bah, j'ai récupéré mon investissement par rapport aux atlas qui sont arrivés. J'ai généré des atlas et oui. je les ai revendus j'ai récupéré l'argent qui m'a servi à, à acheter le jeu. Donc, ça c'est la version, euh, ce qu'on appelle, euh, ce qu'ils ce qu appellent. Euh, Faction field, euh, ouais, faction field. Et euh, ça, ils l'ont cassé, en fait. C'est-à-dire qu'avant, les vaisseaux, ils, ils ramenaient beaucoup plus d'Atlas. Et euh, le boss de, de Star Atlas, a cassé. Il ne veut plus que les gens mettent ces vaisseaux-là. Mais ils veulent qu'ils mettent dans l'application web. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a une application web qui va pouvoir jouer sur navigateur, qui est cette interface-là. Et avec tous les petits points-là, ça va être nos vaisseaux. On va les déplacer d'un endroit à l'autre et puis euh, tirer sur euh, des micro-icônes. Donc ils veulent arrêter le fait qu'on appelle ça s'appelle le staking, de, de, de mettre, de bloquer nos vaisseaux pour qu'ils génèrent des atlas. Là, ils vont nous obliger à jouer dans une interface web, pour la version web du jeu, mm -hmm. où euh, nos vaisseaux vont permettre de pouvoir aller euh, euh, re, euh, collecter des ressources et récupérer des atlas, en fait. Donc, ils, vont, yeah. voilà, ils déplacent un petit peu un petit peu le jeu. Et euh, c'est là où j'aurais bien que tu nous mettes la, la petite vidéo que je t'avais que je t'avais évoquée. Oui, en background, euh, ouais. sur, le, en sur la présentation en fait des différentes ouais. euh, des différentes features ouais. euh, pour aller un peu plus dans le cœur de ce qui est le de ce qui est Star Atlas et de ce qui va ce qui va devenir pour la vraiment ouais. en dans vrai, le concret. Pour l'instant, on était plutôt sur le background, sur l'économie, sur le sur le, le business model en fait du jeu. Là, on va plus rentrer sur le concret, sur ce qui est exactement le jeu. C'est ça. Ça, donc bon, tu, on, va, on va la laisser tourner en même temps en même temps en en parler. En fait, euh, et donc là, on va pouvoir voir un petit peu les différents éléments du, du jeu qui, qui, ont, qui, ont été, qui ont vraiment été développés sur Unreal. Est-ce que tu peux peut-être un peu scroller un petit peu pour ouais, Alors attends, parce qu'il y a différentes, différentes parties. Est-ce que tu voulais une partie tu en vois... particulier Il y avait, il parlait de donc, ben... Star Class Grow, Il parle de Starbase Star Base Launch. Ouais, c'est ce que j'ai montré là Starbase. Faudrait que tu montres la partie. Alors attends, éventuellement peut-être sur la partie au niveau du gameplay, ça va être le cas là. Ouais. Sur le gameplay Unreal, ça va bien aimer montrer le Unreal. Tac, voilà. Un peu plus d'infos sur la, sur la partie gameplay. Là, sur, euh... Alors, ce qui est drôle, c'est que dans cette interview-là, la première chose qu'ils font, c'est comparer Star Atlas à Star Citizen quoi, <laughs> sur le nombre de joueurs. Oui, parce qu'il faut savoir joueur... qu'il y a des développeurs de Star Citizen qui, enfin, de Star Atlas qui viennent de chez SC, hein, de... des équipes de CIG. Hein, <laughs> qui sont partis Et peut-être Papy va finir là-bas à tous les coups. Hein. <laughs> ouais, c'est vrai. <laughs> Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est le showroom où, on est en... où ils commencent à développer le... la fête multijoueur, où les joueurs vont pouvoir aller. Euh mettre sur la gueule d'une certaine mmh. façon dans le showroom. Un peu comme Ariana euh... Commander quoi. Exactement. C est, c est, tu vois, et il, il passe des gaps techniques, mmh. comme comme Ariana Commander, euh, qui a été nécessaire à Star Citizen pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir passer des, 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 des gaps <laughs> et pouvoir implémenter des nouvelles fonctions. Donc c'est vrai, ça c'est quelque chose qui arrive au 20 au 20 avril, tu vois. Je le... Donc sur un an, euh, pour faire une petite rétrospection, oh, on chat. a euh, le multijoueur qui est arrivé, on a les courses de vaisseaux dans l'espace et on a euh, des vaisseaux qui ont été euh, modélisés. Parce qu'à la base, les vaisseaux, c'était que, euh, mm. que des white box qu'on avait de leur hangar. Et maintenant, on a des vaisseaux dans lesquels on peut on peut entrer et visiter et tout ça. Quoi. On se comprend un petit peu autour. Oui, ils ont quand même bien progressé depuis un an. Parce qu'au début, effectivement, c'était que des vaisseaux, c'était des, des Grey Box, on ne pouvait rien faire dessus. Euh, euh, c'était assez, assez basique, je crois qu'on pouvait à peine les faire décoller. Mm -hmm. Il y avait juste un mode course, si je me rappelle. Là, ils sont carrément aussi sur le mode FPS. Et puis, je pense qu'à mon avis, Unreal Engine euh, leur permet d'aller euh, beaucoup plus vite et de faire des trucs euh, quand même assez propres, euh, assez rapidement. C'est un moteur quand même qui fait gagner du temps. Moi, ce qui me gêne un petit peu, mais bon, c'est parce que je suis joueur SC, c'est euh, le troisième personne. Ah, oui, c'est comme Fortnite il n'y a pas de première et personne ça, ça mais me... ben ouais là, là pour l'instant le jeu tu es la première personne que quand tu lock quand tu quelqu'un comme ouais. dans Fortnite où là mmh. tu passes en, en première mais tout le jeu de, de baston il est en troisième comme ça quoi d'accord ok ouais, alors après ils vont peut-être passer en première ils vont peut-être donner la possibilité de faire l'un et l'autre je sais pas ou... ouais je mais bon, ah bon. après c'est peut-être des limites euh, Unreal ou c'est peut-être des choix euh, euh, par rapport au public ciblé je... pour l'instant je n'ai pas encore bien compris pourquoi ils il, il arrêtaient la première personne Pourquoi ils passaient à la troisième Mais euh, C'est un vrai débat. Hein. Moi, je suis très première personne, mais il y a peut-être ah, d'autres joueurs qui de sont SC, plus oui. troisième. Enfin, SC, de toute façon, on est tous oui, est, première est personne. c'est comme un cyberpunk. Hein. Euh, vraiment, ça se veut ultra ouais. immersif et tout. Est-ce qu'ils ont vraiment cette volonté aussi d'être aussi immersif qu'SC qu euh... Ou est-ce qu'ils bah, veulent rester début... aussi un peu arcade euh, sur certains aspects ouais, bah, C'est exactement ça. C'est au début du jeu, je pensais qu'ils allaient rester dans, le, dans les trames AC, en mm -hmm. full immersif, avec l'économie, avec, tu vois, encore plus immersif d'une certaine façon que assez. Et au final, je, les, je vois bien le je jeu partir un peu plus dans le arcade. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour aller chercher un public plus large ah, C'est euh... possible. possible aussi. Hein. C'est possible qu'ils veulent jouer un peu sur, sur la partie euh, Fortnite mm. euh... et aller chercher ce public-là. Bon, moi pour moi ça me perd un petit peu. Pour moi, franchement, je, je ça me ça m'a un peu refroidi de voir ça, cette version euh, trop arcade en fait. Moi j'aimais bien le comme comme essai, j'aimais bien euh, entretenir mes vaisseaux. J'aimais bien, tu vois, tout le, tout le gameplay qui entre, surtout le nft, tu as la vraie possession, la vraie guillemets ouais. là quand même. Mais euh, tu étais vraiment en possession de ton vaisseau. Alors si en plus tu peux y prendre soin, le personnaliser, euh, voilà. Je... J'aurais voulu que ça, ça continue plus dans ce, dans ce sens-là. Si tu veux, je peux peut-être remettre mon, oui. ma petite roadmap. vas -y. Parce que je voulais finir, je voulais, finir, je voulais continuer là, de parler de SC avec la partie roadmap. Vas-y, je te remets. C'est l'essai où ils ont fait. C'était 1000 personnes là qu'ils avaient tenté. Oui, faire... ils avaient tenté un truc avec plein de, plein de personnes un peu. Ouais. Moi, vous à peu près tous les vaisseaux en plus là. Donc, je, je vois le différer, donc peut-être que je n'ai pas le live. Mais... Vas-y, là, mais, je te remets sur ton écran du coup. D'accord. Okay. Euh, donc là, je partage cet onglet. Donc après, si oui, vous voulez, alors, je donnerai... Ouais, je... Euh, ouais, tu dois le voir celui-là. Je vous donnerai les sources. Hein, si vous voulez voir un petit peu la roadmap, voir Star Atlas et tout ça, si vous voulez creuser un petit peu, bah, je vous donnerai tous les liens à Max afin qu'il les mette à disposition. Donc là, vous avez un peu la roadmap de, de Star Atlas. Donc là, là, on est sur la version Release 2.2. <laughs> on n'est même pas en version alpha quelque chose. On est sur des, des, des premières releases pour valider des gaps techniques, hein. c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, il commence à y avoir vous voyez, la customisation de vaisseaux, euh, il commence à y avoir euh, le fait qu'on va avoir des armes un petit peu personnalisées, hein, des nouveaux vaisseaux qui arrivent dans cette release. Donc ces deux vaisseaux-là vont être disponibles in-game. Même celui-là, le, le X-5. Là. Oui, aussi. Euh, Ouais je trouve ça super stylé, hein. ça c'est le cockpit qui est là et puis euh, tout autour c'est les armes et puis euh, il peut se transformer en mode, euh, voilà, en mode combat comme ça avec les mmh. quatre. j'ai trouvé que le, le concept était super sympa. Euh, donc ça c'est les nouvelles features qui arrivent là, ensuite on va avoir la, la pré-saison, alors évidemment il n'y a pas de date, hein. ils ont pris le soon de, de SC mais on n'est pas loin quoi, entre les promesses et la livraison, il se passe des années-lumière. Euh... <laughs> Et on va avoir aussi les, des nouvelles fonctions les habitats parce que par rapport à SC vu que vous l'avez compris le business model il est autour mmh. des NFT et de la possession. Euh, Sedge c'est l'application web hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, c'est cette partie là euh, Sedge mais je vous voyais pas parce que je le partage pas donc c'est pas grave. Euh, il est où mon onglet pardon Oui c'est tout le c'est tout le, le store de, de gestion ouais. de gestion business en fait. Et donc, euh, et donc les NFT, parce que j'ai acheté aussi une possession, j'ai acheté un petit appartement dans le jeu mmh. et tout, et donc l'appartement, on l'achète aussi en NFT. Et là, ils vont bientôt les implémenter dans, dans la partie web. Donc ça, c'est la partie euh, Unreal, là, ce que je vous ai monté. on va pouvoir crafter des, des, euh, des éléments. Euh, la saison 1, bon, ça c'est la version point .1, on va avoir pouvoir le, se, se, se taper euh, en première personne. On l'a pas encore avec nos vaisseaux, tu vois, il y a pas le, le duo dans le vaisseau, je peux tirer avec mon arme, c'est pas encore implémenté. On va avoir le, le système de, de business avec euh, le commerce. Donc ça serait, puis, euh, ça euh, serait vers quand à peu près sur euh, ce type de feature euh, dans l'année ou... À mon avis, euh, la saison si on la fin 2024, c'est bien, et là, on va dire qu'on est sur mars 2025. Hein. D'accord, ok. Bon, donc ça reste le temps quand même. Ça, hein. euh, ouais, c'est des, des coups de six mois. Hein. Mais après, comme, comme elle sait, hein, euh, ils sortent des features et puis euh, elle, elle glisse sur la saison d'après. Hein, mmh. Parce que la release de 2 on devait l'avoir au début de l'année et tu vois, on est, en, on est en avril et elle vient juste d'arriver. Mais à chaque fois, bah, comme vous voyez, ils il, il il rajoutent des petites briques. Et il y a une petite brique que j'aurais bien aimé vous montrer c'est ça, c'est qu'ils vont, euh, vont rajouter mon petit, ma petite Madeleine de Proust, euh, des NPC connectés avec des LLM, avec Désir. Ah oui oui ça tu euh, ça tu m'en oui, as parlé si ouais, si ça c'est ouais. un, un si gros sujet sur cette partie là ouais. Et en fait pour faire simple c'est comme si vous voyez par exemple vous aviez on parlait tout à l'heure des IA dans Star Citizen. Quand on parle des IA dans Star Citizen, il faut, faut être tout à fait honnête, c'est du scripting. Il hein. n'y a rien d'intelligence artificielle là-dedans. On a l'habitude d'appeler ça comme ça dans le JV, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors qu'aujourd'hui, les, les IA et notamment les LLM, qui sont les Large Language Models, c'est ChatGPT pour faire simple. Donc imaginez que vous preniez un jeu, vous preniez un Baldur's Gate 3, ou vous preniez un Cyberpunk 2077, et que le, le PNJ avec qui vous parliez en face, vous étiez en train de converser avec du ChatGPT. Ça change complètement les conversations et le la profondeur du personnage et ce qu'il y a derrière. Et, euh, et ça je trouve c'est super intéressant comme quoi ça, ça se voit que en fait sur ce jeu là euh, bah, on peut aimer ou pas le concept des NFT ou pas, ce qui est super intéressant c'est comme du coup ils savent qu'ils ont rien à perdre et qu'ils sont full R&D, ils peuvent aller sur des trucs qui sont ultra novateurs comme cette partie au niveau des, des IA alors que pour l'instant c'est vrai que, enfin toi je, tu enfin pour la petite anecdote tu avais fait un post sur Spectrum euh, là dessus pour parler des <laughs> je te vois rigoler déjà d'avance est-ce qu'il sait de quoi je vais parler hein, hein les joueurs de Star Citizen hein <laughs> avais fait un post au Spectrum pour parler de ça, justement, de l'implémentation oh. potentiellement de Ilya type chat GPT dans Star Citizen. Vas-y, je te laisse finir. Comment t'avais été reçu Alors, j'ai une petite tendance à y aller comme des fleurs, moi. J'aime bien quand je, vois un... <laughs> quand je vois un sujet un peu disruptif, j'y vais comme une fleur et je pose mon truc sur Spectrum en me disant quand est-ce que les LM seront, seront mis sur nos, P... Alors, nos NPC, nos PNJ mais je l'ai fait, fait subtil parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans Star Citizen, normalement, quand tu as plusieurs starters, tu as des, des, des PNJ qui, qui te sur... seront utiles. Et donc j'ai dit, bah, j'espère que ces PNJ-là seront assistés par, euh, par un, un LLM derrière où on pourra vraiment vivre avec nos, nos PNJ. La commune est tombée dessus en disant, mais... Euh, c'est un MMO, on n'a pas besoin de ces technologies-là, euh, il ne faut pas implémenter ça. J'avais que des logos où c'était écrit « merde », tu sais, tous les petits ouais, ouais, ouais. Cônes, Enfin bref, j'ai eu un, un levé de bouclier, comme on dit. T'as euh, eu une shitstorm, euh, comme on dit ici. <laughs> où tout le monde est tombé dessus, euh, tout ça parce que je demandais pourquoi, euh, pourquoi on met pas ces, ces, cette technologie de LLM de... D'IA générative dans le jeu. Et c'est étudié Et donc... chez des gros studios. Hein. Que ce soit Ubisoft, que ce soit Electronic Arts, etc. Ils le disent peut-être pas ouvertement, mais ils l'étudient. Hein. C'est largement étudié parce que c est, c est... clairement, c'est l'avenir en fait. C'est euh... beaucoup mais plus immersif je... aussi. Je crois pas une seconde qu'une boîte comme CIG fait l'impasse sur sa techno. C'est ce que je dis. moi me On a vu une fois un article, on parlait vite fait, où je sais plus, il y avait un dev qui avait dit euh, c'était un peu comme pour le, le RTX, fait oui, on met ça de côté, on verra plus tard. Mmh. Bon, évidemment, je pense que c'est pas c'est pas sur la roadmap et c'est pas prioritaire. Mais comme tu dis, je vois pas pourquoi il ferait l'impasse sur ce genre de choses. Surtout que clairement, en fait, euh, bah, moi c'est ce que je dis toujours, c'est euh, Star Citizen a beaucoup d'atouts. Il est, euh, c'est un jeu qui est excellent, il est très immersif, tout ça, etc. Mais quand on voit par exemple ce qu'il va être capable de faire la concurrence, notamment avec du e 5 ce qu'il va être capable de faire la concurrence plus tard avec des intégrations d'IA comme ça avec les LM et tout, je dis quand même euh, attention. Je pense que la concurrence côté Star Citizen va être très très dure. Il n'y a pas que Star Atlas, il y a aussi d'autres jeux qui sont en préparation. Il y a d'autres studios qui peuvent faire des choses qui, qui conviennent largement aux joueurs. Je pense que la concurrence sera quand même assez assez difficile hein, côté. Euh... Côté SC, donc euh, à pas négliger cette intégration des IA sur les PNJ. Quoi, mais bon, vas-y, je te laisse continuer pour la présentation des features. Autant, euh, autant j'ai pris un peu de recul sur les NFT parce que vraiment l'année passée, j'étais persuadé que ça allait déferler oui. dans le monde du jeu vidéo. J'avais bien senti de la réticence, hein. mais ah, j'ai bah, cru oui. vraiment que le NFT était une techno. Que les gens ont peur de la spéculation, quoi. C'est c'est ça qui leur fait, mais oui, les... peu ouais, je pensais vraiment mais aussi. Hein. Hein. J'ai dit NFT, hein, j'ai pas dit crypto. Hein. Oui, voilà, c'est hein. ça. Mais quand c'est tu sais, les gens font l'allusion entre les deux à chaque fois, enfin ils, ils pensent NFT, ils pensent possession, donc forcément s'ils posent possession, en fait ils ont en mémoire euh, les, les tests qui ont été faits côté Ubisoft, ou je sais plus ils avaient fait un... Ouais. Comment ça s'appelait là C'était Quanta, Quanta ou que je sais plus le nom de la plateforme. Ils avaient tenté un truc Ubisoft. Ah ouais, oui, aussi. où c'était limite, en fait tu possédais un, un skin. Sur Rainbow Six Siege, et tu pouvais le refoutre sur Assassin's Creed Valada. En fait, c'est oui. des trucs un peu. Mais du coup, ça, ça faisait bizarre parce que du coup, ça cassait un peu la DA des jeux. Et en fait, le problème, c'est que derrière, oui, effectivement, bah, à chaque fois, c'était toujours le même problème que bah, du coup, euh, t'avais des gens qui surspéculaient là-dessus et à la fin, ça devenait n'importe quoi, quoi. Mais par contre, après, et effectivement, moi, l'un des sujets que j'aime bien défendre et que pour moi, je pense que la blockchain a vraiment une grosse valeur ajoutée, les NFT aussi, c'est la revente d'occasion sur le dématérialisé. Putain, si un jour ils intègrent ça dans les stores, vous aurez enfin quelque chose que vous possédez qui sera à vous. Vous aurez un jeton. C'est juste un titre de propriété, un hein, NFT, hein. ni plus ni moins. C'est euh... enfin, juste pour information pour ceux qui en douteraient un petit peu sur la légitimité de ça. Euh, sachez que euh, des cabinets d'avocats et notamment sur des possessions. Euh, par exemple, euh, à la fois de, euh, de choses dématérialisées ou pas, euh, vous avez des gros cabinets d'avocats, même à l'international et même en France, qui commencent à s'intéresser notamment à tout ce qui est la gestion de la blockchain et de la propriété via la NFT. Donc comme quoi, ce n'est pas que de la euh, spéculation de la finance, il y a un vrai intérêt euh, technique et un vrai intérêt en fait dans la vie de tous les jours par rapport à ce type de sujet. On pourrait presque faire une émission débat là-dessus <laughs> Ah, mais je, je suis d'accord, et il y, a du, il y a du contre, mais euh... oui. oui, ce qui est normal. Ce qui est normal, hein. je veux dire, dans tout changement, de toute façon, il y a toujours du, du contre par rapport à ça, du pour. Ce qui aussi permet aussi qu'en fait, quand il y a du contre, aussi un petit peu de tempérer aussi certaines choses qui pourraient Parce que souvent. Malheureusement, le, le gros problème, c'est quand il y a une nouvelle techno qui arrive, euh, souvent, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu le propre d'une nouvelle technologie quand ça arrive, euh, tout le monde se l'approprie, c'est un peu le early adopter, euh, ça part un petit peu dans tous les sens, et puis à la fin, ça finit un peu par se canaliser. D'ailleurs, enfin, tu parles un mieux que moi, mais dans la, dans la crypto, il y a eu notamment cette. Euh, il y a cette cette grosse période en ce moment, justement, où les côtés étatiques qui commencent un petit peu à s'imprégner de ça euh, côté de la crypto et à mettre un petit peu certaines règles par rapport à ça. Quoi. Ouais, après, après une fois que que c'est régulé, oui. euh, tu vois, ça, ça, une fois que en fait, a, je peux comprendre les éditeurs en disant, on est sur un truc qui est pas forcément régulé, c'est un peu le Far West. Il euh, y a des exchanges qui tombent, tout ça, donc il y a un risque mettre le, la masse market, donc euh, n'importe quel joueur dans dans ça. Il y, a un, il y a un facteur et je parle pas encore du, du petit gap technique parce que malgré tout il y a un gap technique c'est un truc de geek encore hein, la, la crypto hein, et les NFT oui, c'est quand même encore un truc de geek faut un portefeuille il faut gérer sa propre ça. clé tu paumes ta clé tu as paumé tous tes NFT c'est tout ton capital c'est poubelle oui. parce que c'est toi qui es propriétaire. est propriétaire. C'est ça l'idée, c'est que tu es propriétaire, donc si tu es propriétaire que tu perds ton mot de passe, il n'y a pas Moi de SAV. Tu n'appelles pas quelqu'un pour euh, faire euh, sauter le mot de passe. Allô, Bitcoin euh, téléphone <laughs> Je perds mon mot de passe. Euh, j'ai perdu ma clé. <laughs> donc, euh, donc Et c'est pour ça que, à mon avis, le, le passage au Web3 prend plus de temps. Mais possiblement, tu vois, euh, Star Citizen, ils peuvent très bien passer en Web3 et que ce soit eux qui détiennent ta clé. Et tu fais login mot de passe, oh. tu es un joueur Web2, et je ne crois pas, je qu pas que Chris Robert t'entraînera le coup, hein, parce que je pense qu'à mon avis c'est risqué pour lui. Euh... Mais après c'est bien qu'il y ait des jeux qui testent euh, le terrain, etc. Bon après si on, si on veut chercher aussi de la... des risques, euh, des risques euh, financiers et tout. Hein, euh... Je vous rappellerai aussi euh, notamment les gens qui dépensent des euh, dizaines de milliers de dollars dans des cartes FUT sur FIFA, hein, ou qui claquent complètement leur thune dans des skins Fortnite. <laughs> et là-dessus aussi, il y a besoin de régulation, parce que là, par contre, c'est clairement, en fait, hein, quand on tombe sur de la lootbox box ou ça, etc., euh, là, c'est mmh. très dangereux, parce que là, on tombe sur effectivement sur du casino et sur de la pure addiction. Alors que, en règle générale, quand on essaie d'aller un peu vers de la crypto, etc., je dis pas qu'il y a pas des addictions là-dedans aussi, hein, comme partout, euh, mais euh, comme tu dis, effectivement, comme c'est un domaine qui est assez geek et tout, en général, tu essaies un petit peu de te renseigner un minimum avant, donc tu es un peu plus averti, et quand tu commences à foutre un pied là-dedans, tu t as un peu plus à quoi t'en tenir. Il bon, y a toujours des gens qui font exception, ça. évidemment, mais euh... voilà. <laughs> Vas-y, je te laisse Jusqu'à temps que ce soit ta banque qui te propose de faire ton portefeuille, puis peut-être que tu te connecteras avec tes identifiants bancaires pour gérer tes propres NFT sur des jeux vidéo. Bon, on est sur d'autres Oui, c'est ça, on est sur un autre débat, revenons à Star Atlas. On est sur d'autres sphères. C'est ça. Donc voilà, après, je ne voulais pas forcément trop aller plus loin dans la roadmap que la saison 2, vous voyez, il y a les animaux qui commencent à arriver, la chasse aux animaux, il y a des... Donc Star Ouais, mais là, on est en 2000... 26, là. Hein, ah hein, oui, oui, 20 donc, 20... oui, donc ça, on a encore le temps. Mais après, on sait pas. Euh, Peut-être que derrière, ils vont aller plus vite. Tu vois, il y a les, les pets qui commencent à arriver euh, mm. sur 2026. donc bon, Après, euh, après ils ont rempli pour remplir, hein, euh, franchement. Euh... Oui, c'est des difficile. Euh... Je voulais juste vous montrer ouais. ça rapidement, c'est parce que du coup, euh, j'avais réussi à trouver ça, pour ceux que ça, que ça intéresse, pour y voir un petit peu aussi... Euh... Euh, quelle est la, la, la tronche un peu des vaisseaux, euh, je, je reprends juste la main 5 minutes. Vous euh, voyez par ouais, exemple là chaud. vous avez des, des exemples de, de, de vaisseaux, j'ai un peu trouvé ça sur le site de Star Atlas, sur, euh, mmh. sur, des, sur des présentations de vaisseaux, effectivement on a un côté très, très Star Citizen aussi sur... Euh, Présentation des vaisseaux, on a le X6 qui est un vaisseau de course. C'est ouais, mon préféré. En fait. <laughs> ah bah, j'ai complètement au pif. C'est le premier qui est arrivé dans la. J'ai ta... tapé modèle de vaisseau sur Star Atlas et je suis tombé là-dessus. J'ai réussi euh... à faire une offre à 110 dollars et j'ai réussi à l'avoir. D'accord, ok. <laughs> ouais, donc, euh... Mais donc, du coup, pour, pour l'instant, ce que tu disais, c'est qu'en fait, au niveau des vaisseaux, on ne peut pas encore les piloter, on ne peut pas encore monter dedans. Oui. Ah, on peut oui, ah, mais... si, sur le sur le mode euh, un peu Arena euh, Commander, ben... quoi. Ouais, dans le, dans le showroom qui s'appelle ça. C'est-à-dire, on peut sortir du hangar si on veut faire la maga BSC, mais on tourne, au, on, on tourne autour d'un du, point fixe. On va pas aller euh, découvrir. C'est marrant parce qu'on pourrait prendre ces images, on pourrait les sortir du truc, et là, on pourrait avoir un, un trailer de présentation d'un vaisseau sur Star Citizen. Mais grave. <laughs> Et c'est avec du E5, donc c'est pour ça que, pour ça que je, je dis toujours attention quand même. Même si Star Engine a beaucoup de capacités, il est capable de faire énormément de choses. Quand on voit que là, sur un trailer comme ça, c'est du du Unreal Engine, je dis ouais, il faudra que CIG, à mon avis, ça va pas être que leur simple atout dans leur poche d'avoir un, un, un beau jeu avec un beau moteur, hein, parce qu'aujourd'hui ça va devenir un peu la norme avec UE5. Euh, quand on voit ce qu'on est capable de faire. Alors évidemment, le moteur ne fait pas tout. Il faut aussi que t'aies les développeurs et tout qui aient euh, les capacités de faire une bonne dé artistique, quelque chose d'intéressant avec des missions, tout ça, etc. Hein, parce qu'on connaît des jeux qui sont faits euh, avec John Engine, et puis derrière on s'emmerde à faire des quêtes FedEx. Hein. C'est ça un grand classique. Mais du coup là, effectivement, si on regarde juste au niveau de la technique, là, euh, ça serait un trailer d'un vaisseau sur SC quoi. Il <laughs> n'y a pas de, il y a aucune différence quoi. C'est euh... Et, et c'est pour ça que moi au fond de moi, la, la techno et la NFT. imagines je prends ce vaisseau là et je peux le porter dans SC quoi. Mm. Oui c'est ça voilà bah, c'est bah, le, c le euh... principe du, du, de la possession en fait avec, le... avec la gestion des, euh, des NFT donc voilà donc si ça vous intéresse de toute façon tu il a... je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses sur la, la présentation de Star Atlas ou si tu avais fait un petit peu le tour sur le faire un peu le tour et puis... Et puis, après se... du coup si, si par exemple les gens sont intéressés euh, à s'en en jeu tout ça etc c'est euh, ils doivent commencer comment c'est tu aller sur le site euh, staratlas.com et puis ouais. euh, puis du Alors, coup aller Staratlas.com, j'ai pas mis mon lien de parrainage, il y en a un, mais bon, je crois que c'est des cacahuètes chez Staratlas, le parrainage. C'est euh, bon, Google Staratlas et vous tombez mmh. dessus directement. Il y a juste un, un gap technique, c'est que euh, il faut que vous ayez un portefeuille, un, oui. un wallet, euh, pour pouvoir avoir du Solana. Ce que j'expliquais tout au début, là, le, le moteur qui est derrière. Quand je dis moteur derrière, c'est n'est pas une reel. Hein. C'est la base de données qui est derrière de Solana. Il vous faut avoir du Solana. Et avec le Solana, bah, vous pourrez faire les transactions d'acheter des vaisseaux, d'avoir de, un compte et ce genre de choses. Il vous faut un, un fuel. Un, oui, un voilà, truc de base pour. Euh... Voilà, Donc forcément, vous... du coup, ceux qui n'ont pas l'habitude. Si vous n'avez pas là, on, on va faire très simple. Hein, ceux que, les gens qui n'ont pas l'habitude de, de tout ce qui est de la crypto, blockchain, etc., euh, ne vous lancez pas là-dedans comme ça, juste sur un, sur un coup de tête. Renseignez-vous avant un minimum. Et euh, si effectivement, d'un autre côté, pour l'instant, vous dites, ah non, j'ai pas trop envie de tenter, etc., c'est pas dramatique si vous ne tentez pas à la seconde, vous allez pas vous perdez rien. Quoi. C est, c est, je veux dire, euh, vous pouvez juste regarder éventuellement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui streament le jeu, qui streament leur forum. pour vous avez oui, des vidéos. Alors... Sur sur YouTube euh, qui en ordre d'idée autant SC, c'est à peu près 6 millions je crois ils sont passés les 6 millions je vais pas regardé les derniers mmh. chiffres combien il y a de comptes sur Star Citizen euh, Star on est plutôt autour des 100 millions 100 mille 100 mille oui, oui, oui donc c'est oui c'est vraiment c'est vraiment ultra niché et il voilà. y a peu de gens. C'est pour ça que justement je tenais à vous présenter un peu le jeu pour euh, le moi, le mets un, peu en perspective, un peu, hein, Voilà, mais c'est millions euh, 6 millions SC, euh, 100 000 star voilà, c'est ça, ça, euh... ça donne un ordre d'idée quoi. C'est ça. Voilà. Donc du coup, bah, en tout cas, bah, merci pour la, la, la petite présentation sur, euh, sur la suite du jeu et tout. Toujours intéressé d'un petit peu de vous montrer euh, comment évolue le jeu. Et de toute façon, dans tous les cas, euh, dès qu'il y aura des nouvelles news. Euh comme on l'avait fait la dernière fois, euh, je te laisserai revenir pour, pour présenter un petit peu la suite. C'était pas dans tous les cas, hein, si vous avez des, des questions, etc., n'hésitez pas à les, comment, les, les poser en commentaire, hein, on essaiera de... Euh, clitch je pense qu'il essaiera d'y répondre par rapport à ça. Euh, on le relaye toujours, hein, pour tout ce qui est euh, crypto, NFT, etc. Euh, pensez bien que c'est effectivement... Il euh, y a aussi, effectivement, de la... Comment dire De la, de la spéculation derrière, et du coup, forcément, c'est votre argent, et comme tout, faites attention à ce que vous faites avec votre argent, et vous en faites ce que vous voulez, Mais voilà. Donc c'était pour le, le dernier petit disclaimer là-dessus, pour éviter qu'on me dise derrière après, ouais, c'est comme, comme l'alcool, euh, exactement. Dit... Voilà, c'est ça, c'est comme les loot box. N'achetez hein. euh, pas et ne claquez pas tous vos pognons dans des loot box sur des jeux mobiles. Hein. <rire> <rire> Il y a vite une addiction là-dessus. <laughs> Écoute, bah, merci du coup pour cette présentation au niveau de Star Atlas. Et puisque je vous propose, de toute façon, dans tous les cas, c'est qu'on passe un petit peu aussi euh, à la suite euh, de l'actualité euh, des jeux de science-fiction. Et on se retrouve juste après le jingle. Et heureux, du coup, on se retrouve euh, à nouveau pour l'actualité science-fiction et fantasy de la semaine. Alors là, du coup, beaucoup de choses à vous dire, énormément. Je, je crois que j'ai jamais autant de news qui sont tombées dans la semaine. Pour vous résumer un petit peu, on va parler de Dune, d'une suite, on va parler de Gear 6, on va parler de State of Decay 3, on va parler de Star Wars Tale Empires, on va parler de Star Wars Outlaws, de Fallout, de Stellar Blade, de Everspace 2, de Silent Desolation, de Matrix 5, de Star Wars KOTOR et de Jump Jumpship. J'espère que vous êtes accrochés parce qu'il y a beaucoup de news ce soir et il y a quand même pas mal de choses à dire. Et comme d'habitude, euh, sur tout ce qui est actus, science-fiction, euh, fantasy, fantastique, je vous mélange un petit peu à la fois séries, films, jeux vidéo. Parce que de toute façon, dans tous les cas, au niveau des univers de ce qui a présenté, il euh, y a des choses quand même qui sont assez euh, identiques. Et il euh, y a quand même pas mal de choses, notamment par exemple sur Dune. Pour ceux, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'aller voir euh, Dune, les, euh, les deux premiers euh, au cinéma, euh, Euclide. Euh... Que... Non. Ah, tu pas, que pas que encore vu J'ai fait l'impasse sur Dune. Alors, je l'ai vu le vieux Dune euh, des années 40, 70, ah, ancien, 90. Mais je Dune, oui. Mais j'ai pas fait d'update sur les... les... D'ailleurs, je regrette parce que la saison 1, elle plus plus dispo sur.. Netflix ou, ou Amazon, j'arrive pas à la retrouver. Euh, bah du coup, non, tu vas pouvoir le, le retrouver du coup, directement en, comment dire, en, en VOD, en vidéo à la demande sur, euh, sur Dune. Bah, après, ils ont prévu des séries aussi d'autres jeux vidéo. Mais là, je vais plus vous parler en fait, euh, d'un nouveau film qui est en développement qui s'appelle Messia. Euh, qui est un petit peu la suite de Dune et euh, qui a été euh, confirmé notamment par Legendary. Il faut savoir que Legendary c'est un petit peu le studio qui est derrière euh, les Dunes euh, avec euh, Jacques Villeneuve. Euh, et en fait, ce serait inspiré du second tome de Frank Et c'est un petit peu le film qui poursuivra l'histoire autour de Paul Atreides qui est devenu empereur et quasi dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu, d'ailleurs, en tête d'affiche. Alors, pour l'instant, on n'a pas spécialement de euh, date, en fait, de sortie par rapport à ça. Euh, euh, on va dire qu'il y a déjà la majorité du casting euh, du le film original qui va être conservé, du coup, pour, euh, pour ceux d'une messia. Et... Euh, pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va sortir avant, parce que je crois qu'ils ont prévu aussi un troisième Dune. Ou je ne sais plus si c'est la deuxième partie qui est en deux, en deux épisodes. Je ne sais plus exactement comment ils ont prévu de faire ça. Mais en tout cas, ils ont prévu de continuer un petit peu la saga, de continuer un petit peu la suite par rapport à ça, à parce que forcément, déjà, les deux premiers Dunes ont vraiment extrêmement cartonné au cinéma. Donc sachez que je pense, qu'à mon avis, vous allez entendre parler de Dune pendant encore bon nombre d'années. Parce qu'à mon avis, ils ont trouvé un peu un filon par rapport à ça. Et je trouve qu'il y, y a énormément de choses à faire et à dire sur cette saga. Et surtout pas que, d'ailleurs. J'espère qu'ils vont pouvoir aussi développer un peu des histoires autres que autour de la famille Atreides. Peut-être éventuellement des histoires autour, autour d'autres familles et autour, autour de d'autres guildes. Je vais y arriver sur l'univers de Dune, parce que c'est vraiment un univers qui est quand même assez dense. Donc voilà, ce, ce petit film qui a été annoncé officiellement, qui est en cours de développement et qui sera prévu sur nos écrans quand, pour l'instant. On ne sait pas encore. Alors pour le reste, euh, on va passer sur une autre actu. Alors là, celle-ci, je vous montre directement le trailer euh, d'un jeu qui est euh, *Gears* *Gears of War*, euh, qui est une licence à la base Microsoft. Et euh, faut savoir que cette licence, ça fait déjà un moment d'ailleurs que *Gears 5* est sorti. Je crois qu'il me semble qu'il est sorti il y a quatre ans. Si je dis pas de bêtises, là, le trailer que vous voyez, je crois qu'il est sorti à peu près il y a quatre ans. Alors pour rappel, un petit peu en fait au niveau euh de Gears, de Gears of War, ça se déroule sur la planète qui est la planète Terra, qui est un monde un peu similaire au nôtre, mais qui est un petit peu différent sur certains aspects, et euh, cette série est extrêmement connue notamment pour les jeux de tir à la première, enfin la troisième personne, et euh, notamment aussi pour, par un système de couverture qui est assez innovant d'ailleurs pour les premiers euh, Gears of War qui sont, euh, qui sont sortis euh, à l'époque, et en fait ça raconte l'histoire, enfin euh, l'histoire justement raconte un petit peu la lutte de l'humanité contre les locustes qui sont un peu des, montres, des monstres inhumains venant du sous-sol de la planète et après une guerre de 79 ans entre les humains et les locustes qui émergent justement de la croûte de la planète pour tuer les humains euh, qui essayent de se euh, comment dire de s'y installer tranquillement donc il y a eu pas mal de pas mal de jeux il y a un petit peu aussi un côté assez énergique comme vous le voyez et aussi un petit peu un côté cinématographique vous avez euh, toujours pas de nouvelles de la suite de District 9 Non, pour l'instant, non. J'ai rien vu passer sur cette euh, sur cette partie-là sur côté euh, côté de District 9. Mais Vous voyez, par exemple, une des particularités de dire c'était ça. Alors c'est quand même assez euh, assez euh, sanguinolent. Hein, euh, c'est assez euh, <laughs> assez trash au niveau des trucs. Mais vous voyez, c'est un peu le système de couverture où vous pouviez choper des gens un petit peu par-dessus les balustrades. Ils ont ils ont quand même pas mal euh, innové à ce niveau-là euh, au niveau de la du côté euh, du côté couverture. Et euh, il faut savoir euh, qu'il y a un Gear 6. Qui, est, euh, qui a été annoncé et qui a attendu. Donc, c'est euh, Jeff Grubb et euh, Gian Bomb qui suggèrent notamment que Gear 6 pourrait être annoncé cet été. Euh, alors, pour l'instant, c'est-à-dire que ce pas encore des annonces officielles, mais il y a vraiment des grosses rumeurs comme quoi il pourrait y avoir la suite. Alors sachant évidemment qu'il s'agit d'un jeu de Microsoft avec, euh, qui était disponible sur le Game Pass. D'ailleurs, je me rappelle au tout début quand j'avais essayé euh, le Game Pass. Ça faisait partie un petit peu des jeux qui étaient euh, phares et qui étaient un petit peu poussés là-dessus. Euh, donc on espère que d'ici, euh, peut-être cet été, il y aurait la suite euh, qui sera annoncée avec ce nouveau Gear 6. Qui prendra un peu la. Dommage, euh, une pépite de ce film. À District 9, oui, oui, c'est un très très bon film. Je pense qu'à mon avis, il y aura peut-être sûrement des, euh, des suites qui sont prévues. Mais après, je ne sais pas qui, qui possède les licences par rapport à, à District 9 euh, là-dessus. Mais dans tous les cas, si je, je, je vois passer des infos, euh, je vous les passerai, je vous les mettrai en avant du coup sur l'actualité sci euh, Donc voilà, -attend, attendons de voir ce que ça va donner cet été. Mais en tout cas, c'est prévu effectivement d'avoir un peu une suite à ce Gears of War. Alors. Si on passe un petit peu la suite euh, des news, euh, un jeu que moi-même j'avais joué, que j'avais adoré, euh, qui était un très très bon jeu de survie. Alors pour rappel, il s'agit de State of Decay. Alors il y a eu le 1, le 2. Il y a le 3 qui euh, nous a déjà été teasé par un espèce de petit euh, trailer que je vais vous mettre ici, un petit trailer teaser euh, qui date déjà depuis un moment, parce qu'il a bah, ce petit trailer teaser à, à peu près euh, 3 ans. Euh, et en fait, juste pour rappel, en fait, euh, qu'est-ce que c'est State of Dicket euh, C'est euh, bah, tout simplement une invasion un petit peu, euh, on va dire, de de zombies parce qu'il y a eu euh, comment dire une, un, un virus qui s'est échappé euh, qui s'est échappé sur terre et il y a un petit peu un côté à la fois euh, survie également gestion de base gestion de coéquipiers euh, qui était très présente sur le, sur le deuxième et euh, qui était assez cool d'ailleurs franchement honnêtement on a que je sais pas si es encore là sur le, sur le stream je sais que tu l'avais euh, Testé plusieurs fois en, en stream du coup le, le State of Decay 2. Et euh, là, ça fait déjà un moment qu'on n'avait pas trop de nouvelles de State of Decay 3, en sachant que le studio qui est derrière, alors je ne sais plus comment s'appelle le studio qui est derrière ce jeu, euh, faut savoir que euh, ce studio est un studio first party de chez Microsoft. Donc c'est un studio qui appartient à Microsoft. Donc c'est-à-dire que le jour où State of Decay 3, euh, comment dire, sera, euh, sera présenté et sera disponible, il sera day one avec le Game Pass. Et il euh, faut savoir que du coup, il euh, y a eu notamment des infos qui ont un petit peu fuité au euh, côté Windows Central, qui a un petit peu laissé entendre que State of Decay 3 pourrait également être présenté aussi sur ce showcase de juin. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Gears of War 6, là je vous parle de State of Decay 3. Il pourrait y avoir éventuellement la présentation de ces deux jeux, euh, du coup, euh, directement euh, sur euh, ce prochain. Vous euh, voyez, il y a aussi des animaux hein, qui ont un petit peu euh, muté, on va dire, hein, parce que là, euh, un cerf qui s'amuse à bouffer un ours et qui vous cri à la tronche c'est <laughs> pas commun mais donc du coup il y aurait peut-être éventuellement la présentation de ce set of dk3 vraiment hâte de voir s'ils vont euh, pouvoir enfin nous le sortir ça fait quand même déjà trois ans qu'on a vu ce trailer donc je pense qu'à mon avis euh, ils ont dû quand même avancer là dessus c'est Under labs merci beaucoup euh, néwax pour euh, pour l'info donc franchement honnêtement si vous avez jamais mis la main sur un petit set of dk vous aimez bien un petit peu les jeux de survie gestion euh, ce côté un peu euh, euh, un petit peu à la résidence de et tout euh, sautez dessus parce que c'est quand même assez cool moi le, le 2 était vraiment vraiment sympa à jouer il y a eu pas mal de Dead dessus, il y a eu des DLC, il était sur Unreal Engine 4, si je dis pas de bêtises, donc là, le dernier va être sur Unreal Engine 5, et euh, du coup, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent sur Unreal Engine, euh, la version 5, et euh, déjà, même la version 4, il avait un petit peu euh, update au niveau des graphismes, euh, donc là, évidemment, vous ne pas aux images que vous voyez à l'écran, hein. ce sont des images évidemment d'un teaser, on ne sait pas si ça serait été cette qualité, ce niveau de détail-là qu'on aura directement in-game, mais en tout cas, quand on voit tout ce qui est capable de faire Unreal Engine 5, pff, je pense qu'à mon avis... Ça devrait être quand même assez immersif. et il devrait y avoir quelque chose d'assez ouf. Alors pour l'instant, on n'a aucune info sur l'histoire. Hein, parce que je ne sais plus exactement l'histoire d'origine. Euh, on suit logiquement la, la première histoire. Vous avez un peu votre personnage qui essaie de monter un camp, qui essaie de récupérer un petit peu différents survivants à droite à gauche. Euh, D'essayer de trouver un petit peu des zones pour essayer de guérir un peu cette maladie, euh, ce virus, surtout quand vous vous faites euh, contaminer. Euh, donc je ne sais pas si le, le 3 sera basé aussi sur le même mode euh, gestion comme le 2. Ou s'ils vont complètement changer et faire un autre style. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais on verra bien. Si au mois de juin on a un peu plus d'infos qui, euh, qui arrivent sur ce prochain euh, State of Decay 3. Et maintenant sur la suite des news, euh, alors on va passer sur euh, pas mal de choses. C'est un peu la semaine Star Wars d'ailleurs, j'aurais dû vous mettre ça. Euh, Niveau de la miniature, j'y pensé, mais comme j'arrête pas de mettre des miniatures Star Wars à chaque fois, on peut me dire que je suis une fixette sur ça. Mais vous avez, euh... je m'y attendais pas du tout d'ailleurs, je... je pensais même pas que ça allait sortir. Vous avez un petit court-métrage euh, qui s'appelle Star Wars Tales of the Empire, donc les histoires un petit peu de l'Empire. Et euh, c'est une espèce de mini-série en six parties euh, qui sera proposée, je crois, sur Disney Plus à partir du 4 mai. Alors évidemment, si vous n'avez pas Disney Plus, vous ne pourrez pas le voir. Vous l'avez vu, hein, vous avez le gros logo euh, qui, euh, qui est présent sur le côté. Et euh, cette série animée se concentrera en fait principalement sur euh, deux personnages que sont euh, Morgan Elbes et euh, Barry, euh, Barrys Ophi. Euh, et ça explorera un petit peu des événements inédits de leur vie. Alors juste un petit peu un rappel parce que euh, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais tain, mais c'est qui ces deux personnages Ça ne dit rien. J'ai dit, ils vont pas nous refaire la même chose qu'ils avaient fait avec euh, euh, les Marvel, je sais pas si vous vous souvenez, euh, notamment la, euh, la série euh, Echo euh, sur Disney Plus, qui était euh, qui présentait un, un personnage Lambda déjà d'une série de base qui était basé sur un personnage Lambda des Avengers que tout le monde a oublié, vous savez l'espèce d'arché, là je sais plus comment il s'appelle euh, dans les Avengers. Et là bah dedans il dedans, y avait un personnage qui était Echo, qui était un personnage notamment qui était euh, malentendant. Euh, et du coup ils ont fait une histoire là-dessus avec un, un dérivé. je vont nous refaire la même chose là-dessus avec Star Wars. J'aime bien les personnages Lambda, mais le problème c'est que tu te souviens plus qui c'est. <laughs> Alors pour rappel, qui est justement Morgan Elbef C'est une femme euh, humaine qui est sensible à la force. Euh, C'est une Knight Sister qui a joué un rôle crucial dans la construction de la marine impériale pendant la reine de l'Empire galactique. Et après la chute de l'Empire, vous avez euh, Morgan qui a cherché à ramener euh, le, le Grand Amiral Trône. Donc ce personnage-là a cherché à ramener le grand Amiral Trône dans la galaxie et a dirigé une armée avec l'aide de sympathisants impériaux pour y parvenir. Donc c'est un peu ce personnage-là qui a un petit peu été déchu, je crois, si je me rappelle bien, par, par l'Amiral Trône. Euh, et notamment qu'on voit d'ailleurs dans, dans la série Ahsoka Tano, qui revient sur sa propre histoire et on essayé un petit peu de... de comment dire, de... Détendre un peu le lore sur ce personnage. Et Barry Sophie, euh, c'est une femme Myrialan, qui est sensible à la Force et qui est une ancienne chevalière Jedi, qui est tombée un petit peu du côté obscur de la Force pendant la guerre des clones. Et elle, a... elle est formée en tant que padawan sous le maître Jedi Luminaria Unduli, pour ceux qui se souviennent un petit peu. Euh... Et elle a manié justement un espèce de sabre laser bleu lors de sa première bataille sur Geonosis. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la guerre des clones, ce poursuivi, Ophi, euh, Ophi est devenu un peu désillusionné, je vais y arriver, par le rôle de Jedi, euh, croyant qu'ils avaient perdu leur chemin par rapport aux idéaux euh, que l'ordre Jedi était censé représenter. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu tombé un peu du côté euh, obscur, on va dire, de la, euh, de la force par rapport à ça. Donc on a un petit peu développé ce personnage-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une nécessité ou pas d'aller faire des, des films sur des personnages comme ça random Je ne sais pas si derrière il y avait vraiment une volonté. De les faire revenir après, ou si on est juste sur du fan service et un peu du remplissage. Je sais pas si toi, de ton côté Euclide, euh, tu étais fan de Star Wars, et si tu suis un petit peu tout ça euh, de près ou ouais. de loin, ou pas du tout. Alors moi, je suis, je suis fan de Star Wars, oui. Euh, mais j'aime bien, moi, parce que ça enrichit l'or, en fait. Il mmh. y a le côté l'or, quand même, quand tu as ça, tu vois, tu vois comme là, euh, Acolyte qui va sortir. En... Oui, vrai. En... Acolyte, ouais. Bientôt, et qui se passe 100 ans avant l'épisode 1, quoi, avant le préquel. Mmh. Donc, euh, j'aime bien le côté euh, illustration du lore où on peut se rendre compte pourquoi il y en a qui deviennent sites, euh, mm. d'autres qui passent du côté obscur. Euh, là, euh, là le, le jeune Jedi qui va, de, qui va être formé pour devenir un site. Euh, tu vois, ça, ça, je trouve ça ça donne plus de profondeur un peu au lore et euh, je suis preneur. Moi. Ok, bah bah moi aussi en général j'aime bien, quoi. tant que c'est pas que ça va pas dans l'excès, qu'ils en font pas 3 tonnes un petit peu dans tous les sens, bon après c'est aussi Disney, hein. ils ont un peu tendance aussi à en faire beaucoup, euh, mais c'est vrai qu'effectivement ça permet de, comment dire, d'approfondir un peu plus le lore et de voir un peu plus de choses, moi, moi je vous avoue que je, je m'attendais pas du tout, sur ces séries, je voulais regarder vraiment par pure curiosité. C'est plutôt en fait, euh, parce que c'est intéressant que tu parles de ça au niveau de l'approfondissement du lore. Moi, j'attends beaucoup d'autres choses. J'attends beaucoup plus de Star Wars Outlaws. Côté Ubisoft qui va sortir à la fin de l'année, cool. et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il va y avoir euh, une présentation un petit peu estivale euh, qui est prévue début juin euh, pour présenter Assassin's Creed et il y aura des présentations là-dessus, là, euh, là j'ai vu, je suis tombé complètement par hasard comme quoi il, y aurait à avoir, il va y avoir un, il y avoir un, un live, j'y y arriver. Euh, alors il y a marqué première le 9 avril, donc vous voyez c'est dans pas longtemps, je vais vous mettre d'ailleurs le lien pour ceux que ça, ça intéresse là-dessus, euh, c'est un petit peu un, un Star Wars Outclose officiel story trailer. Euh, qui va être diffusé euh, du coup euh, le 9 juin euh, en direct sur, euh, sur Youtube je vous mets euh, le lien du coup pour ceux que ça intéresse d'aller voir ça et euh, on espère là-dessus qu'ils vont nous parler un peu plus en fait de, du lore en fait un petit peu de l'origine story du personnage et tout ce qu'il y aura derrière et par contre moi j'attends énormément ça parce qu'effectivement sur cet aspect là euh, je trouve que c'est assez intéressant alors il y en a qui pourraient dire que c'est un peu un comment dire un, un, un Yen Solo version, version féminin mais moi ce que je trouve super intéressant c'est aussi cet approfondissement du en dehors des Jedi. Parce que c'est un peu la chose qui m'embête un petit peu avec euh, Star Wars Tale of Empire, euh, c'est que du coup, c'est encore une énième histoire autour des Jedi. Sauf que ce qui est bien en fait dans l'univers de, de, de Star Citizen, de Star Wars, <laughs> c'est qu'il n'y a pas que les Jedi. Vous avez tout l'univers qui est autour, qui a inventé George Lucas qui est quand même assez dingue, vous avez les contrebandiers, euh, vous avez effectivement bah, là, un peu comme les, euh, les pirates, euh, les mercenaires qui, euh, qui sont soit lois parfois il y aussi des, des histoires qui peuvent être faites aussi sur des, sur des simples civils qui mènent un petit peu leur vie, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé Andor euh, par ouais. rapport à la lutte et au background et tout qu'il y avait derrière, et franchement honnêtement j'attends beaucoup beaucoup de ce jeu, je sais pas si toi c'est un jeu qui, euh, qui te hype euh, particulièrement Alors, hype pas plus que ça mais oui j'aime, ce... et j'ai tellement aimé Andor que je suis client pour ce genre d'aventure de et je pense que ça va peut-être aussi redorer un petit peu le blason aussi de, de Ubisoft qui euh, ces derniers temps euh, a un petit peu été corné on va pas ra rappeler euh, que le tirage des boulet rouge rouges sur Skull and Bones moi personnellement j'y joue et j'apprécie le jeu même si c'est pas le jeu du siècle euh, mmh. mais c'est vrai que du coup ils ont eu un petit peu de mal sur pas mal de, sur pas mal de jeux Là, on parlait aussi d'Ubisoft qu'ils avaient testé aussi des, des NFT donc ça, ça a un peu aussi terni leur image auprès des, euh, auprès des joueurs qui ont pas spécialement en amour ce, ce genre de choses à chaque fois enfin on va pas ressoubler -re -re le débat qu'on parlait tout à l'heure <laughs> <laughs> mais du coup euh, du coup c'est vrai que euh, là-dessus euh, d'avoir des jeux alors il y avait Prince of Persia je crois qui est un petit peu revenu sur le level scène qui, a... qui a été très bien accueilli euh, le dernier Prince of Persia. Euh, je ne sais pas, je crois qu'ils ont fait d'autres jeux aussi. Il y a un autre jeu récemment aussi qui a plutôt pas mal marché. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, ce Star Wars Outlaw est beaucoup attendu également au tournant euh, par rapport à tout ce qu'il a proposé. Et, euh... Euh, et aussi, je crois que alors, de ce que j'ai cru comprendre, il devrait y avoir trois planètes qu'on va pouvoir visiter avec des maps qui seront quand même assez grandes, qui seront évidemment instanciées, Alors, pour rappel, hein, Star Wars Auto, c'est un jeu solo. Hein. Il ne s'agit pas d'un MMO euh, Star Wars. Je sais qu'il y en a un qui, en... qui était en rumeur il y a très très longtemps euh, en développement un MMO Star Wars. Je ne sais pas d'ailleurs s'il n'a pas été annulé, repris et ainsi de suite. Enfin, euh... Vous allez voir après, on va parler d'un autre jeu. Qui est aussi très attendu de la, communauté, euh, de la communauté Star Wars. Mais en tout cas, oui, là, ça, ça fait partie d'un des, euh, des jeux quand même assez attendus euh, dans cette, dans cette euh, courant d'année, surtout sur, plutôt sur cette fin d'année, je pense qu'il devrait euh, sortir. Je ne me rappelle plus d'ailleurs s'ils avaient euh, filé ou pas une date de sortie sur ce euh, petit euh, Star Wars euh, au clos. Alors, du coup, j'avais prévu de vous parler d'une autre news avant, mais je pense qu'on va switcher directement sur, sur là, un petit peu la, la dernière news euh, Star Wars. Parce qu'on ne peut pas passer à côté. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit trailer et surtout est-ce que vous vous souvenez de ce jeu Star Wars Knights of the Old Republic L'un des jeux les enfin les je crois même d'ailleurs, c'est même je crois considéré par la communauté Star Wars comme un des meilleurs jeux euh, Star Wars qui est jamais sorti. Euh, Star Wars Couter. Alors vous avez les anciens jeux hein, euh, qui sont plus tout jeunes. Et qui euh, si je me dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un peu un côté aussi euh, un petit peu euh, MMO. Et il euh, y a euh, depuis un moment déjà le Star Wars Couter remake. Est censé être développé, qui a été assez compliqué parce que je crois qu'il est passé de main en main sur différents studios euh, et du coup le développement est assez compliqué et on a notamment euh, comment dire un développeur qui est un petit peu sorti euh, ou un des responsables du projet qui est un petit peu sorti en fait euh, euh, du silence pour nous préciser alors si je me souviens bien le nom de la personne du coup c'est Matthew Kark qui est le PDG de chez Saber Interactive, parce que c'est un petit peu qui ont repris, vous à tout vous avez peut-être voir passer un autre logo d'un autre studio d'ailleurs qui n'est plus en train de travailler sur le, euh, sur le jeu. C'était, alors si on le voit bien ici, alors, les Class Film Games. C'était voilà, Aspire, euh, qui à l'origine était sur le projet euh, Star Wars KOTOR, qui euh, notamment, je crois, a été racheté par, euh, il me semble, par, par une autre boîte. Enfin, il y a eu, ça a eu tout un bordel de rachat Et au final, ça finit par retomber chez Saber Interactive. Alors, je ne sais plus ce qu'ils font exactement, Saber Interactive, mais je crois qu'ils font des, euh, des titres assez, euh, assez connus. Et euh, c'est eux, un petit peu, qui ont repris le, le développement. Et euh, Matthew euh, Carr, qui, qui est le, le PDG de Saber Interactive, a bien précisé que le développement de Star Wars Night of the All Republic était toujours en cours. Et euh, ils espèrent notamment arriver à, un petit peu à dépasser les attentes des joueurs et à vraiment proposer un MMO assez dense et assez complet euh, sur, euh, sur l'univers Star Wars. Donc, euh, alors, évidemment, <laughs> ne vous attendez pas à une sortie avant plusieurs années peut-être je sais pas 2026 plus tard je ne sais pas mais en tout cas je pense que c'est c'est un gros morceau un hein, Star Wars scouter, moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer j'ai vu des streams et tout dessus je sais pas si toi tu avais eu l'occasion d'y mettre la main dessus mais c'est un gros 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 morceau ce jeu hein. Bioware qui était derrière en plus sur les sur l'original hein, sur le premier Star Wars Couter hein. euh, moi j'y ai joué je crois mais Star Wars scouter, on est on est il y a 10 ans quoi 15 oui. ans même très vieux hein. très très vieux ouais, ouais. donc ça fait donc, euh... Euh, je... J'ai des vagues souvenirs, mais je ne me souviens pas avoir passé non plus des heures et des heures sur ce jeu. Il y avait, des, il y avait pas mal d'histoires, il y avait aussi un lore qui était assez, euh, qui était assez développé sur le, sur le jeu, donc il y, a, euh, il y a toute une narration qui est assez profonde en fait sur, sur Star Wars Cotter. Allez-y, hein, le jeu est toujours là, il est toujours disponible euh, en ouais, version oui. actuelle, les, les serveurs sont toujours actifs, mais euh, du coup, euh, il y a une suite, sachez que la suite n'est pas oubliée. Euh, même si euh, ce pauvre jeu il est un peu passé entre toutes les mains et le pauvre on s'est demandé si un jour il allait pas être complètement euh, mis, à la... <laughs> mis à la ramasse et complètement oublié dans un coin mais bon sachez que pour l'instant ce n'est pas le cas ce n'est pas une arlésienne et un jour il verra peut-être le jour euh, du coup pour la suite euh, des news on va parler évidemment c'est un peu ce que je vous ai mis en miniature c'est ce qu'on attend le plus, enfin moi personnellement, c'est ce que j'attends le plus la semaine prochaine. Et salut Sinoker, euh, bientôt sur le stream. Euh, c'est la fameuse série Fallout qui sort très exactement le 11 avril sur Amazon Prime. Prenez bien rendez-vous le 11 avril. Alors je suis pas sûr que tous les épisodes sortent d'un coup le 11 avril. Je sais pas si on les sortir tous d'un coup. Ils vont le faire euh, une par une. Donc pour rappel, hein, Fallout, grosse licence rachetée il y a déjà quelques années par les studios Bethesda, Bethesda, Skyrim, Starfield, ainsi de suite. Et ils ont eu pour un petit peu euh, idée, euh, il y a déjà depuis un moment, je crois que ça fait un peu plus d'un an, on en parlait déjà sur les qualités euh, euh, SF déjà l'année dernière, euh, de porter en fait tout simplement sur euh, les vos écrans de télévision parce qu'il s'agit d'une série, il s'agit pas d'un film. Le, euh, la licence Fallout. Alors avec un petit peu une histoire originale, euh, parce qu'il faut savoir en fait que l'histoire va se dérouler euh, dans le même monde que les jeux. Par contre ça raconte un petit peu une histoire différente qui est centrée sur une survivante à Los Angeles en 2296. Donc pour rappel, hein, pour reposer un peu les bases de Fallout, c'est un jeu qui est un peu dans le style rétro-futuriste. Vous avez un peu des styles années 60 avec un côté un peu post-apocalyptique. Euh, vous avez la civilisation qui s'est un peu foutue sur la gueule. Euh, certains riches euh, ont eu l'occasion d'être informés dans des bunkers qu'ils appellent les Vaults. Vous en avez plusieurs, euh, qui sont tous numérotés, d'où euh, pendant un moment il y avait eu Fallout 76, je crois que c'était le Vault 76 si je dis pas de bêtises. Et euh, ce qui se passe, c'est que tu as une partie de la population qui est au-dessus, évidemment, euh, à la surface, a subi un peu les attaques nucléaires dans tous les sens. Certains ont réussi à survivre un petit peu à faire leur beurre. Euh... Dans un monde un peu post-apo, et au bout d'un moment, euh, sur les fameux vaults, vous avez euh, euh, comment dire, euh, les euh, certaines personnes qui, je sais plus, si elles sont tirées au hasard ou pas, je me souviens plus exactement comment ça se passe, mais elles sont un peu choisies pour aller à l'extérieur et répandre un peu la civilisation pour voir si on peut ressortir et, euh, et comment dire, euh, repeupler un peu le euh, comment dire, la surface de la terre. Et Salut Gilga, comment vas-tu? Et du coup, euh, sur, euh, sur cette histoire, sur, notamment sur les Fallout, vous en avez beaucoup, hein, vous avez les 1, 2, 3, 4, regardez sur Epic Game Store parce que. Que souvent il y, a des, il y a des fallout qui sont même d'ailleurs offerts assez régulièrement même d'ailleurs sur amazon aussi je, je suis même tombé je crois sur euh, si vous avez le l'amazon prime n'oubliez pas que quand vous êtes sur twitch tout en haut vous avez un petit logo euh, qui est présent au twitch si vous cliquez dessus vous voyez vous avez une liste de jeux parfois qui vous est offert et il me semble je crois qu'il y a un fallout qui est offert dans le tas c'est peut-être le 1 ou le 2 si je, si je me trompe pas qui est euh... okay. C'est le 2, ouais, qui... donc n'hésitez pas à aller sur, euh, sur Twitch euh, et à récupérer votre euh, drop gratuit d'un jeu Fallout, si vous n'avez jamais joué à la licence Fallout. Et du coup, ils vont nous proposer justement cette, euh, cette série à partir du 11 avril. Alors pourquoi elle est intéressante À plusieurs aspects. La première, c'est que déjà, c'est une série, il faut savoir, qui a été un petit peu euh, chapeautée. Alors la supervision, je vais vous le dire, c'est Bethesda. C'est Jonathan Nolan et c'est euh, Lisa Joy euh, qui supervise la série. Donc vous avez les équipes de Vitesse derrière, vous avez les équipes notamment Todd Awards qui ont supervisé la série avec le Lord, tout ça, etc. Donc on n'est clairement pas dans une série un peu random à l'ouest euh, qui a été vendue à un studio euh, qui connaît pas du tout le truc et qui va se faire du buzz avec, le... avec la licence. Non, non, ils ont vraiment essayé de respecter la licence. C'est pour ça que vous avez toutes les armures, vous avez l'espèce de p-boy qui est l'espèce de montre. Vous voyez, il y a le personnage en haut à gauche qui le, qui le possède. Euh, ils ont vraiment essayé de respecter la licence, le Lord, tout ça, etc. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va. Donner, euh, je sais pas si toi, c'est une série que tu vas regarder ou euh, tu es curieux euh, de savoir ce que bah ça oui. va donner. Ah oui, bien sûr, que je vais, regarder. Puis je, vais... je vais la regarder. Puis je vais regarder les débriefs sur le net. Qu'en parle Ah, oui, ça oui, oui. Alors peut-être que je vous ferai aussi un débrief. Je vous dirai peut-être mon avis mm -hmm. euh, parce que je pourrais vous en faire des débriefs. Hein. J'ai conseillé plusieurs films juste en, en petit aparté comme ça sur sur l'actualité Siphon. J'ai regardé hier euh, un, un très bon film que je vous avais conseillé qui est euh, La Demoiselle et Dragon. Euh, qui est sur Netflix, qui est très très bien d'ailleurs. C'est un, un film de, de fantasy où vous avez un peu une euh, comment dire une euh, une dame tout simplement qui se passe dans un univers de fantasy. Et en fait, ses parents, comme elle est un peu la princesse de son de son royaume, euh, ils vont la donner en mariage à un autre prince pour que ça puisse un peu rapporter des thunes parce que oui, ils sont en train de crever de faim la gueule ouverte. Sauf que du coup, elle fait le mariage tout ça etc en disant ouais super, je vais sauver je vais sauver mon peuple. Sauf qu'elle est tombée chez des psychopathes de service qui euh, donnent en offrant prendre leur futur marié un dragon <laughs> et donc en fait au moment de comment dire, de faire la cérémonie t'as le mari qui, qui porte sa femme et puis hop là il la jette dans le vide dans un espèce de trou béant et hop là va bouffer le dragon <laughs> et donc du coup elle se rebelle un petit peu là-dessus j'ai regardé le film il est vraiment excellent franchement je vous le conseille vraiment de meuser le dragon et une autre série que j'ai eu l'occasion de regarder que je pourrais vous en parler c'est le problème à trois corps ah, et, et là, je vous avoue que j'étais un peu plus sceptique. <laughs> <C 'est... rire> J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette série, mais bon, ce serait intéressant d'ailleurs. Je sais pas si l'air d'un de ces quatre, nous fera un peu une review là-dessus. J'étais un... allé bien, sans être bien. Enfin, je sais pas. J'ai un petit peu sur ma faim et j'ai trouvé quelques incohérences au niveau du, du scénario euh, sur le problème à trois corps. Donc, je sais pas si toi tu l'as vu ou pas le, le problème à trois corps euh, sur Netflix. Bah, j'ai le même sentiment que toi, en fait. Bien et pas bien. Mais je me dis que, vu que c'est une trilogie, euh, il posait, à mon avis, les, les personnages. Les bases, ouais. Et, et, bien qu'il y en a qui meurent, mais... Euh, oui. Il posait un peu des personnages euh, qui te permettaient peut-être, après, de pouvoir enrichir euh, un peu ce qui va se passer, oui. mais... Euh, en fait, la, la série, je trouve qu'elle monte fort. Elle t'accroche vachement bien. C'est long, au début, quand même. <laughs> ouais, mais disons que les trois, quatre premiers épisodes, moi, je les ai pas trop vus passer, ou je les ai vite enchaînés. Mm. Et la fin, t'as l'impression qu'il meublait un peu, quoi. Ouais, c'est vrai, Oui, ça, ça, il y a, il y a des fois, c'était un peu, moi, j'ai vu quelques incohérences, en fait, au niveau sérieux, on va pas de trop vous spoiler, mais bon, comme vous avez un peu des, des euh, comment dire, des, des aliens omniscient qui voient tout, j'ai vu d trois trucs, des incohérences au niveau du scénar, euh, un petit peu bizarre, mais bon, je vous laisserai vous faire votre propre avis, hein, allez voir mmh. la série, c'est quand même une, une très bonne série, vous l'avez un peu en top, hein, si vous euh, surfez un petit peu sur Netflix pour, euh, allez, je crois qu'elle est dans les, trois premières séries en top euh, FR, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, à, à voir ce qu'on va donner Fallout. Moi, bon, je suis vraiment hâte de voir ce que, ce que va donner cette série-là et euh, voir si effectivement, en sachant que ces bêtises derrière, c'est leur première fois qu'ils portent une de leurs licences directement au, euh, sur euh, en termes de série. Je pense qu'à mon avis, clairement, ça c'est pure spéculation de ma part, c'est un test. Il y a beaucoup de studios aujourd'hui. Vous l'avez par exemple avec euh, bah, c'est des projets avec les The Witcher. Ils ont il y a eu le cas notamment avec euh, League of Legends avec Arkane, euh, Vous avez euh, Sonic au cinéma, vous avez Mario, tout ça, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de studios en ce moment se posent la question et s'interrogent de se dire mais unecharted aussi euh, de porter leur propre licence et leur propre saga en termes de films. Alors, deux raisons simples, c'est qu'on va être tout à fait honnête, aujourd'hui au cinéma, il y a beaucoup de réchauffés. Il <laughs> n'y a pas beaucoup de nouveautés. Quand il y a de nouveautés, c'est un peu de mal à décoller. Hein. The Creator qui s'en est pris plein la poire, alors que le film n'était pas si mauvais que ça. Euh, il a eu du mal, je pense pas qu'il y aura une suite. Mais c'est très compliqué en fait d'arriver un peu à renouveler les gens, etc. Et sinon on se retape un peu les énièmes. Euh, euh, je vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il y a un Gremlins 3 qui est en préparation. Vous allez voir en, en termes de remake, enfin de suite, vous allez voir aussi, je vous parler d'un autre film. J'ai un peu le sauté sur ma chaise quand j'ai vu passer le truc. On va parler peut-être juste après. Retour vers le futur qui est en remake De quoi Retour vers le futur en remake, c'est pas vu Alors ça pour l'instant, non. Retour vers le futur, de ce que j'ai compris. Tant Que le, le réalisateur des premiers, des premiers films euh, sera encore en, en, entre guillemets de ce monde, hein, je prends ses propos, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il ferait tout pour éviter qu'il y ait un, une suite ou un remake de Retour vers le futur. Donc s'il y en a un qui est passé, je ne l'ai pas vu passer. Ou alors c'est parfois, il faut se méfier sur YouTube, il y a un peu parfois des, des trailers de fans qui sont un peu des trailers ouais. inventés. Euh... Mais pour l'instant, non, il n'y a rien sur, euh, sur Retour vers un, un nouveau Retour vers le futur 4, ou peut-être éventuellement un reboot de, de ça. Mais il y a d'autres films qui, qui sont ensuite, on va en parler juste après. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, les studios posent beaucoup la question de savoir de porter leur licence au cinéma. Et je pense que Bethesda teste l'idée avec un Fallout en série. Je les vois bien faire la même chose, pourquoi pas sur du Skyrim il pourrait le faire aussi sur du euh, euh, comment dire sur du, euh, sur du Starfield pourquoi pas aussi hein. faut savoir que pendant un moment il mmh. y avait une petite, euh, un petit trailer euh, teaser qui était passé où vous voyez des vrais acteurs euh, sur, sur Starfield alors je sais qu'il y en a qui ont dire oui le jeu était nul machin ça tout ça mais il y a quand même un lore il y a quand même quelque chose il y a quand même des histoires et tout ils savent écrire des histoires et c'est quelque chose que qui peut être retranscrit au cinéma par rapport à ça, et ça peut toucher aussi des, euh, des gens. Euh, Fallout, bon, aussi, il faut, faut connaître un petit peu la saga, l'histoire, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu euh, tenter le cinéma, parce que si les gens ne connaissent pas trop l'or, la saga, tout ça, etc., ça va peut-être pas nécessairement les par leur parler, à contrario d'un Sonic ou d'un Mario, où euh, à peu près tout le monde connaît, en faites le test chez vous, hein, dans un repas de famille, hein, quand vous avez des euh, gens d'un certain âge, euh, je pense que Mario, ils en ont au moins entendu parler une fois. Hein. <laughs> au moins de la part des petits-enfants ou des enfants, donc... Euh, par contre Fallout, faites le test au boulot demain matin, lâchez juste le mot mmh. comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui a entendu parler de la saga en jeu vidéo. Surtout si vous avez des gens qui ne sont pas gamers euh, autour de vous, euh, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Donc je pense qu'à mon avis c'est un test côté euh, côté Bethesda. Donc à voir euh, si euh, c'est un test réussi et surtout derrière si la licence, bah enfin, surtout si le comment dire, la série est, est suffisamment bonne et si effectivement derrière elle est suffisamment intéressante. Donc euh, bah, voilà, vous prenez le rendez-vous le 11 avril euh, pour euh, ces euh, premiers épisodes sur Fallout, la série sur Amazon Prime, vidéo et évidemment forcément... Euh... Poum, 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 poum. Voilà, on va en parler tout de suite. <laughs> je vais sauter du coq à On parlait de réchauffer dans les films. Est-ce que vous avez vu passer cette news bah, Je suis un peu tombé sur ma chaise. J'ai fait non, ils ont quand même pas osé. Sans déconner. Ils vont faire un Matrix 5. Et ce n'est pas une blague, hein. ça a été annoncé officiellement. Hein. Là, ce n'est pas de la rumeur pseudo spécu comme tout à l'heure avec euh, Gears of War et, euh, et euh, je ne sais plus quel audio je vous parlais. Euh, Notori sur Star Wars euh, Outlaw, la présentation euh, euh, pour rejoindre. Non, non là, honnêtement, vraiment, ils vont faire un Matrix 5. <laughs> je bah, sais pas. pas le, le 4 déjà n'a pas super bien marché. Je ne sais pas. <laughs> Le 4, j'ai deux. Moi, j'ai deux approches sur le 4. Il y a le côté où, quand tu le prends brut, le film, il y a beaucoup de réchauffé. Ouais. Et puis j'ai vu des critiques, euh, des gens qui étaient à fond dans, dans Matrix, tu vois, qui connaissaient bien l'or, qui connaissaient bien tout ce qui tournait autour. Et il y a des séquences que tu fais pas attention où il y a des reboots de Matrix, mais tu vois pas trop que c'est des reboots de Matrix. Tu vois, il y a, il y a un peu des messages cachés, j'ai trouvé. Du fun service. Et... <laughs> ouais, ouais. Fan enfin, service, je dirais plus. Mais faut, faut bien comprendre comment oui. est la Matrix, ce qu'est qu Neo et, et comment il interagit dedans pour voir les reboots, pour voir des trucs où à un moment, euh, eh ben, le l'architecte, bah, il se passe quelque chose et ça ça, ça influence la matrice. Enfin, il faut être vraiment à fond dedans il ouais, faut vraiment Là, être... mais, mais du coup, je me pose vraiment la question parce que pour moi, les trois premiers films se suffisent eux-mêmes. Il y avait vraiment une fin, ça finissait et tout. Je, je vois pas trop l'intérêt de recommencer une année enfin de, de faire un reboot de la saga. Alors, hormis éventuellement, peut-être à la rigueur, de peut-être un jour te faire un, 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 un remake complet euh, ou un reboot de la série. Mais là, est vraiment, on est vraiment sur une suite, on est toujours avec Kenny Reeves. Euh, c'est c'est du coup je, je vois pas où ils veulent en venir quoi c'est où d'un moment euh... est-ce qu'ils vont pas faire f... mourir tout simplement le, le style et ça va pas devenir un peu nanardesque en... en sachant alors, à la production vous avez euh, euh, Lana Vakuski euh, qui, peu... qui a réalisé le quatrième opus c'est pour ça que ça me fait peur aussi mm -hmm. parce que comme du coup le quatrième opus était plus ou moins bien reçu c'est elle qui va faire le la, la cinquième euh... et du coup vous n'avez pas à voir les euh... Euh, notamment c'est euh... Vous n'allez pas voir les frères euh, Vakoshiki qui, qui, ouais. euh, qui ont réalisé ça. C'est ouais, justement de une des sœurs qui va qui va prendre un petit peu le, le relais et euh, vous avez aussi euh, Drew Goddard qui a été connu pour le travail autour d'un film qui est Cloverfield et World War Z qui a été choisi pour développer un peu cette suite. Alors encore euh, Cloverfield, moi je l'ai vu, c'est un très bon film. Il y a, il y a vraiment un, un truc qui est assez sympa parce que pour si jamais jamais vu Cloverfield, regardez-le, c'est quand même assez bien fait. Euh, en fait, c'est, je crois que si, si j'ai pas de conneries, il me semble que c'est un peu tourné à la dashcam, c'est-à-dire un peu caméra à épaule. Où vous avez un peu une espèce de fête et tout, des gens qui s'amusent et tout dans une dans un immeuble et puis d'un seul coup ils Entendre un peu les lumières qui s'éteignent, on voit qu'il y a un petit peu. Euh... Oui, en plus, c'est une trilogie, il y a toute une histoire autour de Cloverfield. Et dans le film que je me souviens, euh, vous avez notamment un espèce de, de, de gros lézard, je sais plus quoi, une espèce de bestiaux, des aliens qui attaquent, je crois, une ville. Et le problème, c'est que vous les voyez pas trop au début, c'est un, euh, euh, un petit peu en background. Donc le, le film est assez bien, assez bien fait là-dessus. Donc à voir hein, par, rapport, euh, par rapport à ça, sur. Oui, il y a eu Cloverfield, Discloverfield Lane et Cloverfield Paradox, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Moi, j'avais vu que le, le premier Cloverfield. Euh, mais du coup, à, à voir ce que ça va donner. Donc, je pense qu'à la réalisation, ça devrait être, être péchu. Par contre, moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est sur l'histoire et sur l'intérêt d'avoir une suite euh, au personnage d'origine de, de Matrix. Je ne je sais pas. Je, pour l'instant, je... <laughs> je ne sais pas. Je reste un peu... Oui. On va attendre le premier trailer. Ouais, on va attendre le premier trailer pour, ce ce... pour voir ce que ça donne et pour voir ce qu'il y a euh, derrière. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune date de... A... Le casting final n'a pas, euh, pas été finalisé, donc après, est-ce qu'on va garder aussi du... et il y Et surtout, il n'y a pas de date de sortie, donc à mon avis, il y a encore ouais, un petit peu le temps. 25, voire 26. Hein. De quoi Oui, ouais, sur... 2026, oui, clairement, je pense que ça, ça, a, le de, ça a le temps de mûrir. Il le temps d'en reparler. Oui, <laughs> voilà, exactement. Ouais. Mais donc, voilà, sachez qu'il y a, pour les fans de Matrix, il y a un Matrix 5 qui est prévu, euh, prévu là-dessus et qui devrait, euh, qui devrait un jour ou l'autre arriver un petit peu sur nos écrans. Alors, maintenant, on va parler d'un autre jeu. Alors, je vais vous le présenter pour deux aspects. Euh, le premier, c'est parce que, bon, déjà, c'est un jeu de science-fiction et euh, euh, c'est un jeu de science-fiction euh, qui euh, fait parler pas mal de lui, mais il y a aussi un autre aspect pour lequel il fait parler de lui. Alors, je vais d'abord vous, vous faire l'aspect la, très très factuel. Stellar Blade, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'action-aventure euh, qui est développé par le, par le studio qui s'appelle Shift Up, qui est un studio euh, sud-coréen et c'est publié euh, sur Sony, par Sony Interactive. Entertainment, qui est disponible et qui va être disponible d'ailleurs uniquement sur PS5. Et en gros, c'est le jeu se déroule dans un monde un peu euh, post-apocalyptique, euh, où l'humanité a été chassée de la Terre après une guerre perdue contre les envahisseurs extraterrestres après les, appelés les Nightiba. Euh, et en gros, vous incarnez un peu le personnage principal Eve qui est présente ici, euh, qui est membre du 7e escadron aéroporté et euh, qui est euh, déployé un peu euh, sur une, une colonie pour combattre les, les, les Netiba, je vais y arriver, et reprendre un petit peu possession de la Terre. Et en gros, vous allez jouer euh, effectivement ce, cette théories ce personnage euh, dans une vue un peu à la troisième personne. Vous avez des combats qui sont très euh, nerveux, euh, qui sont euh, comment dire assez assez péchus. Vous avez un peu un style à la Bayonetta. Donc ça, c'est et le jeu est prévu d'ailleurs pour sortir uniquement pour l'instant parce que c'est une exclusivité PS5 euh, le 26 avril. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu basique du jeu. Je là, vous me dites rien de particulier. Seulement le jeu. Il y, a quelque chose... Il y a deux, trois trucs qui sont un petit peu euh, embêtants. C'est au niveau euh, du personnage et de l'héroïne. Pour ceux qui ont un petit peu l'œil aiguisé, surtout du côté masculin, hein, vous avez pu remarquer que euh, les formes de l'héroïne sont assez particulières, surtout au niveau du dos. Et euh, le jeu a été notamment pas mal critiqué sur cet aspect-là, où euh, effectivement les développeurs ont bien précisé. Ils avaient particulièrement travaillé sur le côté fessier en fait, du, euh, du personnage principal avec des proportions euh, assez particulières. Et euh, on va dire que euh, c'est un peu ce côté-là qui a été un petit peu dénoncé sur ce jeu-là, sur la sursexualisation en fait, du personnage principal, Eve en sachant en plus en fait qu'au niveau du personnage, euh, l'écriture du personnage est assez plan-plan. Euh, des, des retours de ce que j'ai pu en lire ça a l'air vraiment plan-plan 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 il <laughs> n'y a, y a rien de il y a aucune profondeur en fait au niveau du personnage elle a une plastique qui est euh, démesurément excessive donc euh, clairement, euh, je pense que ça vise aussi un public euh, masculin. Alors c'est euh, quelque chose qui est assez particulier, qui est assez régulier qui est assez récurrent euh, euh, côté euh, côté sud-coréen et notamment sur euh, sur pas mal de jeux japonais. Alors ce n'est pas gênant en soi quand par exemple vous avez la totalité des personnages qui sont à peu près dans le même genre. Hein. Vous avez euh, par exemple des personnages qui sont un peu euh, excessivement un peu baraqués, tout ça, etc. Vous avez pouvoir dans les tekken et ainsi de suite. Euh, donc vous avez un peu un équilibre en fait au niveau des différents sexes par rapport à ça. Sauf que là, bah, c'est principalement ce personnage âge-là que vous incarnez, que vous voyez quasiment euh, euh, Oui, en principe, reproduit d'un véritable modèle, ça j'en doute un peu quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été exagérées là-dessus, et euh, du coup en fait, là où c'est un peu plus, ça part un peu plus à, euh, comment dire, à réflexion là-dessus, euh, c'est euh, d'habitude, souvent, la majorité du temps, c'est que malheureusement quand vous sortez un... Euh, comment dire, quand vous sortez un jeu, vous avez toujours éventuellement des développeurs, parfois, qui peuvent avoir des, des propos un petit peu... Euh, un petit peu tendancieux, mais tant que ça reste que euh, des développeurs euh, bah, malheureusement ça l'humain euh, est faillible à chaque fois mais malheureusement c'est qu'en euh, en interne en fait au niveau des studios il y a eu quand même aussi euh, pas mal de langues qui se sont déliées par rapport au fait qu'il y avait aussi un côté assez misogyne et assez euh, sexiste même en interne au niveau du studio qui malheureusement a l'air de se retranscrire un petit peu trop en fait au niveau de la plastique du personnage donc ça peut un peu interroger et un peu poser euh, question par rapport à ça donc évidemment je vous en laisserai seul juge hein, parce que vous êtes euh, vous-même euh, criant euh, et vous achetez un jeu, donc c'est à vous de. Je vous donne un peu ces différentes informations par rapport à ça sur, cette, sur cet aspect-là, mais sachez que là-dessus, effectivement, ça peut quand même interroger au niveau du côté, surtout excessivement plastique et un petit peu trop sexualisé du personnage. Surtout qu'on va être honnête, je vois vraiment pas ce que ça apporte au gameplay. Je vois pas l'intérêt en fait. Surtout qu'en plus derrière, les personnages masculins sont tout à fait standards et normal et qu'il n'y a aucun, euh, comment dire, aucune, euh, aucun avantage là-dessus. Donc, euh, ça interroge vraiment euh, par rapport à ça, surtout que là, c'est vraiment uniquement un seul personnage, que le, le personnage en lui-même, euh, au niveau de la narration, au niveau de l'écriture, c'est quand même relativement plan-plan, il -plan, n'y a pas vraiment de, de corps qui est développé par rapport à ça. Donc, franchement, honnêtement, euh, je pense que là-dessus, il y a aussi peut-être une volonté marketing. Et euh, une volonté très, euh, comment dire, euh, très centrée sur un public masculin, euh, d'aller euh, sursexualiser les personnages féminins dans ce genre de jeu, ce qui honnêtement est un peu dommage parce que je, franchement, je ne vois pas ce que ça apporte au jeu en lui-même. Et, euh, et malheureusement, euh, ça donne un peu une image de la femme qui est un petit peu disproportionnée euh, par rapport à ce qui pourrait être fait. Alors. Euh libre à eux de faire comme ils le souhaitent en termes de... Euh, en termes, comment dire, de, euh, de présentation, mais euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi un peu se calmer. On est a, on a un peu en 2024, on va dire que les proportions exagérées à la Tomb Rider avec les Nibars hein, qui font 15 km de long, on va peut-être se calmer un peu sur certains aspects. Hein. Je ne sais pas si toi, tu l'avais vu passer euh, ou pas sur ce, sur ce jeu-là, Stellar Blade. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, tu as vu poli... C'était c'était. La polémique. La, la polémique, j'en je, ai entendu parler un petit peu de cette histoire du, du personnage... Euh... Très sexualisé. On va dire. Surtout qu'ils l'ont justifié, celui hein, l'a clairement justifié. Ils ont dit, ils ont dit clairement c'est un jeu pour adultes. Je ne l'ai pas mmh. vu typé comme jeu pour adultes. Mais, bon. mais après, ils ont, ils ont un public. Hein, c est, c est quand oui. Il même... n'y mmh. a pas d'amalgame que je veux faire quoi que ce soit, mais le, le côté asiatique, mmh. euh, Corée et Japon, ils ont une approche euh, du, du personnage 3D qui est un peu spéciale quand même. Oui. Hein, elle est moins européenne que nous euh, vrai. sur certaines valeurs. Donc. Euh, mmh est-ce qu'ils ont fait un jeu qui s'adresse à leur public d'une certaine façon? Les normes européennes pour eux, ils sont. Ouais, ils sont... oui, je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas. <laughs> mais bon, c'est vrai que ça, ça a quand même pas mal interrogé sur, cette, sur cet aspect-là. bon Je préférais vous filer l'info, comme ça au moins vous avez à la fois stocké le jeu, ce qu'il a proposé, et aussi derrière par rapport un petit peu aux interrogations que ça peut poser euh, au niveau de la représentation du, du personnage. Euh, je suis pas sûr qu'on aurait vu, par exemple, pour, pour donner un exemple concret, euh, sur euh, ça, par exemple, sur du Tom Rider euh, ou autre chose. Et, euh, et surtout, j'aurais voulu, éventuellement, s'ils avaient eu le... Et au bout du délire qui fasse la même chose sur les personnages aussi masculins Mais bon, ce qui est pas vraiment ce qui n'est pas vraiment le cas par rapport euh, par rapport à ça Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce, sur ce oui vas-y tu voulais rejeter quelque chose du coup. Non, je disais c'est un vrai sujet le, la proportion qu'il peut y avoir euh, d'hommes joueurs de, de, des hommes qui jouent à ce type de jeu et les femmes tu vois c'est ça oui plus... effectivement ouais. ça, ça pourrait être euh ça pourrait être intéressant de regarder par rapport à par rapport à cet aspect-là est-ce que ça peut euh, ce que ça peut donner là-dessus malheureusement pas de, de chiffres sur cette, sur, ce, sur cette partie mais bon on va se douter qu'il y a aussi un côté marketing, euh, je pense qu'aussi c'est un peu le côté euh, bad buzz is still buzz, hein. c'est aussi un peu aussi une façon de faire euh, parler du jeu, la preuve on en parle, hein, et vous en entendez parler, ça se trouve que vous n'avez peut-être même pas entendu parler du jeu euh, par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi une volonté peut-être derrière euh, d'un de, petit peu choquer euh, et d'un petit peu interpeller en, en, en présentant volontairement des personnages de ce type, euh, surtout qu'en plus c'est un peu le personnage principal, donc forcément vu que c'est un vu à la troisième personne... Je serais curieux de savoir pourquoi ils n'auraient pas fait une vue à la troisième, une première personne par exemple. <laughs> C'est une vue à la troisième personne. <laughs> Je pense qu'il y a aussi Merci eu des choix fais. qui ont été faits là-dessus. <laughs> Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Euh, du coup, on va, pour la suite, on va parler d'un autre, euh, autre jeu. Que je vous parle un petit peu régulièrement euh, sur la chaîne. Et euh, alors là, c'est marrant parce qu'on parle aussi sur du euh, Unreal Engine 5. Euh, c'est Everspace, Everspace 2. Alors là, c'est un stream euh, des développeurs euh, côté, côté Everspace. Il faut savoir que le jeu euh, en ce moment continue à être mis à jour. Alors pour rappel, hein, ce qu'est Everspace, euh, c'est un jeu de type shooter-looter euh, dans l'espace. Vous voyez, on a vue un petit peu la troisième personne au niveau du vaisseau. Alors vous pouvez aussi piloter un, au niveau des cockpits. Chose intéressante, c'est que moi j'ai des double T16000. Le jeu est compatible de WT16000 et c'est très très fun euh, d'arriver euh, à piloter le vaisseau comme ça. Alors c'est un jeu qui est très très arcade, hein. est, on est vraiment sur du shooter looter arcade euh, dans l'espace, sachant que vous pilotez que votre vaisseau, hein. vous n'êtes pas amené à sortir avec votre personnage dans les bases et tout. Et c'est un petit peu l'histoire. On très rapidement l'histoire, vous avez un espèce de personnage qui, euh, qui s'est fait capturer par des, euh, par des un peu des mercenaires et des bandits, et puis il doit un petit peu essayer de, de retrouver euh, je sais plus de connaître vois, des, ses origines enfin il lui arrive des tonnes d'histoire, enfin il y, a, il y a tout un background euh, euh, sur, le, sur le jeu qui est, assez, euh, qui est assez intéressant, mais surtout vraiment en fait sur le, sur ce jeu-là, c'est ce côté un peu très euh, punchy euh, qui, est, euh, qui est présent sur la partie euh, shooter-looter, vous allez pouvoir améliorer votre vaisseau, vous allez pouvoir améliorer les armes, tout ça, etc. et tout euh, par rapport à ça, surtout améliorer les gaps techniques au niveau du vaisseau. Ils sont en train de travailler sur une, euh, une amélioration de leur jeu avec e euh, 5, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez le jeu, ça fait partie de ces jeux un peu comme No Man's Sky, où vous l'achetez une fois et toutes les DLC qui sont derrière sont 100% gratuites. Donc ce qui est déjà euh, quand, même assez, euh, qui est quand même assez intéressant. Et là vous avez la nouvelle mise à jour qui va arriver, qui est la mise à jour incursion, euh, qui apportera euh, notamment des changements significatifs euh, sur la euh, refonte du fonctionnement de l'équipement légendaire et sur le système du looting. Donc ils vont essayer un petit peu d'améliorer ça. Vous allez avoir des nouvelles classes d'équipements légendaires. Euh, vous allez avoir aussi des, des, un petit peu des attributs variables qui vont être un petit peu euh, évolués au niveau des, des loots légendaires. Donc je pense que c'est clairement en fait un, une mise à jour qui s'adresse aussi aussi aux end game et à ceux qui ont un petit peu pensé le jeu. Il faut savoir que c'est un jeu solo. Hein. Euh, il ne s'agit pas d'un jeu multijoueur, donc vous avez un, vraiment une fin à l'histoire. Après, vous avez pas mal de, de looting que vous pouvez faire euh, sur la map, parce que vous avez une, une galaxie qui est quand même assez, assez grande. Vous avez plusieurs zones à visiter avec des thématiques un petit peu différentes. Vous pouvez passer d'un point à un point B en faisant des sauts, euh, des sauts un petit peu en, en hyperespace, et euh, de temps en temps vous avez des, euh, des messages qui clignotent un petit peu à droite à gauche où vous pouvez sortir de l'hyperespace et découvrir des petits points d'intérêt. Donc souvent quand vous sortez de l'hyperespace, vous avez une espèce de zone instanciée euh, que vous pouvez naviguer, un peu comme ce que vous avez sur un Starfield, sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes que sur Starfield. Euh, et là-dessus, vous avez pas mal de points d'intérêt où vous pouvez aller faire du looting. Vous avez quelques petites missions à faire, comme par exemple récupérer des boules d'énergie pour essayer de débloquer des. Euh, euh, comment Dire des. Euh, comment ça s'appelle Des. Déverrouiller des, 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 des espèces de coffres ou des déverrouiller des portes pour avoir un peu plus de loot. Donc euh, le loot est assez bien récompensé sur ce jeu et surtout le, le gameplay euh, tient en vue à la première personne est assez jouissif. Et euh, moi je, je le classe vraiment comme un gameplay euh, arcade. plus plus. Vous savez, vous avez les euh, Starfield, vous avez les No Man's Sky qui sont très arcade. Là on est vraiment sur un arcade un peu. Un petit peu plus hard, un peu plus péchu, euh, avec des capacités de de réalité au niveau des vaisseaux qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors que sur no Man's Sky, c'est arcade, mais vraiment, euh, c'est du tir au pigeon. Starfield, c'est un peu pareil. D'ailleurs, j'ai refait tout à l'heure un combat spatial sur Starfield. Euh, je suis toujours un peu déçu en fait des combats spatiaux sur Starfield qui sont un peu plan-plan. Là, vraiment, c'est énergique. Hein. Si vous aimez bien le, un bon shooter-looter énergique euh, terrestre, là vous aurez l'équivalent en vaisseaux spatiaux. Donc, euh, franchement, honnêtement, je ne peux que vous conseiller Everspace. Et je le rappelle toutes les infos et tous les jeux que je vous présente ici euh, ne sont pas sponsorisés. Euh, C'est moi qui vous les présente parce que j'ai eu l'occasion de voir ces news-là. Il n'y a pas de bandeau publicitaire euh, qui vous indique. Euh présentation euh, commerciale, puisque ce n'est pas le cas. Il euh, n'y a aucune collaboration commerciale avec les studios par rapport à ce que je vous présente. Oui, effectivement, comme tu dis, que c'est très, euh, très arcane et nerveux. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, si vous voulez euh, taper du vaisseau, taper du ship, euh, vous avez quoi faire avec ce petit... Euh, euh, comment dire Ce petit euh, Everspace 2 qui continue à s'améliorer et surtout à se mettre à jour. Et du coup, euh, on va parler d'un autre jeu alors que j'ai découvert complètement par hasard. Ça, ça, ça fait un moment qu'il a été euh, présenté, mais je ne sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. Euh, il s'agit euh, de euh, Silent, a Silent Desolation. C'est un jeu qui est développé par un seul par un seul développeur d'ailleurs, et c'est un jeu d'exploration qui nous plonge un peu dans une terre dénuée d'êtres humains, euh, où vous allez enquêter sur différents événements pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, en plus des mystères à découvrir dans les différents ruines, euh, qui n'inspirent pas vraiment confiance d'ailleurs, parce qu'elles sont. Euh peut-être un petit peu aussi euh, occupé par des, euh, par, euh, par des êtres un peu bizarres. Euh, ça vous proposera de récupérer un petit peu des, des ressources et de faire également de la construction de base. Alors il faut savoir que ce jeu pour l'instant euh, n'est pas, euh, pas encore sorti. Euh, il est encore en cours de développement. Il n'y a pas encore de date, je crois d'ailleurs, euh, au niveau de la sortie du jeu. Mais euh, alors, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit être du UE4 ou UE5. Je ne sais plus exactement au niveau des... Euh, du, des graphismes, mais en tout cas c'est assez impressionnant de voir ce que même un, un seul développeur peut arriver à faire avec des, des banques d'assets ou avec euh, pas mal de euh, tout ce qui est proposé en fait au niveau des euh, au niveau des comment dire des moteurs aujourd'hui et honnêtement c'est ça a l'air plutôt sympa je trouve euh, visuellement ça a l'air plutôt pas dégueulasse euh, vraiment de voir quand est-ce que ça va sortir vous voyez vous pouvez construire par exemple un petit peu des euh, des euh, comment dire des, euh, des passerelles pour essayer de de passer au-dessus de certains gouffres et tout, euh, améliorer un peu certaines zones pour augmenter le looting. Euh, visuellement, franchement, c'est vraiment pas vraiment pas dégueulasse. Euh, vous avez effectivement cette espèce de petite montre que vous avez euh, sur vous qui va vous donner, parce que vous allez avoir les, euh, la gestion de la neige, des euh, différents biomes et tout, donc il va falloir un, un petit peu vous vous équiper en conséquence pour pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, visiter ces différents environnements et pouvoir faire du loot et continuer à construire votre base et un peu survivre là-dedans voir ce que ça va donner. Moi, je dis Why Not. Euh, si je le vois passer un de ces quatre, euh, peut-être que je vous le présenterai du coup directement en stream. Je sais pas si tu en avais pas entendu parler ou pas. Euh, Clint de ce petit jeu euh, indépendant. Silone de la Pas du tout. Non, pas du tout. Mais euh, en regardant la vidéo, la démo, euh, ouais. Pourquoi pas, pas. Bah Why Not. Hein Franchement, c'est euh, ouais. plutôt. Après, ça ne sera pas non plus effectivement un jeu qui va euh, transcender le genre et qui va vous réinventer complètement euh, la gestion de la survie. Mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant comme ça quand vous avez des, euh, des devs qui font un petit peu leur jeu de leur côté. Je trouve que c'est ça aussi qui est sympa aussi dans, dans tout ce qui est proposé. Euh, oui, un côté un peu des Stranding, d'ailleurs au niveau des, euh, des, euh, des entités un petit peu étranges que vous pouvez euh, afficher euh, avec une, une espèce de lampe, euh, une lampe spéciale. Euh, et, et je trouve que c'est toujours intéressant, en fait, dans le domaine du jeu vidéo, euh, le fait que bah, n'importe qui en fait, peut s'amuser à développer son jeu avec un moteur. Vous pouvez, par exemple, développer votre propre jeu et puis demain euh, le proposer en téléchargement sur Steam. J'avais fait venir, d'ailleurs, une fois un, un développeur, un, un ami qui était venu oui. sur la chaîne, il vous avait présenté son, son jeu Naturia, il je vous a expliqué un oui, petit ouais. peu tout ça. Et c'est assez cool, je trouve que c'est. Euh... Au ça évite de passer de ses par un, un éditeur spécialisé, tout ça, etc. Et d'avoir un peu ces barrières à l'entrée. N'importe qui peut développer son jeu et le présenter, et, et puis après, les joueurs à eux de, de juger si effectivement c'est pertinent ou pas comme type de jeu, et euh, si ça répond ou pas à leurs critères. Quoi. Donc voilà, ce petit jeu Cylon Désolation. Des euh, on essaiera de revenir dessus qu'on aura un peu plus d'infos. Euh, sur cette partie euh, au niveau euh, de ce titre et pour la dernière news, euh, hop, il s'agit d'un autre jeu qui s'appelle Jump Ship. Alors, je l'ai vu passer alors complètement par hasard ce jeu. C'est un jeu coopératif hein, qui mélange un peu des éléments de FPS d'exploration et de combats spatiaux. Ça fait un peu du Star Citizen. <laughs> Regarde ce qui <laughs> C'est du coop, hein, c'est du, du coop. Hein. Il ne s'agit pas d'un MMO, hein, ça n'a pas vocation, ni comme un Star Atlas ou un Star Citizen, à avoir du, du MMO. Euh, visuellement, c'est plutôt pas dégueulasse d'ailleurs. Et euh, le jeu alterne un peu entre des phases de, de vaisseau, des phases d'exploration, à pied ou en jetpack, comme vous avez pu le voir. Euh, et un petit peu à bord de votre astronef, vous allez pouvoir euh, vous entendre sur la, la prochaine destination à aller visiter pour... Euh, pour Explorer un petit peu euh, tout ce qu'il y a à voir au niveau des vaisseaux. J'ai même pas vu oui, qu'il y avait ces espèces de grappins et tout au niveau du jetpack. Vous voyez en plus que vous pouvez euh, avoir des espèces de, de pieds magnétiques et vous promener sur votre, sur votre vaisseau pour faire un petit peu des combats. Il y a aussi, euh, il y a aussi vous voyez, un, un peu de la toute cette partie au niveau de l'exploration. C'est assez bien foutu. Je suppose encore que ça va être du Nord Engine, vu les, euh, vu les effets spéciaux, qui, enfin vu, les, vu la qualité des images derrière. Et euh, en gros, si vous voulez, un petit peu dans Jumpship, euh, ça va vous encourager euh, comment dire, à explorer un peu les, les mécaniques pour, euh, pour explorer les différents, les différents environnements. Et euh, aussi un petit peu à ad adapter euh, vos, euh, vos capacités de combat suivant les différents ennemis que vous avez, euh, que vous avez à disposition, qui seront plus ou moins en retour suivant, euh, suivant les zones. Alors pour l'instant c'est un jeu qui est prévu de sortir sur PC, il n'y a pas encore de date annoncée. Euh, je ne sais pas qui est le développeur qui, euh, qui fait ça derrière. Ils sont, il n'est pas tout seul, hein, c'est pas un seul dev, il y en a plusieurs. Mais, et, mais du coup, euh, quand je vois ça, je me dis... Euh, ouais, ça va. Des jeux dans l'espace et des jeux de SF avec plusieurs aspects. Parce que c'est. Je crois que dans, dans tous les jeux que j'ai vu passer euh, ces derniers temps... Je trouve que c'est un des jeux les plus complets. On a un peu un côté euh, fight, un peu à la, à la Starfield. On a un peu un côté Everspace avec cette vue à la troisième personne en vaisseau spatiaux. Vous avez ce côté aussi avec un espèce de jetpack que vous avez un peu sur No Man's Sky. Ça mélange un peu tous les genres. Et euh, vous pouvez même faire du foot. <laughs> si j'ai pas vu cette image. Vous pouvez faire du foot. Vous voyez, c'est euh, assez. Euh... C'est assez, comment dire, assez complet au niveau des... Euh, c'est Keepshake Games. Je ne connais pas du tout ce studio. Euh, qui prévoit de faire ça. Et donc voilà. Donc euh, vous pouvez le whitelister sur Steam si le jeu vous intéresse. Euh, et on en reparlera de toute façon dans tous les cas sur l'émission. Euh, le jour où on en saura un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas si toi, ça pourrait être euh, beauté, toi qui aimes bien les jeux, un peu justement euh, à la Star Atlas et à la, à la Star Citizen. Bon, alors c'est vu à la troisième personne hein, dans ce que je vois. Il hein. n'y a ouais. pas de jeu à la première personne. <laughs> Oui, je suis pas très première, je suis Peut-être euh... plus première que. Ouais. Je regarderai streamer le, le, le jeu, possiblement. Ok, bah écoute. de bah, toute façon, moi, le, le jour où du coup il sera disponible, euh, peut-être que j'essaierai de bon, soit de contacter les développeurs pour avoir une clé vous le présenter. Oui. Soit peut-être me lâcher de ma propre poche, hein, tout simplement. Euh, euh, si euh, si je n'arrive pas à avoir de clé, ou euh, si je préfère... Euh... Ne pas euh, mettre le bandeau collaboration commerciale juste au-dessus de la tête. Euh, parce qu'évidemment, quand on achète le jeu nous-mêmes, c'est de notre poche. Euh, euh, c'est comme n'importe quel joueur. Mais effectivement, quand on se fait offrir le, le jeu euh, par l'intermédiaire des studios, on est obligé de l'indiquer aujourd'hui euh, pour vous préciser que c'est effectivement euh, une publicité ou une collaboration commerciale. Moi, ce que je fais systématiquement comme fil des clés. Euh, par rapport à ça. Mais donc, du coup, non, assez intrigué sur. Euh, ça, me, ça me rappelle un peu, euh, pour ceux qui ont vu, je l'avais déjà streamé euh, sur Twitch, Spaceborne 2. Euh, que je prends souvent en exemple d'ailleurs, qui est un très très bon jeu qui est fait sur du Unreal Engine, qui est fait par un seul développeur, alors, je crois maintenant qu'ils sont plusieurs, c'est un, un développeur d'ailleurs qui, euh, qui est tout seul, je crois c'est un développeur turc si je dis pas de bêtises, euh, qui avait développé ce jeu-là, il a fait le Spaceborne 1 et ensuite Spaceborne 2, euh, et du coup c'est un peu un jeu comme ça, où vous avez vous pouvez vous balader d'astre en astre, vous pouvez c'est un jeu solo par contre, hein. alors que là on est vraiment aussi sur du coop, euh, ce qui est la grosse différence, et en fait dans Spaceborne 2, vous pouvez vous développer, de, de débloquer, enfin, je vais y arriver. Euh, vous vous promenez d'astre en astre et un petit peu faire votre vie, euh, faire des missions un peu à la fois de combat spatiaux, vous avez un jetpack, vous avez aussi des missions à pied, tout ça, etc. Il et y a un peu ce côté nerveux et un, un peu à la Star Citizen où ça veut essayer d'englober tout euh, en, termes de, en termes de déplacement et en termes d'exploration. Euh, Space Bond 2 que je vous recommande vraiment, qui n'est pas très très cher, hein, vous l'avez à peu près euh, 15-20, enfin euh, je crois qu'il est à peu près à moins de 30 euros. Et euh, bon, après, faut, les graphismes. Euh, Parfois piquer un peu sur certains aspects et tout, euh, parce que c'est quand même du euh, 4 et il euh, y a quelques trucs qui, qui pourraient être un peu upgrade, mais il faut pas oublier d'ailleurs que c'est un développeur tout seul euh, qui, euh, qui fait ça, et qui fait quand même un, un boulot assez énorme parce qu'ils met son jeu à jour très très régulièrement. Euh, mais ça fait beaucoup pour ça, ça fait beaucoup pour ça, spaceborne 2, ce, ce, petit jeu, euh, ce petit jeu dans l'espace, euh, Jump Ship. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur euh, l'actualité ah. science-fiction euh, ah. de la semaine. Beaucoup de choses. Oui, vas-y, je, je voulais les dire. Une petite, une petite actu que j'aurais bien aimé, que j'ai viens dit penser maintenant, en fin de réunion, en fin de réunion, en fin de... de, de, de bref. Euh, C'est euh, Starship Simulator. Est-ce que ça te parle oui, 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 oui. Je crois qu'on en a même parlé la semaine dernière. On en a parlé ah sur là, le... ouais, ouais, on en a ah, parlé la semaine pas, ouais. dernière, Starship Simulator. Et euh, fallait que je me le teste. Euh, Il y a une démo aussi. Euh, j'aurais dû ouais. le faire cette semaine. Malheureusement, je vous avoue que cette semaine, euh, je vous ai pas fait de vidéo... Parce que du coup, euh... bah déjà j'avais pas spécialement dit des vidéos, vu que maintenant j'essaye de me détacher un peu de Star Citizen et éviter de faire des vidéos d'actu d'SC quasiment toutes les semaines. Pour l'instant, j'ai pas trop de news à couvrir particulière cette semaine-là, et surtout qu'en ce moment, je suis en train de vous préparer une grosse émission. Euh, je suis en train de travailler dessus. Euh, je vais essayer de vous en parler un peu plus quand quand ce sera un peu plus concret euh, et qu'on aura un peu plus une date fixée là-dessus. Une très grosse émission qui me prend énormément de temps et euh, sur un sujet d'ailleurs que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses à dire et que ce serait aussi dense. Et euh, ce sera notamment des émissions qu'on essaiera de faire un petit peu une fois par mois sur des gros sujets comme ça. C'est vrai que du coup, je me suis tellement concentré cette semaine à cette, euh, à cette euh, comment, dire, euh, à, comment dire à cette euh, préparation de cette émission. Je n'ai pas eu trop le temps de vous faire des vidéos à euh, sur la chaîne. Et aussi en même temps j'en ai profité euh, pour... Euh... Prendre un peu, un, peu, un peu de temps pour moi aussi euh, Sur certains aspects Et euh, aussi je, je, je me suis relancé Starfield Qui sort de finir 2-3 missions Qui étaient bloquées parce que j'avais des bugs Et là euh, je viens de réinstaller euh, cet après-midi Et je pense que je vais me relancer dessus sur Cyberpunk 2077 C'est pas du tout euh, Des jeux, euh, ça fait déjà un moment Qu'ils sont sortis, mais je sais pas toi Si tu t'avais eu l'occasion d'y jouer à Cyberpunk Mais bon, franchement honnêtement ce jeu M'a vraiment scotché en fait sur, euh, toi, Tu parlais justement d'immersion en vue à la première personne Je prends toujours l'exemple de Cyberpunk parce que Cyberpunk, c'est juste une tuerie quoi en termes d'immersion de... à la première personne, euh... en termes de jeu, surtout de jeux science fiction. Je ne l'ai pas fait, mais il fait partie de ma to-do list. Il fait partie de ta to-do list, euh... ta to-do list <laughs> backlog de jeux à faire. <laughs> ouais, c'est ça. Mais euh, je sais que c'est un peu chronophage, il faut avoir la bande passante pour le faire. Ouais, il est assez chronophage. Ouais. Euh, Cyberpunk 2077, je ne sais plus combien de temps j'ai sur le jeu, bah, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai essayé de lancer Go je crois que je peut-être avoir 80 heures dessus, euh, en sachant que j'ai pris mon temps, hein, j'ai fait un petit peu la, la quête principale, j'ai aussi fait les quêtes annexes, je me suis un petit peu perdu à droite à gauche au niveau du, euh, au niveau du jeu, euh, je l'ai réinstallé, ce qui me dit combien de temps j'ai sur le jeu, ah non, j'aurais pensé plus, moi ouais, non, j'ai 66 heures sur le jeu, autant pour moi, j'étais un peu marseillais, <laughs> j'ai pas 80 heures, j'en ai 66 euh, sur, euh, sur Cyberpunk, mais je les ai pas vus passer ces 66 heures. Euh... J'ai vraiment pris mon temps et tout sur la quête et tout. En plus, il y a la nouvelle DLC, la Phantom, Phantom Liberty, euh, Liberty, là, que j'ai. Euh que j'ai pas, pas encore acheté, qu'il faudrait que je me fasse. Mais ça fait partie de ce jeu où j'essayais un peu de me prendre le temps à poser comme les Mass Effect. Hein, tu fais ça en, en background, sans, sans streamer et tout. C'est bien aussi parfois de, de faire un peu des jeux hors stream et hors, euh, hors vidéo, histoire de prendre un peu le temps d'y jouer, d'être plongé un peu dans l'univers et tout. Euh, tout ce qu'il a proposé, parce que Cyberpunk, enfin, euh, il faudrait que je vous montre un truc. Euh, C'est un truc que j'avais vu. Alors attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Euh... Ta 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 ça c'est des, des vidéos que je m'étais maté euh, euh, dans la semaine je vais essayer de vous montrer ça tout de suite euh, qui m'avait vraiment bluffé euh, parce qu'on parle beaucoup des, euh, des capacités de certains de certains moteurs euh, le temps que je retrouve ça sur mon historique et je vous montre ça tout de suite plop, 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 plop. Putain, j'ai trop de trucs dans mon historique c'est fou qu'est ce que je peux regarder comme connerie sur youtube euh, où est ce que j'ai foutu ce truc ah, allez, voilà. Attention, garde aux yeux. On va mettre ça là-dessus. Ça. Vous voyez ces images-là Je vous les mets en background. Alors évidemment, pour ceux qui voient le texte en dessous, c'est un peu grillé. Ce ne sont pas des vraies images. <laughs> Ce sont des images tirées euh, de Cyberpunk 2077 avec un côté ultra réaliste, avec du ray tracing. Avec du photoréalisme en fait au niveau des images et tout. Et franchement. Ah oh ouais, c'est un truc de taille. Quand j'ai vu ça, j ai, j ai, juste pour le test, au début, j'ai montré ça à ma femme sur, euh, sur la télé. Je lui ai dit Qu'est-ce que t'en penses Il y avait ça sur la voiture, il y avait aussi sur une moto. Euh, je lui ai dit Tiens, elle est pas mal cette moto et tout. Et, et au, au début, euh, ma femme, sur les, la première minute, euh, j'ai rien dit parce que je voulais euh, essayer de faire un peu le, euh, un, un comment dire un peu la, la blague. Et elle a dit, dit bah, attends Mais c'est pas des vraies images, c'est un jeu, ça. On, on le voit au bout d'un moment quand, vous, euh, quand la voiture se lance et tout. qu'on vous voyez effectivement qu'autour, euh, les niveaux de détails, tout ça, etc., on le voit effectivement que là, c'est un jeu. Mais quand par exemple, vous regardez alors il y a un autre truc que j'avais pas fait car que j'avais pas remarqué c'est que euh, ils ont pas mis les euh, ils ont pas mis les euh, comment dire les au niveau des rétroviseurs on voit pas ce qu'il y a derrière mais euh, là ne serait-ce que ces images là où il y a d'autres images aussi euh, que j'avais euh, que j'avais en background qui étaient euh... là, je vais essayer de les retrouver celles-ci là au niveau de la, de la moto là euh, qui sont juste rien que ces images là quand vous les regardez vous avez l'impression que c'est une vraie moto quoi <laughs> c'est des images qui ont été prises dehors euh, on dirait pas franchement des images fait euh, comment dire avec un moteur de jeu quoi. Et là c'est pas du Engine, hein. c'est le, le moteur de chez CD Project, Alors je sais plus comment ils s'appellent leur moteur, euh, leur moteur interne. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a été fou des mods et euh, euh, ultra réaliste dessus où il a vraiment fait du, euh, du polishing à mort au niveau des textures, tout ça, etc. Avec le ray tracing et tout ce qui en suit Mais franchement, honnêtement, ça rend. Mais c'est euh... En sachant que les, le prochain, la prochaine suite de Cyberpunk est prévue, d'ailleurs, je crois que c'est la moto de Warning, ça. euh la, la suite de Cyberpunk qui est prévue sur. Euh, euh est prévu sur Unreal Engine, euh, Unreal Engine 5, je vais y arriver, ouais. C'est Red Engine, merci, euh, Planétaire Renouveau. -er, et, euh, oui, R2D... 2 rdr 2 je veux dire, Red Dead Redemption 2, effectivement, ouais, en 8K, ouais, c'est... Il est impressionnant, aussi, euh, Red Dead Redemption 2. Mais c'est vrai que Cyberpunk est souvent... Il euh, y a pas mal de modeurs et tout qui s'amusent un petit peu là-dessus, euh, présenter des images, mais... On va revenir un peu, à la, pour ceux qui ont vu la série Le Problème à Trois Corps, à un moment, en fait, dans la série... Alors, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce que vous l'avez un peu dans les, euh, dans les, dans les trailers sur, le, sur la série, euh, vous avez les, les aliens qui filent un peu des casques euh, de réalité virtuelle, et en fait, les casques de réalité virtuelle, vous les mettez sur la tête, et en fait, ça vous plonge dans un univers qui est tellement immersif que vous pouvez toucher les éléments qui sont autour de vous, vous avez vraiment l'impression d'être dans la vraie vie. Et en fait, quand vous voyez la qualité des images et tout, vous avez l'impression que c'est de l'ultra-photoréalisme poussé à l'extrême. Et quand on voit ce que sont capables de faire aujourd'hui les jeux, et notamment des moteurs comme Unreal Engine, imaginez dans 10 ans. Même pas envie de savoir quel niveau de réalisme ça va être. <laughs> je pense que vous ne ferez plus de différence avec la réalité. Déjà, c'est difficile sur certains aspects aujourd'hui. Et je pense que dans 10 ans, ça sera pire. Et tu rajoutes des petites IA euh, type LLM, GPT 6 derrière. Exactement, oui. Avec des, euh, avec de la, bah, tu, par exemple, tu te mets un vrai casque de réalité virtuelle euh, derrière avec, euh, comment dire, tous ces aspects de ray tracing et tout. Enfin, ça, ça va être complètement, complètement taré ouais. quoi. C'est euh... Tu vois ton jeu sur le personnage féminin là, tu vois, il a tout son sens là. Donc. Ouais, <laughs> c'est clair, ouais. Mais du coup, euh, du coup, franchement, je pense qu'à mon avis, euh, ça, ça, ça promet vraiment du bon pour la suite. Euh. Ouais. Alors là, on parle que de jeux, évidemment, qui sont immersifs, avec des environnements immersifs et tout. Tous les jeux n'ont pas, pas vocation à avoir des environnements immersifs. Vous avez des excellents jeux, comme vous avez du Hollow Knight, par exemple, euh, qui est plus du, du plateforme en données, euh, qui marche très très bien aussi dans leur aspect. Mais quand vous voyez des jeux qui, qui sont vocation, un peu comme du Cyberpunk ou du Star Citizen ou autre, à être très réaliste et très immersif. C'est vrai que là, euh, honnêtement, c'est assez bluffant euh, par rapport à ce type d'image euh, et ce type de niveau de détail qu'on peut faire aujourd'hui avec les moteurs euh, de jeu. Euh... Ah oui, Ark, euh, Ascendant, ouais, j'avais vu passer des images aussi sur Ark, Ascendant, c'était assez, euh, assez dingo. Euh. Après, j'ai tendance un peu à me méfier avec Ark, hein, parce que c'est le studio derrière euh, nous en a fait des vertes et des pas murs où ils te montraient des tonnes de trucs qui étaient magnifiques, et puis après, in-game, <laughs> c'était un peu le jour à la nuit. Ouais, je sais pas, Ark, je c'est Ouais, je sais pas, le studio, j'attends de voir. J'attends, je leur dis, en faites-nous un truc concret, parce que je sais pas où ils en sont d'ailleurs sur Arc. Il y avait le, le, la suite, enfin le nouveau Arc qui était censé sortir, l'ancien qui était... qui avait été rework, enfin je sais plus, c'était un vrai foutoir au niveau de la licence. J'avais suivi ça de loin pendant un moment, et j'ai pas le temps de m'y refouler dessus. Euh, en sachant, tiens, pour la petite anecdote, hein, pour ceux qui ne savent pas, euh, avant que je me mette à faire des, des jeux d'actu de science-fiction, fantasy et fantastique, alors, il y a très longtemps, cette chaîne était une chaîne de jeux mobiles, et il y a très longtemps, j'ai joué à Arc en version mobile <laughs> J'étais l'un des rares français, d'ailleurs, qui jouait Arc en version mobile, et euh, c'était assez marrant, d'ailleurs, euh, Arc sur mobile, je sais même pas d'ailleurs si le jeu existe encore... Euh... Euh, mais bon, voilà, c'était pour la bonne période de arc euh, où j'avais euh, pas mal regardé pas mal le jeu à l'époque. Euh... Ouais, non, c'est franchement. En on il est... on, on fait vraiment du un, un taf de fou hein, quand tu sais que maintenant c'est quelque chose qui est utilisé, hein, même au niveau du cinéma et. Euh... Donc enfin, je trouve que là-dessus, euh, les équipes d'Epic, ils ont fait un, un, un taf remarquable. C'est pour ça que derrière, euh, ce qui est génial, euh, il y a eu récemment euh, il y a eu la présentation de Hellblade 2, euh, qui est aussi fait sur du moteur Unreal Engine 5. Euh, ce qui est génial, c'est que maintenant vous avez carrément des, 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 des jeux-films, des jeux vraiment qui sont complètement immersifs qui avec du motion capture je crois qu'elle il Blade ils ont fait quasiment 1000 points au niveau du personnage au niveau de l'expression du visage du personnage c'est un personnage aussi qui est assez psychotique, le personnage qui joue, enfin l'actrice qui joue derrière. Euh, vous voyez, on parlait tout à l'heure, euh, vous voyez, par exemple, euh, un aspect que je crois quand même plus intéressant. Si vous voulez vraiment mettre un personnage féminin intéressant dans un jeu, foutez un personnage profond et intéressant comme Elblade, quoi. Ne vous foutez pas un truc comme, euh, comme Stellar Blade avec un, un gros fessier euh, juste pour vendre du... Euh juste pour vendre du, euh, du jeu chez, chez, des, chez des mecs, et puis derrière vous avez un personnage qui est creux du slip. Enfin, fait des vrais personnages consistants qui ont un vrai intérêt. quoi. Mais Hellblade par exemple c'est euh, un personnage qui est, assez, euh, qui est assez qui est super intéressant. C'est vrai qu'effectivement euh, je crois que les, les séquences de narration avec les séquences de motion capture derrière... C'est complètement fou en fait par rapport à ce qu'ils font. C'est vrai que les moteurs, l'espèce de fusion aujourd'hui entre le jeu vidéo et le film, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais aussi Euclid et on en parlait tout à l'heure avec Frisbee sur le fait par exemple d'avoir la possibilité. C'est Makima, j'y arriverai jamais. Makima, Makinima, je me souviens jamais du nom. Makina, c'est ça Ouais, Makina. Makina, ouais, c'est la possibilité de faire des histoires au niveau du jeu vidéo. Euh, bah c'est ça en fait c'est que aujourd'hui le, le médian du jeu vidéo nous permet vraiment d'aller extrêmement loin et euh, de pousser vraiment le réalisme comme si vous faisiez votre propre film euh, moi je rêverais de plus en plus d'avoir des, euh, des mini-films faits par des euh, par plein d'indépendants sur des sur des jeux ça se fait beaucoup avec du, euh, du GTA RP mais euh, avec le mec je pense qu'on peut aller extrêmement loin et plus les jeux seront réalistes plus ça permettra de pousser un petit peu ce euh, euh, comment dire cet aspect-là au niveau de la au niveau côté scénario. Et tu parles même pas IA. Tu me parles même pas encore de tout ce que les IA oui. font. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement, oui, c'est vrai qu'à la rigueur, euh, si, tu... si derrière, tu as, des... as des IA avec des LLM où effectivement tu peux discuter avec tes personnages, tu pourras non, aussi non, avoir... Si de la création graphique de ce que font les IA comme Sora. Ah oui, euh... d'accord, oui, oui, c'est vrai, effectivement, oui, oui c'est vrai. Il y a toute la, oui, il a toute la création euh, graphique oui, oui. là-dessus, ouais, tout ce qu'on qu peut faire, ouais, effectivement, aujourd'hui. Alors, Sora, c'est euh, le... la, la version vidéo de, de ChatGPT, enfin, d'Oponaï, ouais. euh, qui, euh, qui est encore en cours de développement. Il euh, y, a, y a énormément de choses là-dessus, effectivement, qui sont, euh, qui sont à venir. Mais de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, Euclide, euh, peut-être, euh, du coup, sur une, sur une émission <laughs> dédiée là-dessus, oui. sur... Euh... Toute l'innovation au niveau des IA et des jeux vidéo, euh, on essaiera de, de se faire une, une petite émission spéciale là-dessus euh, par rapport à ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour euh, cette actualité qui est quand même relativement dense. Bah déjà, bah merci à toi, du coup, Euclide, d'être venu pour, pour présenter Star Atlas, pour ouvrir un peu les esprits à différents <laughs> types de jeux et à des jeux euh, un petit peu différents euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans le domaine du jeu vidéo. C'est ça aussi l'objectif de l'émission. Euh, C'est de vous présenter différents aspects du jeu euh, du jeu vidéo et pas les aspects euh, classiques que l'on voit un petit peu euh, partout en permanence. Donc déjà, merci d'avoir ouais. fait euh, profiter de, de, cette, de ton expérience là-dessus. Côté disruptif avec Atlas, on est bien, clairement. Oui, ça, clairement, c'est sûr. <laughs> euh, donc, du coup, bah, voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Sachez évidemment que vous retrouverez cette émission chapitrée juste après euh, la fin du live, euh, comme à chaque fois. Donc, pour ceux qui, si, qui auraient raté un petit peu l'émission, qui voulaient revoir des passages en particulier, euh, vous pourrez revoir des passages spécifiques, tous ça chapitré. Vous pouvez retrouver évidemment l'émission en podcast sur les plateformes euh, Spotify, pas Apple Podcasts, etc. En sachant maintenant euh, que l'émission, vous pouvez la retrouver euh, pour ceux qui la rechercheraient un petit peu. Hop, je vais vous le mettre ici. Tac, vous avez euh, ma page dédiée. Je vous remets le truc là. Juste sous les yeux. Put, 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 put. On va y arriver. Juste là. Je vais vous remettre le lien du coup pour ceux que ça intéresse sur YouTube et sur Twitch. Tac, tac. C'est pour le bon lien, je suis arrivé. Le bon lien, il est là. Vous avez ici, podcast. Et là, vous pouvez retrouver directement l'émission euh, sur les différentes plateformes de podcast, à la fois Spotify, Apple Podcast, et ainsi de suite. Faites-vous plaisir en sachant que, particularité sur... Euh, sur Spotify, il n'y a de podcasts et ainsi de suite, vous pourrez retrouver l'émission qui sera découpée en trois, en trois blocs. Donc peut-être que je ne le ferai pas ce soir, peut-être que je diffuserai ça demain. Euh, en sachant maintenant que l'émission que porte un nouveau nom, ça s'appelle fan l'univers du gaming. Et vous allez pouvoir retrouver dessus euh, l'émission. J'avais déjà commencé la, la, la semaine dernière. Vous voyez, la semaine dernière, vous avez fait à la fois les news de Star Citizen euh, avec un épisode complet, les débriefs des news de la semaine, ce que je viens de vous faire, et il y aura également aussi euh, découpé euh, la partie sur Star Atlas pour ceux qui voudraient voir spécifiquement euh, une news en particulier du coup euh, sur l'actualité science-fiction, ou fantastique, fantasy. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi l'émission, merci d'être aussi nombreux chaque semaine. Euh, J'espère semaine prochaine vous faire euh, peut-être une vidéo peut-être sur Star Wars Outlaws. On va voir ce qu'ils nous proposent comme news là-dessus. J'aimerais bien arriver à vous couvrir le... ce jeu. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on se retrouve euh, comme chaque dimanche soir sur l'actualité science-fiction euh, et fantasy fantastique, euh, tous les soirs à, 10... à 21h15 le dimanche et après disponible en replay sur vos plateformes favorites en tout cas merci à tous merci à toi encore Euclide pour euh, pour être venu et euh, bah, je vous souhaite à tous merci une... bah, de m'avoir invité et bah, du coup je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout prenez soin de vous